Cause you're all that I want. Could you let me in? The last drink was the last drink, but I don't wanna leave. I wanna get closer. Don't want this night to be over. I wanna get closer. It's not over yet. We could go back to my place. Cause I don't wanna waste no precious time. So let's go back to my place. If it's only for tonight. Bien cette musique. Bonne année à tous. NSX Love, NSX Cœur, NSX Chien. Coucou! Comment vous allez? Attendez deux secondes parce que j'ai fait un truc avec le jeu, mais. Là, voilà. Comme ça, je peux être avec vous après. Comment ça va? Bonjour, bon dimanche. Coucou Colline, Cam, salut Lucé, tu crues. Merci beaucoup pour le follow. Coucou Mel, Cassica, Edine, Ad, Blesser, Jury Chauché, comment vas-tu? Coucou Manon Van, Citrilt, Xekat, merci beaucoup pour le cinquième mois d'abonnement. Aela, coucou, salut Tom Di Vincenzo. Entrons dans le saloon, les petits cowboys. Merci beaucoup, Aela, Tom Di Vincenzo, bonjour à vous. Coucou Catlou, Céliponio, Evoli, Ken Chia, bonjour, bienvenue dans le chat. Coucou Morgane, salut Concombre, Ange Hop, Lorelei 24, merci beaucoup pour son deuxième mois d'abonnement. Coucou Lisa Delusional, merci pour le troisième mois d'abonnement. Et attendez, parce que j'ai entendu qu'il y avait eu des ding 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 dans tous les sens quand on a commencé. Voilà, on en est là. Merci beaucoup Ali Moon pour le deuxième mois d'abonnement. Et Mel qui regarde 10 streams consécutifs et qui remporte 450 points de chaîne. C'est beau, coucou
Popoline, merci pour le follow. Coucou, Evie, qu'est-ce qui t'arrive, Evie? Tout va bien? Merci beaucoup pour le cheer, beaucoup trop de flow. Maëlle, merci infiniment pour le 28e mois d'abonnement. Et merci beaucoup à tous ceux qui regardent des streams consécutifs. C'est beau, Lil Manji, Simadgeekette, pardon, qui regarde 3 streams consécutifs, ainsi que Rocky Roux et qui remporte 350 points de chaîne. C'est beau, coucou, touk touk, merci beaucoup pour le 4e mois d'abonnement. Et Evie, merci pour le cheer. Beaucoup trop de flow. Oh putain, attendez. Oh, mais Marina, 7 streams. Ad PLCR, 3 streams. Enjob, 7 streams. Cassie, 10 streams. Wanderer, 3 streams. Glowan, 3 streams consécutifs. Mais c'est beau. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment d'être au rendez-vous à chaque fois. Laurélie, merci beaucoup. C'est Laurélie, pas Lorelai, n'importe quoi, moi. Merci beaucoup pour le cheer. Beaucoup trop de flow. Fan de Sims 24, 3 streams consécutifs, c'est bon. Merci beaucoup, Flavie. Merci beaucoup pour ton 23e mois d'abonnement. Et Evie, merci beaucoup pour le cheer. Beaucoup trop de flow. Merci infiniment. Non mais regardez-moi ça, Kaedin qui regarde 10 streams consécutifs, Citril qui regarde 10 streams consécutifs. On est où? Bravo, merci beaucoup, merci infiniment. Coucou Lucas MGLL, Glowana Fin, j'espère que tu vas bien. Coucou Fullslug, Piccola Paulina, Wanderer, Tibuchu, Erin, Magné, pour ceux qui sont pas venus dans les streams depuis le début de la semaine. Je vous souhaite une très bonne année et je vous propose Gros Milo. Gros Milo qui a couru dans tout l'appartement pour venir juste ici. Elle me fuit. Mais elle vous boude, hein. Elle me boude à moi. Hein. Non, mais elle boude de ouf. Regardez comment. C'est vraiment. Elle a un truc, elle ne veut pas que vous la voyez. Elle est en mode. Je tournerai ma tête à chaque fois pour ne pas qu'on me voie. C'est incroyable. Coucou LZ, comment ça va? Coucou Kurami et Simet Geekette, Miss Lutti, Lil Manji, Hoover, Meg Flo, j'espère que tu vas bien. Coucou Vanessa Luna Only, Ivenox, Evie Firefly, Cookie Cree, Mlimae Mae, Jalawina. Coucou tout le monde, trop heureuse de vous retrouver. Et oui, ça va être trop bien. Coucou Olin, salut Biscotte, Kelly, Noémie Castiel, Reynana, Petit Chat, Drama Clem, Aki MB, Ali Moon, Elodie 49000. Et Louceline, Rocky Ru, fan de Sims 24. Les Sims 24 sont sortis, ça y est. Coucou Sarah la mère et coucou Lolo, ça va super et toi? Coucou Popoline, merci pour le follow. Coucou Yanmar, Rex, Marina, j'espère que tu vas bien. Moi, 990, Autra, Lulu, la grosse fourmi, Luce, Clem, Winnie, 6629, ça va très bien et vous, comment vous allez? Coucou Popopo, 1, 2, 3, 4 plutôt, excusez-moi. Coucou Lily Roseloy et salut Vivi Miaou, trop hâte de voir la suite des dramas de Lola, mais moi aussi en vrai. Coucou Momo, salut Oshirachan et coucou Mod, salut Tsukia, vous savez que j'ai pas joué aux Sims depuis la reprise, j'ai pas joué dans le gameplay, je n'ai pas ouvert mon jeu, sauf quand on a construit l'appartement la dernière fois, donc mardi, je n'ai pas touché au jeu sinon, voilà, j'ai hâte en fait, un petit peu, j'avoue. Coucou Jeanne, j'ai pile à l'heure, bonjour, ça fait longtemps que je suis pas venue, eh ben écoute, bienvenue et bonne année à toi. Coucou Manon, salut Fairytale, Valoulm, j'espère que tu vas bien. Coucou Manmou, HK, Gevor Gucci, Selifa, Vavatori, Franz Biron, Lycos, comment vas-tu? Coucou Ciboulette, salut Lana, merci beaucoup pour le follow. Coucou Une Fille Rêveuse et Nilakno, coucou Aelia, Priski, bienvenue dans le chat, et coucou Kiwa, salut Ameline, Lomne, Hermance plutôt, Jet Setteuse, Hello BGE, ça va super. Et toi, coucou Kiffy, salut Lex Dabi, mon premier stream cette année, bonjour tout le monde, et bien bonjour à toi, bonne année. Coucou Wolflana, salut Iwan, et coucou Céline. Boum, boum année tout le monde, boum. Coucou Céline M, j'espère que tu vas bien. Coucou Poupib, et Hélène Eniripsa. Coucou, bonne année à toi aussi, salut Naerib. Attendez, suis-je désolée si j'écorche vos pseudos, je l'ai dit très vite, mais Naeriabi. J'espère que tu vas bien. Coucou SosoBN, salut Juskai, Elod, LouCBL, Chiou, j'espère que vous allez bien. Je t'avoue qu'en ce moment, je suis dans une période très compliquée. Je passe beaucoup de temps seul dans ma chambre et tes streams font vraiment une bouffée d'air frais et de bonnes vibes. C'est une vraie. Bah écoute, ça fait plaisir, Dramaclem, que tu trouves un petit peu de réconfort là-dedans. Bon courage à toi et gros cœur sur toi. Je pense, je peux le dire, de la part de nous tous et de l'oreille de Mila surtout, parce que là, elle boude, hein. On est d'accord qu'elle boude, ça c'est un chat boudeur. Attendez, je vais lui gratouiller le. Je vais les gratouiller un petit peu. Regardez cette beauté. Oh là 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 là. Regardez-moi cette beauté. Evie Firefly a 100 fois trop de flow. Merci beaucoup, Evie. Niveau 4 ? Oh, bah le niveau... Non, pas tout de suite. Mais merci à tous de participer au train de la hype. Il y a actuellement un train de la hype. Si vous avez envie d'y contribuer, merci beaucoup, Evie, pour toute ta contribution. Merci beaucoup pour le tir. Beaucoup trop de flow.
Et merci beaucoup Wondereva pour le 23e mois d'abonnement, bonne année à toi aussi. Comment on voit le résumé? Je suis à peine au deuxième live de la série Lola. Alors, il y a plusieurs résumés, tu fais point d'exclamation R-U... Attends, je te le fais, regarde. Point d'exclamation résumé, tu cliques dessus. Et là, dans la playlist du short, tu vas chercher, tu peux chercher une playlist de shorts sur ma chaîne et tu vas pouvoir tous les enchaîner. Au total, t'en as pour moins de 10 minutes à tout regarder, le temps qu'on se dise bonjour et tout. Tu peux regarder tous les résumés un à un et... Attends, je t'envoie même le lien de la playlist parce que je pense que sinon, ça va être un peu chiant à prendre. NS, Lola, hop, juste ici, Noémie Stinguette, je veux la playlist de Vie Parfaite. Voilà, je t'envoie la playlist si jamais t'as envie de regarder juste les shorts, comme ça t'as un résumé de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui se passe petit à petit. Ça va vite, hein. C'est 10 minutes de condensé, mais condensé assez vénère, et au moins bah, tu pourras tout suivre tranquillement et ce sera parfait. Merci beaucoup Momonoki pour le 3e mois d'abonnement, merci infiniment, merci Evie pour les 5 abonnements offerts, c'est beau. Merci infiniment, bienvenue à Daimo, à Tintachia, à Enzo R, hey, bonne Charles, année. À Enamod et à Nonolil. Être avec toi, bienvenue Lola, à vous. Vraiment un dimanche parfait. Merci beaucoup Hello Helsing pour le 4e mois d'abonnement. Merci infiniment. Merci, merci. Et merci le parrain pour ton prime. Bienvenue parmi nous. Merci Alex Slim pour le 6e mois d'abonnement. C'est bon. Merci à tous. Merci infiniment. Merci beaucoup et bonne année à toi Hello Helsing. Bonne année à toi aussi. Coucou Astrélilis, j'espère que tu vas bien. Coucou Yuna Gloom. Tia tem mer. Tia tam. Tia ta merc. Coucou, bienvenue dans le chat. Coucou Kexiel, comment vas-tu? Salut Linti et Lika. Coucou Camille Lachenie, Alissa, Lélé Capri, Mecha Dragon, Kiara. J'espère que vous allez tous bien. Coucou Evernight, Kimoon. Et si vous allez pas bien, j'espère que ça va vous remonter le moral. Hein. Comme d'habitude, j'ai l'impression de le répéter sans cesse, mais c'est parce que je le pense vraiment. Coucou Petit Venti, santé, bisous. Et bonjour à toi. Bonjour, coucou Alicia, salut Rachel, Adela Clia, bonne année à toi aussi, et coucou Elan, attends, Elan Wina Swede, Elan Wina Swede, non, Elan Wina Swede, Elan Wina Swedel, Elan Wina Swedel, Elan Wina Swedel, coucou, bonne année qui commence bien, première fois que je peux venir voir Lola en live, trop cool. Trop trop bien, bah ça fait plaisir. Coucou Julie Ify, salut Natsumi Eren, ça va super et toi? Coucou JSPTB59, bonjour. Et coucou Momonoki, j'espère que tu vas bien. Coucou Wendy, attends, Wendy Zoldik, salut salut et coucou la luge, comment vas-tu? Bon live, des bisous, bah du coup des bisous, bon pas live à toi et bonne rediff potentiellement. Bonne rediff à toi, merci beaucoup Prunelle pour le 13e mois d'abonnement, merci infiniment et merci Morgane pour les 3 mois d'avance, c'est beau, merci beaucoup, merci pour la confiance, merci beaucoup pour tes 3 mois d'avance, c'est inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant? C'est quoi qui est inquiétant? Elle va faire un AVC? Non, parce que j'arrive bien à parler, ok? Même si parfois je bute sur les mots, d'accord? Coucou Jessica, t'as vu, je t'ai compris du premier coup, Julie. Merci beaucoup Jessica pour le 15e mois d'abonnement. À moi aussi, même si ça m'a fait du bien, j'avoue, ça m'a fait beaucoup de bien de tout couper. Ah, attendez. J'avais la manette sur mon bureau, ça m'énervait parce que ça me prenait... Tu sais, je la voyais, j'étais en mode manette, et j'allais dire manette, et je veux pas dire manette. qu'est-ce que je voulais vous dire? Lucas m'a dit tout à l'heure, oui, je cherchais un coude comme pour ta carte graphique et tout sur internet, parce qu'il va changer de carte graphique, il a pris la même que la mienne. Et il me dit, sauf que je la trouve nulle part, et en fait, je me suis renseignée, et apparemment, tout le monde l'a retournée parce que ça faisait fondre les cartes graphiques. Carte graphique, elle coûte genre 2000 balles, quoi. Et Bifi refait du coup, à 110 un coup, j'en ai deux STV. Ok, pas de soucis, Evie, je vais venir te couper le coude. Merci beaucoup pour le tir de 110 bits. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous. Donc, j'en ai acheté un autre qui coûte genre 3 fois plus cher, mais c'est pas grave. Et normalement, il devrait pas y avoir de problème avec celui-ci. Et en attendant, bah... Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas cramé pendant genre 6 mois et que là ça crame maintenant, avant que je reçoive le nouveau. On est d'accord? On est d'accord, hein? On est d'accord?
Coucou Lisa Chix, tu vas bien? Et salut Sop Sop, j'espère que vous allez bien. Coucou. Merci beaucoup Alex pour le 6e mois de Prime. Merci infiniment. Coucou Potea et le parrain, merci encore pour ton Prime. Merci beaucoup de l'avoir lâché ici. Coucou Prisou et salut Ludmila Mi. Bonjour, bonjour. Coucou Nres, elle a une sacrée vie effectivement. Lola, oui. Coucou Léane RLT et salut Mirila. Coucou Jujuruli et Fiofioche Maura, ça va super et toi ce dimanche? Coucou Agathe Fl. Bienvenue dans le chat. Et salut Kiwo, bonjour. Coucou Liso21 et Fuir. Oh la caméra, la chaméra, trop choupi. Et pardon, bien le bonjour, bonjour, bonjour. Et oui, il y a Mila qui vous montre son oreille pour que vous vérifiez qu'elle a pas d'otite. Alors est-ce que vous pouvez checker s'il vous plaît? Lola, guess who's back? Back again. Lola is back. Tell your friends. Je sais pas si c'est ça qu'il dit. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Du. Chuchote à Mila. Ça va, Mila? Ça va? Coucou, trop contente, je suis enfin sur ton live, je suis trop contente. Ah bah ça fait plaisir, Sarah! Coucou, coucou! Et merci beaucoup, Mkyo, pour le 7e mois d'abonnement. Merci infiniment. Et merci, Clairon, pour le follow. Coucou, Terabz! Tu vas bien? Et salut Athénalizo, coucou Adadi Youssouf, salut Kokula et Ril Janel, Lil Spicy Fox, Skola et Laura. Skola et Laura, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans le chat en tout cas. C'est la première fois que j'arrive à être sur un live pour Loli Love. Non, être là pour un Loli Love, un Lolive. Oh, mais c'est trop intelligent! Bienvenue dans ce Lolive du dimanche. Bienvenue dans le chai. Non, bienvenue dans le chai. Bienvenue dans le chat, Sola et Laura. Bienvenue à toi. Et coucou Amaterasu. Je vais pas rester longtemps parce que ma famille vient ce midi. Et ben, bon amusement avec ta famille. Et bon appétit surtout. Et des gros bisous. Ah, j'aurais préféré rester avec toi et le chat. On est avec toi, de tout cœur. Et la rediff te remontera sûrement le moral, du coup. Coucou Bibi Lapin. Oh, ça fait longtemps. Bibi le lapin quoi. Comment tu vas? Et salut une louloutre de France. J'espère que vous allez bien. Attention, otite aiguë, mais bon, rien de grave, juste besoin d'une double ration de croquettes. La pauvre, bon courage. Elle est trop mignonne, en vrai, je l'adore. Bon appétit, Momo, bon appétit, peut-être à tout à l'heure. Ça va bien, et toi? Je vais malheureusement courir en fin d'après, mais je vois des amis, je pense pas avoir beaucoup du live de retour de Lola, mais j'aurai le replay. Oui, puis cette année, non, aujourd'hui, je pense que vous avez vu comment je suis Speedy Gonzalez là, à vous lire tous et à vous dire vos pseudos. Par contre, les sous-titres, ça doit être quelque chose, hein, à lire tous vos pseudos, il doit dire n'importe quoi, ça va être très drôle. Est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé la rediffusion sur Twitch et qui ont vu les sous-titres? C'est une vraie question que je me pose. Est-ce que sur Twitch, du coup, les sous-titres sont mis maintenant avec la rediff, vu que je fais ça comme ça, ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait le test ou pas, quoi? Coucou Minibou, salut Sarah! Première fois que je suis sur ton live, je suis trop contente. Bienvenue du coup et salut Olapia. En plus, je t'ai déjà dit bonjour tout à l'heure. Coucou le Titanic, merci beaucoup pour le follow. Salut Slowy et coucou Yunox. Salut Veil, ça fait trop plaisir de te retrouver en live. Je peux pas rester malheureusement, mais des bisous et bonne rediff à toi du coup, je suppose. Coucou Nekali et salut Juliane. Même moi, c'est la première fois. Et pourtant, tu as déjà parlé dans le chat puisque ce n'est pas ton premier message de premier live. Donc peut-être que tu ne le savais pas, mais tu as déjà parlé dans ce chat. Coucou Yaya des Bois, merci beaucoup pour le follow. Salut Aurore, coucou Banana Louise. Et salut Marley, j'avais totalement oublié Lola, moi. 3 semaines en même temps, la revoilà. Mais oui, c'est trop cool. Et salut Erin Dolen. Merci beaucoup d'avoir regardé les 3 derniers streams, c'est cool. Et salut Maya Elion Séguré. Bonjour. Bonjour Vanity Cancri. Jun Jeong Guimin, je suppose. Coucou et salut Leia, ça va? Et toi, comment tu vas? Coucou Louise, merci beaucoup pour le follow. Salut Nuage, bienvenue dans le chat. Lince, bonjour. Héloïse, bonjour. Mel, t'es à 600 messages envoyés alors qu'il y a eu qu'un seul stream cette semaine. Il y a eu 2 streams cette semaine, Evie. Il y a eu 2 streams cette semaine, Evie. Il y a eu le stream de mardi. Et après, il y a eu le stream d'hier. Merci beaucoup, Jalawina, pour l'abonnement offert à Kekere. Merci infiniment. Merci, merci. Merci, ça fait trop plaisir. Et merci beaucoup à Auru Forever pour l'abonnement. Bienvenue parmi nous. Bienvenue à toi. Alors attendez, parce que est-ce que... Oui, j'en étais là. Ok, c'est tout bon. C'est tout bon. Regardez-moi ça. Erin Dolen, qui a regardé 3 streams consécutifs. Olapia, qui a regardé 3 streams consécutifs. Aurore, qui a regardé 3 streams consécutifs. Bonjour, c'est incroyable. Bonjour, bonne année, Béatrice. Pour ton contenu. Merci à toi pour le 2e mois d'abonnement. Dès que je peux.
Ah bah ça fait plaisir, le plaisir est partagé, merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement. J'ai regardé la rediff sur YouTube, mais c'est très bien, vaut mieux la regarder sur YouTube que sur Twitch concernant le soutien. Si jamais sur Twitch ça rapporte que dalle si vous regardez les rediffs sur Twitch, mais vous avez le chat et c'est quand même pas négligeable, donc ça dépend vraiment de vos goûts, vous faites comme vous préférez. Mais si vous regardez les rediffs sur YouTube parce que vous vous en foutez du chat et que vous avez pas envie de le lire, et bah sur YouTube c'est plus avantageux pour les créateurs, voilà. Tu vas réussir. Mais oui, mais attendez, mais là franchement, moi, je trouve que je suis géniale. J'ai rattrapé quasi tous les messages, quoi. Coucou, Nila Kno. Je suis fière de moi. Je viens de regarder, les sous-titres sont bien activables sur les rediffs. Oui, c'est trop bien. Oh, je suis contente. Faire ses devoirs juste avant la reprise, très intelligent. Merde. Et là, tu dois faire un truc, en fait, c'est tu devais relever la température exacte tous les matins à une heure précise, tous les jours de tes vacances pour un devoir d'SVT. Et t'es en mode... Alors, en fait, j'ai bougé toutes les vacances, j'étais jamais dans la même ville chaque jour, donc comme ça, il peut pas vérifier. Voilà, voilà. Coucou, aussi Kenzie. Trop content d'être là. Hier, j'ai imprimé mon rapport de stage. 6 mois de boulot, ça fait du bien de plus avoir ça en tête. Tu m'étonnes. Eh ben, trop cool, ça doit être tellement un soulagement. Merci beaucoup, Nico Bilwin. Merci infiniment pour ton prime. Merci beaucoup de l'avoir lâché ici, ça fait plaisir. Merci à tous et merci beaucoup pour le train de la hype au niveau 6. Evie, c'est toi qui as offert le plus de subs et c'est toi qui as offert le plus de beats. On peut dire que c'était un train de l'hype Evie. De l'Evie-hype. De l'Evipe. C'était un train de l'Evipe. C'est pas mal comme ça. Merci beaucoup, Honora, pour le 5e mois d'abonnement. Merci, merci. Merci à toi. Coucou, Lilounette Danse, ça va super. Et toi, et salut, Épauline. Coucou, Jovan. J'ai perdu mon streak. Mon streak. De. Mon streak. Mon streak. Mon. De 8. Mes 8 lives consécutifs, je suppose, en manquant hier. Oh non, mais pourquoi, Jovan? Est-ce que t'as un mot d'absence? Est-ce que t'as un mot d'absence à me fournir? Streak, ok, ça se prononce comme ça. T'as un mot d'absence peut-être? Ça va super et toi? Coucou Priscilla Potty! C'est le premier live de l'année que j'arrive à visionner. Eh bien écoute, bonne année à toi. Coucou Salétila, salut Adélil. Ça fait longtemps que j'ai pas pu regarder, mais j'ai vu toutes les rediffs de Lola. Oh, c'est trop cool! Je vais pouvoir voter et tout, mais oui, c'est trop bien. Coucou Nico Bilwin, merci beaucoup pour ton prime. Bienvenue parmi nous. En plus, maintenant que les enfants commencent à être enfants, il va y avoir des pop-up qui vont afficher pour savoir ce qu'ils font à l'école et tout. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Coucou BDG Corsica, salut, salut. Merci beaucoup Honora pour le 5e mois d'abonnement encore. Et Fire Goopers, hello, comment vas-tu? Salut Marple, bienvenue dans le chat. Et coucou Elatana et Tetosika, bonne année, ça fait plaisir de vous retrouver. Mais le plaisir est partagé, sachez-le. La rediff du dernier live de Lola était super pour me tenir compagnie quand j'étais malade pendant les fêtes, merci pour ça. Mais avec plaisir, avec plaisir. J'ai un alibi, j'étais au cinéma. Oh non, la collection d'appareils photo dont mon neveu veut hériter. Ah. J'ai la ref. J'ai regardé 5 minutes, mais ça n'a pas suffi à comptabiliser mon visionnage, perso. Comment ça, Tibouchou? Comment ça? Ah, tu veux dire pour avoir les trucs à la suite? Est-ce que vous le voyez, vous, sur votre compte, que vous avez des visionnages de live d'affilée? Est-ce que ça vous met une petite notification en mode « Vous avez regardé tant de lives d'affilée, c'est vous qui décidez de la partager ou pas du tout ?» Du coup, j'ai gagné cette émote, what the fuck, c'est quoi? C'est trop drôle. T'es la mère Noël, en fait, de service pour ce train de la hype, voilà, on est content. Oui, ça vous le fait, mais c'est trop bien. Faut cliquer sur le coin. Le coin, le petit canard ou le coin du chat? En fait, le coin est dans le coin, donc au final, je pense qu'il faut que tu cliques dans le coin, c'est ça? Coucou Claydou, bienvenue dans le chat, et coucou Emma BN, salut Aude, j'espère que tu vas bien, bonne année à toi aussi. Coucou Nils le crocodile, et salut Kawette. Merci beaucoup pour le follow. Canard coin, sur le coin coin, alors il faut dire. Sur PC, on voit sur portable, je sais pas. Bah écoutez, au moins sur PC, vous pouvez le partager, c'est trop cool. Coucou Gwen, tu vas bien? Et salut Alizead. Salut Moalito. J'ai vu avec le UI Cheese qu'il y avait la mort avec les fleurs ou quelque chose comme ça, ça parle à quelqu'un. Je crois que c'est un bouquet que tu peux donner à quelqu'un et il meurt avec ce bouquet, il me semble. Hein. C'est un bouquet de fleurs, ouais, je crois. Sur téléphone, non. Ok, d'accord, Jus, bah écoute, c'est bon à savoir. Hein. Coucou Adima, ça va très bien et toi, comment tu vas? Comment ça va? Perso, je suis à 4 lives, plus qu'un pour débloquer des points en plus. Ah, incroyable, Kouraïm, trop cool. Et du coup, c'est quoi? Plus vous avez de lives consécutifs et plus vous apportez de points de chaîne à votre... Enfin, ça vous fait... Vous avez tant de points de chaîne parce que vous avez cumulé tant de lives? Oh, j'ai hâte de voir, il faudrait que je regarde des lives consécutifs pour pouvoir voir ce que ça donne et pour pouvoir voir le petit message, j'aimerais bien. Moi, sur tel, je vois. Ah, bah sur le tel, apparemment, on peut. C'est juste que Ju, t'es pas là en live consécutif, c'est tout. C'est tout, en fait. Voilà. Ju, un coup, elle a un entraînement de basket, un coup, elle a cours. En fait, elle a une vie. Comment tu oses avoir une vie, Ju? Comment? Coucou, Léano, merci pour le follow. Et coucou, Sylvia Simset. Je te soutiens.
J'espère merci que cette beaucoup, année 2024 sera ton année pour la santé. Oui, j'espère aussi. Pour le travail, aussi. J'en doute pas. J'espère. Visage plein d'œil. Mais j'espère merci pour le travail aussi. Hein. J'espère que tout va bien se passer parce qu'il va y avoir beaucoup de projets, quoi. Merci beaucoup, Carla, pour le 24e mois d'abonnement, les 2 ans d'abonnement, quoi. Merci infiniment. Suite Intiate, 24 mois. Mais non, mais plus encore. Plus encore, cucu. T'en es à 27 mois d'abonnement. Merci beaucoup pour les 27 mois. Donc plus, au final, de 2 ans d'abonnement. 2 ans et 3 mois. C'est beau. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup du soutien longue durée. Et Enzo, merci beaucoup pour le follow. Monopoly, merci à toi pour le follow aussi. Et bonjour, Kira, qui a regardé 5 streams consécutifs et qui remporte 450 points. Bonjour à toi. Salut, Kova. Merci beaucoup pour tes 3 mois, pour ton 3e mois d'abonnement. Autant pour moi. Merci beaucoup. Et coucou, Nano, DBS, Alix et Jara. J'espère que vous allez bien. Et je vous propose, on a commencé il y a 24 minutes. On n'a pas de discussion aujourd'hui. On y va direct. Aujourd'hui, il n'y a pas de préliminaire à ce stream. On rentre dans le... Trop contente de revoir Lola. Tu nous as manqué. Coucou Med. Merci beaucoup pour le 10e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci, merci. Moi aussi, je suis contente de la retrouver. Merci, je suis trop contente. Coucou Sampal, que je suis juste de passage parce que j'ai un examen demain et je vais pas pouvoir être très active jusqu'à la fin de ma session, mais je te souhaite une incroyable année. Bonne année à toi aussi Sampal, et merci d'être passé. Coucou Milef, je profite de mon message pour dire que je te suis sur YouTube depuis un moment et j'adore ce que tu fais, je suis souvent en lurk ici, mais aujourd'hui je dis bonjour. Eh bien bonjour Milef, merci beaucoup d'être sorti du lurk pour ton petit message de bonjour. Coucou Rose. Déçu de mon anniv, tombe jamais lors d'un stream, j'aurai 54 ans demain. Oh, mais je peux pas te le souhaiter en avance. Aïe. Je peux pas te le souhaiter en avance, mais j'espère que tu passeras une excellente journée demain. Voilà. Coucou Yutoda. Salut, salut. Il y a encore des réductions sur IE, ça finit le 9 janvier, gros bisous. Oui, mode, j'ai fait une vidéo dessus si jamais vous voulez, que je peux vous envoyer d'ailleurs. Je te suis depuis plus longtemps, mais je me suis abonnée tardivement. Merci pour tes vidéos, tes lives, tes conseils, ta joie, ta bonne humeur et de ton temps. Merci d'être présent. Merci beaucoup Stenmomic, merci infiniment, merci beaucoup pour le 6e mois d'abonnement et le message. Et merci beaucoup Gwen pour le 25e mois d'abonnement. Merci beaucoup, merci à vous. Alors attendez, parce que je vais vous montrer, j'ai fait une vidéo à ce sujet si jamais vous voulez. Et si vous voulez utiliser, hop là, si vous voulez utiliser aussi bien sûr mon code créateur NS, n'hésitez point. Quand vous achetez quelque chose, vous allez dans la rubrique code promotionnel, vous rentrez le code NS et ça ne change pas, ça ne vous fait pas de réduction à vous, mais ça permet que une partie de l'argent que vous dépensez sur ce site, eh bien, ils reviennent 5%. Je crois que d'ailleurs que c'est 7% en ce moment, si vous le faites pendant les promotions. Il y a 7% qui me viennent à moi plutôt que d'aller à IE et c'est trop cool. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui l'utilisent, à tous ceux qui l'utiliseront. Et merci beaucoup parce que c'est aussi grâce à vous et grâce à l'intérêt que vous portez à ma chaîne qu'on peut avoir ce code créateur et ça, c'est beau. Donc merci beaucoup et merci beaucoup Cucu pour l'abonnement offert à Bookmark. Merci infiniment, merci, merci. Merci beaucoup, changement d'ambiance, tout en vert. Eh bien d'accord, pourquoi pas, allez, on y va. Tout il est vert, tout il est vert. Hop, voilà. C'est vert. Je suis dans un monde vert. Hello Elsie, ne gasse en fois trop de flow. Wouhou. Soit je suis entourée de plantes, soit de vomi, à choisir. Merci beaucoup Hello Elsie pour le tir. Beaucoup trop de flow, merci, merci. Merci infiniment, coucou Sowayne, bonne année à toi aussi, et salut Alicia. Coucou Clarousse, j'espère que vous allez bien. J'ai complètement complété ma collection vendredi, j'ai pris 6 packs pour finir ma collection, j'ai utilisé 3 packs avec le tien et 3 avec celui de Lucas car je n'arrivais pas à me décider. Bon, c'est trop cool, merci beaucoup Julie, fille, ça fait trop plaisir. J'ai utilisé hier, j'ai profité des promos. Ah, ça fait plaisir, merci. J'adore l'ambiance verte comme ça. Oui, c'est sympa, ça fait un côté très apaisant. Voilà, t'es juste dans l'univers. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Merci beaucoup, Mélanie Stitch, d'avoir utilisé le code promo. Ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui vont l'utiliser, bien sûr. Coucou, Flanelle Color. Bonne année à toi aussi. Bonne année, bonne année. Et coucou, Romane. J'ai acheté une collection, mais quand j'ai mis ton code, ils m'ont dit que c'était pas disponible. Non, oui, pour les collections, ça fonctionne pas, malheureusement. Coucou, Nilou Jilou. Et salut, Bibi Poisson. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. Et bienvenue dans le chat, Bibi et Poisson. Alors, attendez. Parce que là, on a une musique de ouf. On peut pas s'arrêter. On fait passer cette musique et après, on rentre en jeu. Ok, ça vous va? Forever Blue. Elle est trop bien, je... J'ai du mal à l'enlever. Elle est trop belle, elle est trop belle. Coucou Toshikis. Ça va super et toi?
Ah bah bon courage pour la crève. Coucou Rexco, salut Dying to Bleed. Bonne année à toi aussi. Et coucou Marmelade de Fruits, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, c'est son révision. Bon courage. Et coucou Amy Maya, première fois que j'arrive sur un live, trop contente. Bienvenue dans le chat. Bienvenue, bienvenue. Et coucou Pachou. Salut Naerd, merci beaucoup pour ton prime. Merci beaucoup de l'avoir lâché ici, ça fait plaisir. Et coucou Camille Schmund. Salut, salut. Bon récap à toi. Bon récap à toi. La chanson, elle s'appelle Forever Blue. Forever Blue de Arch Tremors. Mais elle est pas sur Spotify. Voilà. Non, j'ai pas fait de cauchemar à cause du jeu d'hier. Heureusement. Moi, je suis pas malade. Je touche du bois. Hein. Franchement, je touche du bois. Hein. Tous ceux qui sont malades, on n'est pas ensemble. Hein. Gardez vos germes. J'ai pas envie d'être malade. Ça me fait trop flipper, en vrai. Coucou, MIF. Bonjour, bonjour. On démarre vite aujourd'hui. Heureusement que j'ai vu là. Ouais, on va démarrer vite parce que j'ai hâte de retrouver Lola. Gardez vos microbes. Gardez vos germes. Forever blue. Elle est trop bien, cette musique. J'adore comment elle chantait, le style de musique est beaucoup trop, trop stylé. Allez, je pense qu'on va pouvoir aller en jeu. Coucou Cam Strawberry, salut Chloé Braise, salut Bunny, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le chat Naerd, du coup. Ma copine m'a initié à tes streams et on les regarde souvent, donc le petit prime, ça fait plaisir pour te soutenir, merci beaucoup, merci, merci. Ça fait plaisir, bah à moi aussi, hein, beaucoup. Je commence à me remettre de mon rhume pile poil pour retourner au boulot demain. Ah, ils vont être contents, les collègues et tout ça, hein. Genre, ça va être quelque chose, hein. Ça va être quelque chose. Alors, ça, c'est Lola. Lola, elle est dans un trou noir en ce moment. C'est elle est un peu... Pourquoi il y a... Mais le jeu... Ah, ça, c'est Lola. Lola, elle a une vie plus désastreuse que parfaite. Oh, ça fait du bien de les retrouver. Oh là 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 là. Mais il y a des nains partout. J'ai fait un petit relooking, regardez. J'ai fait des petits relookings pour qu'il ait l'air moins, il ait l'air moins adolescent, mais j'ai gardé pour qu'on le reconnaisse. C'est le frère de Lola, ça je vous rappelle, Mathéo. Avant de se lancer réellement, je tiens à vous montrer par exemple l'arbre généalogique, histoire qu'on se remémore bien tout ce qu'il s'est passé. Je pense que c'est une bonne chose à faire, donc nous allons venir juste ici. Voilà. Souvenez-vous, dans la famille de Lola, on va cliquer sur elle d'ailleurs, nous avions Papoustache. Il est mort. Nous avions maman et papa. Ils sont morts. Nous avions notre grand frère Yanis. Il est mort. Je sais pas pourquoi je rigole, c'est un peu triste, mais... Coucou Kidult, je te sors du lit, je te vois que tu es en stream, quelle bonne nouvelle de bon matin. Eh bien bonjour, coucou Candice, salut Yeyel, première fois que je peux voir le live de Lola. Bah ça fait plaisir, c'est trop cool. Coucou Léane, eh oui, t'arrives juste pour le gameplay. Coucou la bulle, très noir, le trou noir en effet avec le bug, c'est sympathique. Coucou Ilo Lai Lai, j'espère que tu vas bien. Donc Yanis est mort. Comment ça Yanis est mort? Ensuite, nous avons donc Mathéo qui a une fille, Sophie, qui a grandi, qui est maintenant une lycéenne ayant C2 moyenne. Nous avons donc également ensuite Chiara qui est notre sœur jumelle, et la petite dernière, c'est Amélie. J'avais pas du tout oublié son prénom. Lola, donc, dans cette famille assez grande, elle a 3 enfants. Son premier enfant, c'est Pauline. Pauline qu'elle a eu avec... Qu'est-ce que tu portes sur la tête, Jay? Et pourquoi t'as des lunettes? Mais, bref. Il est déguisé. Nous avons donc Jay qui est le papa de Pauline. Pauline qui a été nommée après Paul, l'ex-mari de Lola, Paul Parker. Et Paul qui est le fils d'ailleurs de Sacha Parker. Normalement, il a 2 sœurs, donc peut-être que nos enfants, ils auront des cousins. Pas du tout, d'accord. Super. Donc ici, nous avons Paul. Et avec Paul, Lola, donc elle a divorcé. Et après le divorce, elle a accouché d'enfants de Paul qui sont des jumeaux, Chris et Benjamin. Voilà donc pour le petit résumé. J'espère que ça vous a plu. J'ai complété mon jeu hier. Il me manque plus que des riquiquites. Je suis passée exceptionnellement par IA pour pouvoir utiliser ton code. D'habitude, je passe par Steam directement par le jeu. Est-ce que tu penses qu'il me manque beaucoup de choses dans ta sauvegarde? Tu utilises beaucoup les riquiquites ou pas trop? En vrai, j'utilise pas mal. Au niveau des constructions, ça va juste être des détails, je pense. Mais pour les personnages, comment ils sont habillés.
J'avoue, peut-être que tu vas avoir des gens à poil. C'est possible, mais merci beaucoup, petit chat, merci beaucoup. Merci d'être passé par IE pour utiliser le code, c'est trop bien. Et en plus, t'as des grosses promos en ce moment, donc t'as économisé pas mal d'argent, je suppose. Merci beaucoup, Justine Moba, pour le 15e mois d'abonnement. La bonne biscotte, bienvenue, merci pour le follow. Et merci beaucoup, Océane, pour le 9e mois d'abonnement, le bébé de stream. Pour mon Perfect Life Challenge, toute la famille est morte de faim, excepté mon perso et la mère. J'avais changé la cuisine de disposition parce que c'était le problème, mais ça n'a pas empêché les deux. C'est une semaine Sims complète. Et on est en deuil. Miss Lutie, au moins ça fait une tragédie de ouf pour commencer la vie, c'est bien, non? Coucou, claqué au sol. Salut, Afferlog. Comment ça va? Y'a pas de soucis, t'inquiète pas. Merci beaucoup, Audrey, pour les 3 streams consécutifs. Coucou, Zozo. Salut, la bonne biscotte. Merci beaucoup pour le follow. Et coucou, Maël. Salut, Odd. Enfin, j'arrive à te voir en live. Hello, tout le monde. Comment tu vas? Bienvenue dans le chat. Coucou, Célénou. Salut, Francher. Et Mekat, Camille. Ça va super. Et toi? Coucou, Manu. Salut, Avocaro. Et bonne année à toi aussi. La famine forcée des Sims, c'est horrible, hein. Ils sont mignons en roue. Ouais. Ils sont mignons, mais ils sont deux. Mais on les aime quand même après, hein. Du coup, on a plein de petites choses dans notre appartement, mais par contre, le lapin des fleurs, il abuse un peu d'être ici. Lola a enfin réussi à aller dormir. Je crois que les enfants dorment aussi. Attends, mais ils sont pas en train... Si tout le monde est en train de dormir, on peut mettre play pour la première fois de l'année. Et ça, c'est beau. Merci beaucoup, June Psy. Merci infiniment pour le bébé de stream. 9 mois. Je regarde le live en dessinant. Ah, c'est trop bien. Bah, tu en verras sur le Discord ce que t'es en train de dessiner, alors. Merci beaucoup pour le bébé de stream. Merci beaucoup. Alors attendez, parce que... Il y a deux salles, deux ambiances dans ce salon, hein. Il y en a une qui est en train de chialer parce que sa maison de poupée, elle est complètement destroyée. Et lui, il est en mode... C'est moi qui ai cassé la maison de poupée. Attendez, il faut que je lance le live TikTok. Je vais lancer le live. Alors attendez, démarrer le live. On entend plus ce qui se passe en jeu, mais c'est pas grave. Hop là, je sors ça d'ici. Et comme ça, on est tout bon. Il y a tout qui est lancé, c'est nickel. Merci beaucoup, Océane, encore une fois, pour le 9e mois d'abonnement. Coucou, kikou mes amours, Bill Walk. J'espère que vous allez bien. Et coucou, The Titi 11. Bienvenue dans le chat. Coucou, la rageuse. Merci beaucoup pour le follow. Ça commence bien. J'espère qu'elle va... Elle va dormir. Elle va aller dormir. Et nous, on aura du ménage à faire après parce que c'est un peu le bazar, quoi. Un petit peu, très légèrement. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, c'est parfait. On va pouvoir accélérer un petit peu le temps que tout le monde dorme. Samedi, midi, c'est vraiment l'heure parfaite. Kira qui a eu un relooking. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon, malheureusement, vu qu'on n'a pas traité leurs boutons d'acné, ils ont tous des boutons rouges et des taches un peu de toutes les couleurs particulières sur le visage. Mais elle est stylée, non? Avec ses petites lunettes et tout, je les adore. Coucou Indiana Jones, merci beaucoup pour le 3e mois d'abonnement. Merci, merci. Bonjour, bonjour. J'espère t'as pu profiter de tes vacances. Bah ouais, de ouf, c'était trop bien, c'était trop bien. Et merci beaucoup du follow, la Rageuse TV. C'était trop cool les vacances, merci beaucoup pour le 3e mois d'abonnement. Et coucou Lo. Trop contente de revoir Lola et ses petits bouts dont j'ai oublié les prénoms. Un live qui va m'accompagner pendant ma séance de crochet. On va faire un petit résumé. Attends, on va dire ok, on veut bien répondre. Mais après notre sieste. Nous avons donc Lola, qui a eu comme première enfant Pauline. Puis, Pauline, c'est la fille de Jay, mais elle s'appelle Pauline. Puis, attendez, imaginez, j'arrive à dire exactement qui est qui. Je dirais que ça, c'est Benjamin. Oh oui. Nous avons donc ici Benjamin, et de ce côté-là, nous avons... Chris. C'est Chris. C'est Chris. Amélie, elle vit où, s'il vous plaît? Répondez-moi. Elle vit avec sa sœur. Elle vit avec sa sœur, avec, du coup, bah, la Chiara, avec qui on va discuter là. Elles vivent ensemble. La chose. Non, Chris, Benjamin. Voilà, mère indigne. Non mais, ça fait 2 semaines, j'ai pas vu mes enfants. Regardez, quand vous me dites que je suis une mère indigne, moi, je ressens ça. Du vide intersidéral et de la tristesse. Mais de retrouver Lola. Merci beaucoup Chloé Braise pour le 9e mois d'abonnement, le bébé de stream. Vous vous faites plein de bébés de stream aujourd'hui, année, vous trouvez que je galère pas assez avec tous ces enfants? J'espère que 2024 te réserve plein de bonnes choses, NSX. Merci beaucoup Kéké Hop. Moi aussi j'espère, et j'espère que ça vous réserve plein de bonnes choses à vous aussi. Merci beaucoup pour le 30e mois d'abonnement, merci infiniment. Merci à vous. Elle avait gardé ce tableau? Ben oui, elle l'avait gardé. Elle est frigane, donc elle garde plus ou moins tout. Pauline se réveille. Lui se réveille aussi, il est fatigué. Franchement, laissez maman dormir, SVP. Après, il est 14h en soi, on pourrait se réveiller maintenant. Je pense que Lola, elle va se réveiller. Coucou Talia, salut Cassandra. Et coucou Fiona, salut Ando. J'espère que vous allez bien. Coucou Justine, bonjour, bonjour. Ah ah ah, c'est drôle. Hey, je suis de retour. Pour cette année 2024. Petit réabonnement comme chaque mois pour te soutenir et continuer de te suivre dans tout ce que tu fais. Gros cœur sur toi, Noémie.
mon cœur. Merci beaucoup, Marie. Merci infiniment pour le 21e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et santé, les Capri. Santé à toi. Merci beaucoup, Marie. Et merci à tous pour vos abonnements. 14h, JPP. Mais oui, mais c'est bien de se réveiller à cette heure-là. Vous vous demandez pourquoi une agence top secrète comme la nôtre, avec une réputation, vous contacte. Oh non, elle veut que je sois agent secret. Non, non, je vais être politicienne, ça ira, merci. Elle a... Quoi ? Chiara a répandu des ragots juteux sur Amélie. Vous savez, Lola, elle a toujours adoré chanter. Genre, depuis toujours. Mais elle a jamais bien chanté. Mais là, je trouve que ça va, en vrai, non ? Na 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 na. Je sais pas, vous en pensez quoi ? Ça va ! C'est pas non plus dégueulasse ! Coucou Letty, tu vas bien ? Bon l'heure qu'à toi ! Et coucou Didi Dark ! J'ai raté l'arbre généalogique. Oh merde ! Coucou Léa ! Et salut Matmat ! Pas vraiment un nom. Coucou Aknira, merci beaucoup pour le follow. Vous trouvez pas ? Moi je trouve ça va. Hein. Coucou tout le monde, coucou NS, je viens de voir un petit. Genre, y a pire. Ça fait longtemps que je n'ai pas suivi. Merci beaucoup Mama pour le 23e mois. Merci infiniment, coucou Or. J'espère que tu vas bien. Bah y a pas de souci, tu peux regarder les récaps. Oh non. Benjamin est agressif. Ça commence mal. Marie ça commence très mal. 500 fois trop de flow. Merci de m'accompagner les dimanches matins quand je dois bosser hyper tôt, dès 6h. Ton énergie m'énergise tel un soleil. Ça va aller. C'est dans ses cœur. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'a... Oh, il y a un pot ici. Apprendre à aller sur le pot à Benjamin. Je pense qu'il a pas besoin de ça. Il a peut-être faim. Attendez, il a quoi ? Il a hyper faim. Ça va aller. Regarde, ça va aller. Sois pas agressif, s'il te plaît. On me dirait qu'il se passe quelque chose. Mais tu me fais chier, attends. Déjà, il y a trop de bruit, là. Je suis déjà perdue. Les gnomes, là, qui regardent ma fille comme s'ils voulaient la tuer. On va pouvoir, donc, donner à manger à Benjamin des céréales. C'est le matin, il est 15h. Je pense que c'est approprié quand même, non ? Merci beaucoup Marina pour le tir, le gros tir, merci infiniment ! Ça fait super plaisir, beaucoup trop de flow ! Eh ben écoute, trop bien que dès 6h tu sois réveillée avec Lola, c'est incroyable ! Je trouve ça très chouette ! Coucou pour Coco ! Elle chante mieux que quand elle était enfant en tout cas. Mais oui, c'est ça que je vous dis ! Elle chante vachement mieux ! Par contre la musique est hyper forte, non ? Est-ce que c'est mieux ? C'est un peu mieux comme ça ! Arrête de pleurer ! Arrête de pleurer. On va te donner à manger. On va te donner. Regarde, regarde. Et ta sœur, elle s'évertue à te parler alors que tu la mords, alors que t'es horrible avec elle, que tu la tapes, que t'es méchant. Mais elle est gentille. Vraiment, Pauline. Pauline, c'est l'enfant parfaite. Elle est trop mignonne. Je l'adore. Coucou du coup, bon coucou, salut Alira. Et coucou Flavie, salut Nouns. Bienvenue, bienvenue dans le chat. Je viens de m'acheter mon premier pack saison. C'est lequel ton préféré ? Saison, c'est vraiment trop bien pour commencer. Je sais pas si je dirais que j'ai des packs préférés aujourd'hui. Vivre ensemble, je l'adore. Grandir ensemble, je l'aime beaucoup trop aussi. Et... Alors, on a un peu une malédiction. Waouh. On a un peu une malédiction avec les morts dans cette famille. Est-ce que le fait qu'un gnome regarde mon enfant, qui est un bambin, waouh ! Est-ce que vous pensez que c'est bon ou mauvais signe ? Enfin, je dirais pas que je suis superstitieuse. Mais peut-être un peu dans cette partie quand même. Un peu. Voilà, je... Coucou Alice Circe, comment tu vas ? Bienvenue dans le chat ! Ça va, Lola ? Est-ce que... Oh waouh. Attends, en fait, il faut qu'il mange cet enfant. Tu as posé ça là, mais mange hein. J'espère qu'il va pouvoir manger. Il a pu manger ? Ah mais il a déjà mangé ! Donc attends, à la limite, il est en train de remanger. Oh mais c'est parfait, c'est trop mignon ! C'est beaucoup trop chou. Ok, alors ce que je... Pourquoi tu bugs ? Pourquoi tu bugs ? Ce que je vous propose, c'est qu'on vienne mettre un petit peu, faire un peu de rangement chez nous. Donc on va récupérer cette petite plante. Il faudrait aussi, en vrai... Je me dis qu'on va peut-être mettre les gnomes dans l'inventaire. J'ai un peu peur de ce qu'ils pourraient faire à mes enfants.
J'ai pas trop confiance. Je vais pouvoir aussi venir nettoyer ça et venir faire sortir Benjamin. Il faudrait également que je nettoie un petit peu la chaise haute parce que là c'est le bazar. Et on va essayer de faire un peu le ménage. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu faire ça. Est-ce qu'on pourrait mettre ça dans notre inventaire aussi? Toi, je m'en fous, Orion. T'es très mignonne et tout, mais ça va quoi? Ça vient avec quel pack les gnomes? Les gnomes ils viennent avec le fait que ce soit pack, c'est avec saison justement. On peut organiser des événements. Et du coup là on a des gnomes qui viennent dans les événements où il y a des gnomes qui sont mis juste ici. Elle adore les gnomes, Lola. Ah ouais? Mais elle aime pas trop chasser les œufs. Bah attends, si t'aimes les gnomes, dans ce cas-là, mais Romy, pourquoi elle veut aller au festival de l'amour avec moi, Romy? Non, Romy, je suis désolée, je vais te dire non. Là, je vais même pas lire ton message, je t'ignore. Je vais mettre mon téléphone en mode silencieux, d'ailleurs. Hop, voilà, on met tout en silencieux. On est bien, on s'occupe que de nous, aujourd'hui. En même temps, sa meilleure amie, c'était Romy. Mais ça fait quoi que sa meilleure amie, c'était Romy? C'est quoi le truc, là-dedans? Coucou, Flavie, du coup. Salut, Alice et Ars. Bienvenue dans le chat. Coucou, Nonor, la brindille. C'est quoi, ce pot? Ça vient avec le dernier pack alloué. Coucou, Kumo, merci beaucoup pour le follow. Salut, Diz et Aizit. J'ai raté beaucoup de jeux. Non, t'inquiète, on vient de lancer. Elle vient de se réveiller. Je sais qu'il est tard et tout, mais... Est-ce qu'on pourrait chanter ensemble Borsima Seizbzbz avec Pauline? Voilà, ça va être une petite activité, maman-fille. Ça va fonctionner ou pas? Regardez, ils sont juste là. On va pouvoir... C'est ça qu'elle aime bien faire, vous pensez? Alors comme ça, la tradition est d'offrir des cadeaux aux gnomes? Cela semble amusant, mais Lola préférerait largement donner un coup de pied dans un gnome et prendre les trésors cachés à l'intérieur. C'est tellement amusant. Il y a des trésors dedans? Mais faites attention, l'ordre sacré des gnomes n'apprécie pas ce genre de choses. Mais c'est pour ça qu'elle aime les gnomes. Attendez. Je crois que notre fille, elle vient pas avec nous. Comment ça, c'était Romy? Mais si, c'est encore Romy, notre meilleure amie. Ah, parce que Romy a plein de gnomes chez elle. C'est une macrou, le nombre de gnomes qu'elle avait. Mais oui, c'est ça. D'accord, j'ai compris. J'avais pas compris que tu parlais par rapport à ça. Regardez. Regardez mon petit bus comme il est trop mignon. Ok, compétence charisme, compétence réflexion. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Elle est en train de lire et tout. Mais je vous jure, c'est la petite fille parfaite. Elle est trop mignonne. Si on a que des enfants qui sont aussi calmes qu'elle, mais on est ravis, hein. Vraiment. Oh, Sophie appelle pour répondre. Regardez, ça, c'est la fille de notre fils, c'est notre nièce. Oui, 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 on va lui répondre. On va lui répondre avant de dégommer les gnomes. Lui, il est triste quand même. On va quand même l'écraser. Et lui... Ça c'est Lola, quand elle avait tous ses enfants en bas âge et qu'elle ne pouvait pas dormir et qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle était en mode je vais mourir, c'est horrible. Coucou TikTok, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. J'espère que ça va de ce côté-là. Coucou Just Crow Crow. Bonjour, bonjour, salut Elodie, j'espère que tu vas bien. Coucou Elisa Nanas, Léa du 14, Célia Estel, bienvenue, merci pour ton follow. Un cube. Elle est choquée. Regardez, ils sont... Oh, il y en a un autre qui est apparu. Oui. Tiens, prends-toi ça. Oh, que ça fait du... Encore. Écoutez. C'est pas... Allez, hop. Allez, on continue. Est-ce qu'ils vont apparaître vraiment de ouf comme ça? Donner un coup de pied dans le... Merci de m'avoir suggéré de passer du temps avec Camille Loiseau. C'était un moment fantastique. Ah bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ok, c'est bon. Ici, on est tout bon. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, toi. Donne un coup de pied. Je crois que c'est le dernier après. On peut récupérer ça à l'intérieur. Hop, mettre dans l'inventaire. Est-ce qu'il y a quelque chose dans celui-ci? Je crois pas qu'il y ait grand-chose. Si, là. Ok, qu'est-ce qui se passe, Alice? Tu as déjà entendu parler des épreuves de motivation? Apparemment, des Sims se sont emmenés dans un endroit isolé et doivent se battre royalement. Tu crois que tu aimerais participer à ce genre de truc? Bah, je suis obligée de dire oui. J'en suis. Eh bien alors, allons-y. Je t'attendrai à l'endroit secret. Quoi? Quoi? Pourquoi t'as fait ça? Parce que j'ai pas le choix! Je suis obligée de dire oui! Bon, bon, bon. En ce moment, je suis en train de lire tous les Hunger Games. Lola est partie aux Hunger Games. On n'a plus qu'à espérer que notre fille s'occupe bien d'elle. Vous pensez qu'elle peut mourir ?
Elle est partie au Capitole. Oh non. Bon, bon, bon. Voilà, voilà. Coucou, du coup, Audrey Lunabi, salut Ange by Sims, coucou Laurie. Est-ce qu'on reverrait pas Jay? Bah pour le moment, on va espérer qu'on reste en vie. En plus, non, mais il y a des gnomes. Il y a des gnomes qui vont... Il y a des gnomes qui vont très probablement tout péter, donc elle va mourir. ouais. coucou Néné de la Vega, salut, c'est Lilouche, merci beaucoup pour le follow. Coucou Gourou, Kougourme, salut, salut, coucou Amalia et coucou Ruby Thursday, salut Pretty Chip, bienvenue dans le chat et coucou Lucas, tu vas bien? Salut Pastek Noob, merci beaucoup pour le follow, coucou Mianoki et bonjour Tiju, je passe juste ma tête car je suis grave en retard. Ok, des bisous. Je suis très heureuse de faire partie même si je reste une vieweuse de l'ombre. Merci pour cette année 2023 riche en partage et en émotions NSX cœur. Oh, merci à toi Loulachou, merci infiniment pour le 27e mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci, merci. Et vive 2024. Hein. Voilà, et on espère que tout se passe bien à ce moment-là. Coucou Maya, merci pour le follow, salut Imjie et coucou Coco Mali, salut Namaeli 26, merci pour ton follow aussi. Non mais par contre là, ils vont vraiment tout me péter. Non, ça va, regarder, il bouge pas beaucoup. Oh, ça y est! Ça y est! Quoi? Elle perd les épreuves de motivation. Elle a perdu les épreuves de motivation. Peut-être qu'elle aura plus de chance la prochaine fois. Endeuillée, perd un ami. On a perdu qui? Toi? Mais je te connais pas. Ok. J'ai perdu que des gens que je connais pas. Donc on s'en fout. Non? Je... Ça va, non? Coucou Aram03. Non, t'inquiète pas, juste Lola est partie à une épreuve de motivation. Je crois que ça s'est pas très bien passé, effectivement. Merci beaucoup, Angèle, pour le follow. Coucou, Azivenaï. J'aimerais trop avoir un gnome faucheuse comme déco, c'est stylé, en vrai. Coucou, Loan, ça va super. Et toi, coucou, Main Libby. Merci beaucoup pour le follow. Coucou, Steven Sigul, comment vas-tu? Et coucou, Noxva, le Fight Club dans les Sims. J'ai l'impression que c'est ça, ouais. Coucou, Clochette. Salut, Céliavi. Coucou, Inoim. Merci beaucoup pour le follow. Salut, Cindy. T'es pas obligée. Bah si, parce que nous, c'est la règle qu'on se fait. C'est celle qui a pas de nom, c'est un vieux moodlet. C'est un vieux moodlet? Comment ça, c'est un vieux moodlet? Coucou Ali! Salut Gabi Grave! Mais alors, si c'est un vieux moodlet, pourquoi elle l'a encore? Coucou KSDZ, merci beaucoup pour le follow! Et salut Perspicace Girl, Maeko, Luciole! La dernière fois que j'ai donné des coups de pied dans le gnome, ma maison est devenue maudite. Merde! Coucou Anna Dupa! Et salut Audrey Yeye! Coucou Constance, merci beaucoup pour le follow! Et salut Alice ou Sims! Et Nikouille! Nyokouille plutôt! Il est sympa ton pseudo! Elle veut pas me dire coucou, je suis sûre à cause de mon pseudo! Bah non, il est rigolo ton pseudo. Coucou JDGRN, merci beaucoup pour le follow. Et coucou Jurab, j'espère que vous allez bien. Bon bah elle est traumatisée. Écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Je vous propose, j'ai des à boire. Je rattrape un peu le chat là. Désolée parce que je vous ai pas vu pendant longtemps. Santé Gabi Grave. Et santé Nano DBS. Coucou Mademoiselle Owl. Non, on veut pas tout savoir, Evie. Ça va, sans façon. Merci beaucoup Miss Cool. Bonne année, bonne santé à toi aussi. Alors, voyons voir. Voyons voir. On va pouvoir revenir. Au niveau des besoins, ça va pas? Oh, merde. Ah oui, non, ça va pas. Alors, vas-y Lola. You can do it. Tu te pisses pas dessus, s'il te plaît. On va réussir à tout faire. Tout va bien aller. Bonjour les enfants, maman est rentrée. Wouhou! Peut-être que son ami est mort dans le Hunger Games, c'est possible. Mais elle peut faire un bon petit pipi qui fait bien du bien, c'est parfait. Ouais, les besoins, c'est un peu dégueulasse. C'est un peu dégueulasse, effectivement. J'aimerais bien regarder, les enfants grandissent mardi. Ah ouais, ça va être rapide. Oh, et vendredi, elle grandit notre petite Pauline. Ah ouais! Ah ouais!
Là, ça va être quelque chose, quoi. Voilà, ça va être quelque chose, quoi. Il y a tout qui va se passer très très vite. Je vous rappelle que tant que les enfants... Enfin, même, en fait, j'aime bien jouer avec le mode de vie court pour le moment. On a pas mal joué avec Lola quand elle était ado, jeune... Enfin, bref, on remettra sûrement le mode de vie normal à un moment. Genre quand les enfants partiront ou j'en sais rien. Mais j'aime bien le fait qu'ils grandissent rapidement, là. Je trouve ça assez cool. Vas-y, donne un coup de pied dans ce gnome qui est à moitié dans ta robe. Ça va pas du tout, hein. Elle pleure de ouf, elle en peut plus. Ah, je l'ai raté. Ok, prends ça, mettre dans l'inventaire. Tu vas pouvoir chercher des pièces là-dedans aussi. Et après on pourra tout jeter, et comme ça ce sera parfait. Par contre les enfants, va falloir que vous alliez dormir, hein. Qu'est-ce qui se passe, toi? L'hygiène ça va pas? Toi c'est le sommeil qui va pas, on va aller endormir tout le monde. Mettre un bambin au lit. On va commencer par Benjamin juste ici, même si c'est pas son lit. Et ici on va mettre Chris, tout va bien aller. Et ce sera parfait, voilà. Et moi pendant ce temps je vais venir t'aider Lola, et je vais venir mettre ça à la poubelle. C'est le bordel. Oh là là, la poubelle. On va avoir des cafards, hein, c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est vraiment sûr. On a combien d'argent? Vas-y, on va le remplacer. On va pas le réparer. Faudrait qu'on essuie aussi cette flaque et qu'on vienne chercher des débris et morceaux. Peut-être des ingrédients aussi. Elle est frigane de toute manière, donc elle aime bien faire ça. Allez, les petits bisous, et lui, regardez, il est en train d'augmenter sa compétence. Mouvement, c'est beau! Sentiment obtenu, t'as rendu ma journée plus belle. Merci de m'avoir fait sourire. Mais c'est beaucoup trop mignon, j'adore! Déjà que Lola a le quoi, cafard, tout doute. Oh, d'ailleurs, en parlant de cafard... Oh, mais oui, c'est l'hypogneux, j'allais le faire. En parlant de cafard, j'allais dire, on peut avoir des problèmes d'entretien. La moisissure. Il faut que ce soit un appartement pas non plus trop au standing, quoi. Je pense que c'est sympathique, voilà. Coucou Lilo, merci beaucoup pour le follow, salut Camille, merci pour le follow aussi, et coucou Romain, ça va super, et toi? Coucou Clémence Bosch, merci pour ton follow aussi, et coucou Mifish, merci infiniment pour l'abonnement, bienvenue à toi, et merci beaucoup Lilo pour les 6 mois d'avance, merci beaucoup, merci à tous. Qu'est-ce que... Lola? Tu as un enfant qui s'échappe? M'écris au lit s'il te plaît, ensuite tu nettoies ça. Tu essuies ça, tu cherches des débris avant qu'il y ait des cafards et des asticots. Parce qu'on n'aime pas les asticots. Tu pourrais aussi réparer. Je sais que t'es fatiguée et tout, mais en vrai, ça va. Tu fais un peu la drama queen, je trouve. Ça va. Ouais, c'est la reprise demain. Bon courage à tous ceux qui reprennent demain. Bon courage à vous. Elle voit toujours le reste de sa famille. Oui, mais en fait, depuis qu'elle a des enfants, c'est un petit peu compliqué. Peut-être qu'on pourrait faire une fête avec tout le monde, histoire de revoir un peu comment tout le monde a évolué. Ça va super, et toi Romain, comment tu vas? Et coucou Clémence Bosch, du coup, salut Justine Coquillette. Oui, ça va super, j'espère que toi aussi. Coucou Ophélie Kruger, et salut Lucie, coucou Mia. Elle voit toujours, ok ça j'avais lui, et coucou Abaï, c'est Areiline. Ça va super, et toi comment tu vas? Point positif, quand t'as pas de vacances, ben t'as pas de reprise. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Coucou Clax, tu vas bien? Et salut Théa. Coucou Orlan, salut Phénix, Phénix Zadira, j'espère que vous allez bien sur TikTok. Coucou Edwige. Alors voyons voir, vas-y, nettoie. Est-ce que vous pensez qu'elle va réussir à tout nettoyer avant de s'évanouir? Pourquoi elle a pas tout nettoyé? C'est elle qui pue du cul? Ah ouais, c'est elle qui pue du cul. Merde. Bon, on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien, ok? Une fête pour l'anniversaire de Pauline et l'anniversaire des enfants avant, peut-être même aussi. On va organiser toutes les fêtes, ok? On va essayer de faire ça. Merci beaucoup, Pixims, pour le 6e mois tiers 2. Coucou, merci infiniment. Tout le monde, comment allez-vous? Ça va super, en et toi, comment jouer tu vas? Sims avec ta magnifique save, Venesexolo, Venesexolo, petite question. Oui. Sais-tu si nous pouvons avoir des résidences secondaires avec nos foyers? NSX Dance, NSX Ayutchai. Alors, il faut que tu les classes comme, des résidences locatives, là. Tu vois ce que je veux dire? Et après, une fois qu'elles sont comme ça, tu mets qu'un seul logement dedans. Et tu peux les acheter et tu peux déménager de l'une à l'autre assez facilement, il me semble. Mais c'est pas vraiment des résidences secondaires à proprement parler, quoi. Mais c'est plus ou moins possible, ouais, du coup. Merci beaucoup, en tout cas, pour le 6e mois tiers 2. Merci infiniment. Je sais pas pourquoi j'ai dans la tête car c'est un camarade. Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où ça? Ça veut dire bonjour et au revoir Soul Soul. Non, Soul Soul c'est bonjour et Dag Dag c'est au revoir. J'aime trop cette... Oh, ça fait plaisir à Ram. Il adore se réveiller, Chris. C'est moi ou il adore se réveiller et il déteste dormir? Vas-y, réveille ta soeur, t'as raison. C'est bien ça. Agressif, lève tôt, adore se réveiller. Agressif, lève tôt, adore les sons. Voilà, voilà. Pauline a une dent qui bouge. Bien, bravo. C'est bien, tu veux une médaille? Parce que tu vas sûrement en avoir une quand elle tombera. Pourquoi il y a un petit chien en haut à droite de l'écran? C'est Mila.
Attendez, elle vous boude un peu, parce qu'elle me boude un peu à moi, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est Mila. C'est mon gros Milo. Elle est juste là et elle fait son meilleur dodo à côté de nous. Merci beaucoup, Eminig. Et 10, One, Luan, je suppose. Cassandra, Pic Sims, bienvenue. Bonjour, pardon. Et merci à vous pour les follow. Merci, Nénette, Emma et Lilou pour les follow. Au moins, ils sont jumeaux jusqu'au trait. Quasi, ouais. Quasi, quasi, j'ai l'impression. Écoutez, je vous propose qu'on mette en x3 pendant que... Oh, le petit con. Oh, le petit con. Attendez, attendez. Méchant. Malveillance. Oh, envoyez balader. Dégage! Tu me réveilles pas comme ça à 5h du matin! Non, mais attendez, là, c'est pas possible. Regardez son état. Regardez l'état de Lola. Là, elle est en mode, je veux plus d'enfants. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus, c'est pas possible. Envoie le balader, s'il te plaît, Lola. Vas-y, hop. Allez. Là, je pense qu'elle est tellement en mauvais état. Allez, dégage. Oh, mais ça fait un petit plus. C'est parfait. Parfait, parfait. Lola, va prendre un bain et dors dans ton bain. Je pense que c'est le mieux à faire. Et toi aussi, tu viens me faire chier. Qu'est-ce que t'as? Pardon. Vous pouvez pas faire à manger tout seul, en fait, parce que vous êtes des enfants sans défense, mais maman, elle a besoin de dormir. Elle sort des Hunger Games, ça. Prends un bain. Qu'est-ce qu'elle fait? Voir ce qui se passe. Mais qu'est-ce que tu fais là? Allez, je m'enferme ma clé dans cette salle de bain. Que personne ne me dérange pendant mon bain. Personne! Mais elle s'est remise... Mila s'est remise de l'autre côté. Attendez, mais c'est quoi ce bazar? C'est quoi ce bazar? T'as raté quoi? Bah Lola, elle est partie au Hunger Games et puis elle est revenue. Imaginez, elle meurt dans son bain. Non mais arrêtez, arrêtez, elle vous boude, hein. Coucou Noémie, merci beaucoup pour le follow, salut Wisteriavi. Ravie d'enfin voir Lola en live étant une Pauline, ça me fait toujours drôle d'entendre un perso du même nom, j'espère que les fêtes sont bien passées. Oui, j'espère que toi aussi, mais regardez, elle chiale dans son bain quoi, elle en peut plus. Qu'est-ce qu'elle a? Nostalgie familiale. Les Sims proches de leur famille doivent passer du temps avec les membres de leur famille. Larmes sorties de nulle part. Attends, attends. C'est dur d'être adulte, surtout une adulte qui contrôle aussi mal ses émotions. Tristesse partagée parce qu'il y a un sentiment proche envers quelqu'un qui est triste autour d'elle. Alors déjà, t'inquiète, tu vas pouvoir remonter un petit peu tes besoins, tu vas ensuite faire à manger pour tout le monde, et après je pense que tu te prendras un petit café. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Oh, il y a de la moisissure. Est-ce que c'était une bonne idée de mettre tout ça dans notre appartement et tout là? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? On va venir nettoyer ça. Je pense que c'est important. Et on va pouvoir aussi... Il y a des restes. Attends, il y a quoi dans notre frigo déjà? Parce que là, moi, j'ai commencé à jouer en mode... Oui, on a ça. Ok, parfait. Vas-y, prends une portion de ça. C'est pas mal. Oh, elle s'est changée? J'ai jamais fait ça encore. Pourquoi elle est buggée? Regardez comment elle est trop classe. Comment ça, elle peut pas y aller? Quoi? Comment ça? Prends une portion. Nettoie les restes. Enfin, nettoie les... Vas-y. Lola, tu fais quoi? Ah, mais parce que... J'ai verrouillé la porte. Mais oui, effectivement, la porte est bloquée. Alors, on va pouvoir nettoyer ça. Whoopsie, je me souvenais plus. Parce qu'en fait, je suis comme Dory. J'oublie. Coucou, AVOE, merci beaucoup pour le follow. C'est quoi tes deux caméras? Mes deux caméras... Normalement, il y a tout qui est dans la description, je crois, hein, pour les la caméra. Et celle-là, c'est juste une webcam pour la chatoune. C'est une webcam Logitech... je sais plus laquelle c'est, mais je crois qu'elle est aussi dans la bio sur Twitch. Voilà. Coucou à Ignore the Witch et salut Piupiux. Et ben voilà, elle a tout nettoyé. Bravo Lola, championne. Vraiment championne. J'ai hâte par contre que les enfants grandissent aussi pour lui retrouver une petite vie à notre Lola. Parce que là pour le moment, à part s'occuper des tâches ménagères et de ses enfants, c'est plutôt réaliste finalement. Hein. Je pense qu'en tant que maman célibataire, s'il y en a dans le chat, vous êtes... Mais quoi? Mais il y en a ici aussi? Mais comment ça se fait? Mais dans le... Dans, là? Ah ouais? D'accord. Bah écoutez, on va pouvoir venir essuyer toutes les flaques aussi. Ça va être le matin ménage. Et il faudrait aussi qu'on fasse un petit café, comme ça ce sera parfait. Coucou Pio Pio, salut Luan, merci beaucoup pour le follow. Et coucou Loueva, coucou Jadoutz, Lenira, Gino, Willoxo, Manon MRL, Lodkl, Dlk plutôt. Et Komi, merci à tous pour les follow. Coucou Saloma, coucou Anaïs, Picacorn. Une très bonne année à toi Lucas et tes petits shadows. Merci beaucoup, bonne année à toi aussi. Coucou Clarisse, bienvenue dans le chat. Et coucou Lestiz, coucou Lilou et Ellie, merci à vous pour les follow. Et coucou Farinette. Non, t'inquiète, t'as pas beaucoup loupé, il y a juste Lola qui est partie au Hunger Games, elle est revenue. Coucou, Titania. Salut, salut. Ça va bien, je te suis depuis un an, voire deux sur YouTube, tu vas bien? Ça va super et toi, Dino?
Comment vas-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? Racine de valériane. Ok, très bien. Attends, Lola, ouais, tu fais tout ce que je te demande, s'il te plaît. Pour le moment, on fait que des tâches ménagères, mais après, normalement, on devrait pouvoir peut-être faire autre chose. Vous pensez que c'est un accident du pot qui a fait toute cette flaque? Je pense que c'est possible, en vrai. Hein. Bonne année à toi aussi, Dino. J'ai fait un sauvegarde, mais ça bug, j'ai rafraîchi la page, et là, ils m'ont pris mes points. Y a rien, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi, HK. Je sais pas du tout pourquoi. Des bisous, Elan. Elan, oui. Des bisous à toi. Gros bisous et bonne journée. Personne ne me répond. Bah si, je viens de te répondre, HK. Où est-ce que Lolavi, c'est une location? Non, pas du tout. Elle vit dans un appartement de 100 Maïchuno. Regarde. Elle vit dans un grand appartement qui vient avec, du coup, Visitazine, si jamais vous vous demandez. Oh, waouh. Elle avait fait ça, Adriana, c'était trop stylé. C'était beaucoup trop stylé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Niveau 3 de la compétence imagination, niveau 2 ici. Écoutez, les enfants, ils améliorent leurs compétences tout seuls. Ça, c'est plutôt positif. Et après, elle veut faire quoi? Aller voir le bambin. Je pense qu'ils vont pas très bien, mes enfants. Ah non. Alors, on s'est occupé de nous-mêmes. Lola, mais attends, mais ils ont exactement les mêmes besoins. Whoopsie! Il faudrait bien que tu joues à la poupée, peut-être. On va s'occuper de vous, mais là, on a besoin d'un petit café avant, en fait, parce que c'est compliqué. La vie est compliquée, là. J'ai besoin de manger aussi avant de m'occuper de vous, donc c'est ce que je vais faire, parce que moi, d'abord, hein, prendre des restes, plus de choix. Alors, on va ouvrir juste là et prendre cette superbe portion de nourriture qu'on avait préparée pour être tranquille à cet épisode et avoir tout qui est prêt. Et c'est parfait. Il y a encore de la moisissure, mais ça va trop vite, là, c'est pas possible. C'est pas grave, on s'occupe un peu de nous, on s'occupe de nos enfants et après on s'occupe de la moisissure en espérant que personne ne meure entre-temps parce que ce serait quand même très dommage. Merci beaucoup Camille pour le cheer et coucou. Salut salut, merci beaucoup pour ton cheer. Coucou Lulunia et salut Hérondine. Merci beaucoup Luluxiel pour le follow et salut Amortensia. Mais c'est quoi cette histoire d'Hunger Games? Bah je sais pas, on a eu un appel qui nous proposait de faire Hunger Games, on doit dire oui, du coup on a dit oui. Coucou Victor, merci beaucoup pour le follow et salut Ainoa. Est-ce que tu utilises des mods qui changent le mode vie? Non, pas du tout. Non, je n'utilise pas de mods, je joue en vanilla. Coucou Tilorux, j'aime pas trop jouer avec des mods, mais j'ai fait une série entière dédiée aux mods, avec plein de mods dans mon jeu sur YouTube, si jamais t'as envie de la voir. Coucou Anna, merci beaucoup pour le follow. Ok, c'est chaud, c'est bon, tu te transformes en dragon, on est content. Le festival des enfants a commencé. Hé hey. Est-ce qu'on s'occuperait pas? Mais ouais, mais... Alors, attendez. Est-ce que, à tout hasard, on se prendrait pas un petit remplacement de sommeil? Voilà. Alors, est-ce qu'on se prendrait pas un petit remplacement de sommeil? Juste histoire de remonter les besoins de nos enfants et aller au festival des enfants. Coucou Chiara, tu m'appelles beaucoup, dis donc. Là, je suis un peu occupée, je t'avoue, mais... Mais ok, je vais répondre si tu veux. Waouh, tu vas déménager? Ah non, tu vas pas déménager. Tu voudrais qu'on habite tous ensemble dans une maison qu'on sépare pour nos foyers? C'est une très mauvaise idée ça, mais pourquoi pas en même temps, hein? Ma foi. Coucou Célia, merci beaucoup pour le follow. Et salut Sakina, merci beaucoup pour ton 4e mois d'abonnement. Coucou Lola, bonne année à toi aussi. Et coucou Adjoluli, salut Mélissa, Lokimpo, Jashana. Je finis de rattraper ton let's play seulement hier, donc j'espère que j'ai rien manqué de très important. Non, t'inquiète pas, rien de très important. Coucou Chocofood et salut Malourise. Est-ce que par hasard on peut pas faire boire une potion de bien-être pour moi? Vu que je peux pas m'occuper de... des ragots juteux sur Papoustache. Elle a que ça à faire, hein. Ouais, je sais que t'es fatiguée, mais t'inquiète, la potion, elle va t'aider. Allez, hop. Allez, allez. Non, patiente pas. Là, t'es pas obligé de réfléchir, en fait. Pourquoi, quand je te dis de faire quelque chose, t'es obligé de faire... C'est pas grave, hein. La moisissure, c'est trop. Comment ça se fait qu'il y en ait autant, en fait? Pourtant, je laisse tout propre et tout, je fais attention à tout. C'est peut-être mes enfants qui laissent de la moisissure partout. Alors attendez, on va donner un bain. Non, pas prendre un bain. On va donner un bain à Benjamin. On commence par lui. On commence par Benjamin. Benjamin, c'est toi, je crois. Et au niveau de l'hygiène, ça va pas du tout. Au niveau de la couche, faudrait que je t'apprenne juste après à aller l'utiliser. Donc, hop là. Apprendre à aller sur le pot à Benjamin. On va essayer de faire ça. Attends. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire la vaisselle. Bonjour, vous avez un peu de temps pour... Non, non, on peut pas faire connaissance, t'es mon frère. Ah, Lola, Lola, s'il te plaît. Ça commence mal. Chris, d'abord. Si Benjamin voulait pas, on...
qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils veulent mon mal? Ouais, j'ai mis, moi c'est sûr, Benjamin, j'adore! Lola qui fait la belle, elle se prépare pour les émissions télé et la tournée des districts de ouf, c'est absolument ça! Alors attends, verrouiller pour tout le monde sauf Lola. Appliquer la sécurité pour bébé. Non, je veux juste verrouiller pour tout le monde sauf Lola. Plus de choix, tout le monde sauf Lola. Voilà, comme ça, personne peut aller dans ma chambre et ça, c'est parfait. Merci beaucoup Marina pour le 5e mois d'abonnement. Merci infiniment. Coucou Aileen, salut Madixon et coucou Joeout. Merci pour ton follow. Coucou Sohan et Jax Luna. Coucou tout le monde, bonne année à tous. Bonne année à toi aussi. Ah merde. Bah bon rétablissement du coup surtout. Benjamin, faut l'envoyer au Hunger Game, il est infernal. Mais vous voulez pas faire un Hunger Game avec mes enfants non plus, vous êtes des fous. C'est pas très gentil pour mes enfants hein, quand même. Les pauvres. Ils sont mignons, c'est juste des enfants sans défense. Mais qu'est-ce qu'ils sont chiants. Mais ils sont mignons quand même. Ils sont choupinous. Et lui alors, au niveau de sa vessie, ça va bien. Par contre, il est trop fatigué et il a faim. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on vienne ici donner à manger à Chris et on va lui donner du sandwich jambon fromage. Un petit croque-monsieur comme ça, ce sera parfait je pense. Niveau 8 de la compétence éducation pour Lola, elle devient vraiment une très bonne maman même si elle s'occupe pas très bien de ses enfants. Hein, voilà, sortez de ma chambre. C'est vraiment ça. Tu vas bien, Joeout? Et salut Emma, merci beaucoup pour le follow. Oui, il avait fait des Hunger Games, mais ça, c'est avec un mode. Moi, j'ai pas forcément envie de faire ça. J'avoue. J'ai pas forcément... vous savez, moi, mon truc, c'est de créer des histoires plus que de les commenter. Lucas est un très bon commentateur. Ce n'est pas une de mes qualités. Du coup, un Hunger Games avec moi, c'est... Oh, bah, il est mort. Oh, non, c'est... Il est mort. Oh, il est mort. Ce serait pas très drôle, vous voyez. On a pas les mêmes qualités. On n'a pas les mêmes défauts non plus, mais on n'a surtout pas les mêmes qualités. Et ce serait pas très drôle, du coup, forcément. Allez, mange. Mange. Ok, il mange. Maintenant, pendant qu'il mange. Hop, petit bain. Donnez un bain à Benjamin. Non. Donnez un bain à Benjamin. Combien de fois il faut que je le fasse pour que ça fonctionne? Donner un bain à Benjamin? Ok, lui il a fonctionné, parfait. Allez, t'as intérêt à dire oui, t'as pas intérêt à dire non en tout cas. Je sais que t'es crado et j'espère que t'as fait pipi sur toi. Putain. Allez, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Franchement, je suis sûre que ça va aller. Apprendre à aller sur le pot à Benjamin. Qu'est-ce qu'elle veut? Se voir demander conseil. Les enfants! Maman essaye de vous amener au festival des enfants! Est-ce que vous voulez pas y aller? Lui, il va s'endormir dans la chaise, c'est parfait. Ok, il est en train de dormir. Avec la tête tournée. Oh là là. Il dort là, hein, je crois. Oh non, il se réveille à cause de la musique. Vas-y, fais dodo. En plus, ça remonte bien l'énergie. Vas-y, vas-y, profite. Profite. Non, j'aime pas faire de vagues. C'est bon, t'inquiète. Hop, y a pas de souci. Est-ce que tu peux lui apprendre? Qu'est-ce qu'elle fait? Parler, parler. Excès d'ordure. Merde. Non, mais attendez, là, c'est trop. S'il vous plaît, je veux juste apprendre à mon fils à aller sur le pot. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce que... Lola? Lola, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu... Pourquoi tu le tiens comme ça dans tes bras et que... Je... Allez! Merci beaucoup Emma Justine est là et Hermte pour les follow. Et coucou Sims Lover, bonne année à toi aussi. Coucou Abanera. Il a l'air incroyable le pan ennemi là, c'est quoi? Si tu veux, j'ai tout partagé sur Amazon d'ailleurs aujourd'hui. Promis. Je vous sors. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu le réveilles pas. Hein. Ah, il y va tout seul. Non. Touche pas, il y va tout seul. Comme un grand. C'est vrai. Mais non. Le miracle. Le miracle s'est produit. Mais quoi? Mais il sait faire. Non, mais c'est un bug, c'est sûr. Faut que je lui donne à manger avant autre chose. Mais qu'est-ce que tu fais, Lola? Non, mais qu'est-ce que tu fais? Lola, apprendre le bon... Attendre le bon... Non, non. Tu vas rien attendre du tout. Est-ce que tu peux te dépêcher? C'est bon, tu t'en occupes? Oh, non, mais c'est un enfer, hein. Par contre, vraiment, d'attendre après des bambins, quand on a plusieurs... On va profiter de cette petite pause couche. Bah déjà, elle va aller aux toilettes, elle a bien raison. Profite un peu, fais-toi plaisir sur ce bidet. Tu vas pouvoir ensuite... Ah, mais non, mais notre fille, elle a sorti les poubelles. Non, mais elle est trop mignonne. Non mais pardon, mais elle est trop chou. Elle s'occupe de l'excès d'ordure elle-même. Par contre, non. Bah non, Pauline. Pauline, tu vas pas les remettre dans notre appartement? Qu'est-ce qu'elle fait?
Elle va aller chercher toutes les... Ne me dites pas que l'excès d'ordure, il est dehors. Oh bah, il est dehors. Oh, il y a un truc avec des boules à neige. Vas-y, va aller chercher et après, tu pourras t'occuper de tes enfants. À moins que ce soit fini. C'est toujours pas fini. Ça va, tu prends ton temps, surtout tu te fais plaisir, là? Non, mais regardez ses besoins. Ça y est, Lola revient. Viens ici vite, viens ici. Il faudrait que tu viennes donner à manger tout de suite à Benjamin. Tu vas lui filer aussi un sandwich jambon fromage. Tu te dépêches, il va se faire emmener ce gamin. On n'a pas envie, on n'a vraiment pas envie là. S'il se fait emmener, bah en fait bah on perd tous nos enfants. Parce que je crois qu'il peut pas. Sporéose, apparition de moisissures allergènes. Lola se sent bizarre à cause d'étranges moisissures qui infestent sa maison. Non, je triche pas. Je triche pas du tout. Je vois pas de quoi vous parler. Ta gueule! Laisse-moi tranquille! Laisse maman! Elle veut pas te parler là! Maman, elle est en train de péter un boulon! S'il vous plaît! C'est bon, il arrive. Oh putain, vas-y, dépêche-toi. Il a pris l'assiette tout seul. Bon, déjà, c'est pas mal. Ensuite, il est en train de manger. Lola, va prendre une douche, ça te fera du bien. Se frotter à la brosse pour se débarrasser des spores. Voilà, écoute, c'est parfait. Par contre, il y a des bugs avec des... Dans tous les sens, c'est un enfer. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai mis dans cette boîte de rangement? Des jouets? C'est les enfants qui ont mis les jouets, je suppose. Il faudrait que je vienne ajouter une nouvelle petite... Oh non, attendez ça. Bougez pas. C'est Mimi? Est-ce que je pourrais le mettre là? Non. Est-ce que je pourrais le mettre quelque... Là. Parfait. Donc ça, ça va venir ici. Je vais pouvoir ajouter aussi ça à l'intérieur. Là, ça aussi. Les cadeaux, je vais les mettre dedans aussi. Et qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Tout ce qui est pièces d'amélioration, de plomberie, ça va venir ici. Les pierres, pareil. Par là, ça c'est pour les enfants. Mais bon, je pense que personne ne les utilisera jamais. Et ça, c'est notre journal intime. Les enfants sont en train de jouer ensemble. Toi, comment tu vas? Très mal. Bah oui, forcément. Toi, ça va un peu mieux? Comment ça, Benjamin, il a pas utilisé le pot? Qui eût cru que ce serait pire de s'occuper de bambins que de s'occuper de nourrissons? L'action interdite. Interdit de m'occuper de Benjamin, mais vous êtes horrible! Oh punaise, je vois que vous êtes très nombreux sur TikTok. Bonjour, je lis vachement plus le chat sur Twitch. Oh bordel, je lis vachement plus le chat sur Twitch si vous avez envie de venir. Mais sinon, bah j'espère que vous serez bien. Il est où le père? On a divorcé du père parce qu'il s'occupait pas de ses enfants. Enfin de son enfant qui n'était pas vraiment le sien, j'avoue. Mais du coup, il n'y a pas de papa. Lola est divorcée, maman célibataire. Et elle galère, si je puis me permettre. Elle est en train de se frotter pour se débarrasser des... Waouh, il y a de la moisissure dans son appart. Elle est où la moisissure? Vous la voyez ou pas? On va remplacer les biens. Là. Ça va aller. Vous inquiétez pas après, ça va aller. Vraiment. Vraiment. Mais bienvenue en tout cas sur TikTok, bienvenue à vous. Et coucou Flower, salut Catwo. Coucou Lolo, salut Elodie Norca, j'espère que vous allez bien. Coucou Rodolphe et Camille et Cassandra. J'espère que ça va. Et merci beaucoup Emma Justine et là, Hermt pour les follow. Coucou Sims Lovers. Bonne année à toi aussi. Coucou Abanera. Il y a l'air incroyable. Ok, je t'avais répondu. Coucou Eilema. Salut Aimé. Merci beaucoup pour le follow. Coucou Gameuse. Bonjour, comment ça va? J'ai pas trop loupé le début du game. Non, t'inquiète, tout va bien. Tout va bien. Ça va. On gère pas trop les gamins, mais sinon ça va. Ils vont bientôt grandir après. Pour le moment, on est juste resté à la maison à essayer de s'en occuper. Je suis en train de péter un boulon, mais tout va bien, tu vois. Tout va bien, vraiment. On est tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. En fait, j'avais juste envie. Oh putain. Vous savez. Sac à merde. Vous savez ce qu'on va faire? Non, mais elle non plus, elle va pas. Mais pourquoi tu vas jamais dormir? Discuter. Vous savez quoi? C'est pas. Les enfants? Vous vous occupez mal de vous? C'est pas mon problème. On va aller au festival des enfants, que vous le veuillez ou non! On fait une activité en famille, ok? Alors attendez, il va falloir qu'on aille au Mont Komorebi du coup. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes et oui, donc, contente de revoir Lola.
Merci beaucoup. Ah bah moi aussi je suis trop contente. Merci pour tout ça. Bah, trop contente et je suis trop contente, mais tu sais, il y a un côté de moi qui est en mode vas-y, ils font chier quand même. Pourquoi les bambins ils s'occupent pas tout seuls? C'est des grands maintenant. Attendez, on va prendre de notre famille. Limite, on va y aller avec tout le monde, vous savez quoi? On va prendre toute notre famille avec nous et on va au festival des enfants. Merci beaucoup Minilu pour le 7e mois d'abonnement en tout cas, et merci beaucoup Eutrifon pour le 13e mois. Merci, merci. Merci infiniment. Et coucou Alex Oven, salut Lolali, merci beaucoup pour les follow, merci à tous. Il y a énormément de follow, merci beaucoup. Non mais regardez, il neige et tout. Coucou. Tout le monde est content d'être là. Alors attendez, c'est un peu une tempête de neige. Pire moment pour aller au festival des enfants, mais ça va aller. Il est où le festival des enfants? Bien le bonjour par ici et coucou @ Noémie Estinguet NSXAYUTCHAI. J'espère que vous tu vas bien. Ici tout roule. Ah. Belle et douce année NSX cœur. Il a pas 18 commencé. 18 mois, c'est vraiment vrai. Très heureuse de te soutenir depuis autant de mois NSX Love NSX cœur. C'est fini, c'était jusqu'à 18h30. Mais non, mais c'est pas... Bon, bah écoutez la famille, je vous propose qu'on aille se saouler la gueule au bar. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me servir un verre, s'il vous plaît? Parce que là, j'en ai besoin, ok. Attends, il est là, le bar. Vas-y. On va... Bah, tu prépares pas des boissons, toi? Qu'est-ce que... Tenir? Je pense qu'on va rentrer à la maison, hein. Bonjour la famille. Je vais peut-être vous parler d'abord. On va discuter des coins de pêche locaux. Non mais ça va après, hein. On n'est pas du tout dans un endroit dangereux avec de l'orage et tout pour les enfants. Qu'est-ce qu'il a lui? Il était bizarre. Effectivement, Cheyop, je suis désolée, merci beaucoup pour le 3e mois d'abonnement. Je suis désolée si j'oublie vos abonnements. Je les vois pas, mais je les entends pas parce que je suis occupée à faire autre chose. Mais merci beaucoup, merci infiniment. Coucou Arlene Queen, merci pour ton 18e mois d'abonnement. Ça va super et toi, comment tu vas? Comment ça va? Santé Kelly! Dans ma partie de Sims, ils sont deux avec un nouveau-né, deux nourrissons et un bambin. Ils sont au bout et moi aussi obligée d'engager le nounou tellement qu'ils sont crevés car je m'occupe de un. Et il y a tous les autres qui sont pas bien, c'est un enfer, mais c'est rigolo en vrai. Puis ça dure qu'un temps, c'est ça qu'il faut se dire. Coucou Alex Avan et Lolali, merci beaucoup pour les follow. Coucou Anaïs, comment ça va? Il me reste une heure de rediffusion sur le dernier épisode de Lola. Ben, bonne rediffusion à toi. Et coucou Léacre, parce qu'il est indépendant. Mais ouais, mais normalement, indépendant, il faut quand même qu'on t'apprenne à aller sur le pot avant. Bonjour Lala HST. Comment vas-tu? Et salut Abigail, coucou Lissora et Nixey, bienvenue à vous dans le chat. Coucou Anaïs, merci beaucoup pour le follow, salut Lokb. Comment t'as fait pour enlever le chat? J'arrive pas. Comment on fait pour enlever le chat? J'arrive pas. Essaye de mettre en plein écran, c'est ça que tu demandes? Coucou Venompool, merci pour ton follow et coucou Segogu du 33. Est-ce que tu conseilles le pack alloué ou non? Alors, je l'ai pas testé en fait. Enfin, je l'ai testé sur certains aspects, sur d'autres non. Au niveau de la construction, c'est buggé, mais c'est sympa de construire. Vas-y, on va ramener tout le monde chez nous. On va se faire une petite après-midi improvisée, une petite soirée improvisée. Mais j'avoue que je peux pas encore dire, j'ai pas testé tout à fait le gameplay propriétaire. Je trouve que il est assez décevant dans le sens où on s'attendait à vachement plus. Pourquoi tout le monde est content? Vous êtes content de venir chez moi? On va raconter des ragots, on va... Non mais vous inquiétez pas, c'est normal, hein. Elle fait son intéressante. Il y a ordonné à Kiara de faire le ménage. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Fais le ménage! Nettoie ma merde! En plus, c'est propre. Ah non, les toilettes, nettoie ma merde, littéralement! Est-ce que vous pensez qu'elle va bien vouloir? Allez, vas-y. Allez! Tout de suite! Doki, va faire le ménage, Doki. Elle veut bien ou pas? Oh, et lui, il est méchant avec tout le monde. Ah, mes enfants, ils sont vraiment à l'image de leur mère. C'est quand même dingue. Hein. Oh bordel. Coucou, Céline Deman. Meilleure année à tous. Bonne année à toi aussi. 4 ans cette année que je te connais. Je te suis depuis YouTube. Bon, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup de me suivre depuis tout ce temps. Ça fait plaisir. Et bienvenue. Merci beaucoup pour le follow. Oriana Alimas et Carolinas. Mmh.
J'avoue, c'est j'ai pas envie de mettre le feu, j'ai peur que ça brûle mon appart. Je vais pas mettre le feu tout de suite. Et quand on aura un plus gros champignon, on mettra peut-être le feu. Nettoie ma merde était épique. Mais écoutez, elle l'a pas fait quoi. Donc c'est que c'était pas assez convaincant. On va nettoyer nos toilettes. Vous pensez que ça a un rapport avec les trucs qui se dégueulassent autour ou pas du tout? Vraie question. Vas-y, il faudra que tu nettoies ton enfant après parce que ça va pas. Le linge qui s'entasse aussi, c'est quelque chose. Ça va aller. Tout va bien aller. Je sauvegarde effectivement tout de suite. Je sauvegarde tout de suite. Coucou Romanou, salut Noneuf et coucou Maya, merci beaucoup pour le follow. Coucou Cléo, est-ce qu'il s'est passé des trucs importants depuis le début? Écoute, ça va, tranquille, la vie comme on l'aime. Coucou Salomé, salut Loxocéfax et Ease. Coucou Evry Seït, merci à tous pour les follow. Coucou Nanaconda, bienvenue sur le chat, bienvenue à toi. Merci beaucoup encore une fois Miniloom, Eutrifon et Arlene Queen pour les abonnements. Merci beaucoup Snow, Grey, Newton et Elisa la BG pour la belge, pas la BG, la belle gosse peut-être, la belge, je ne sais pas. Merci beaucoup à vous pour les follow, en tout cas coucou Safira, Mick Ophi, Mermaid, Margot et Ray, merci à vous pour les follow. Coucou Onello, salut Morgane et Celtieu, merci aussi à toi pour ton follow. Mayo VCT, bonjour, bienvenue dans le chat. Lola, mange. On va s'occuper juste de toi, peut-être, ou alors au lieu de manger, viens t'asseoir. Non, t'occupe pas de tes enfants, ils vont s'occuper de toute seule. Qu'est-ce qu'il a lui? Putain, il est fatigué. Vas-y, va le mettre au lit, mais il va tout seul. Non mais, vous voyez? Mes enfants sont indépendants maintenant. Proposer un plan fou. Vous vous souvenez de notre nièce qu'on l'adorait? Elle a grandi. On va s'enthousiasmer à propos du fitness. Regardez, elle est trop mimi. Regardez ça, c'est Sophie. Putain, il vient de lui péter dessus, il est dégueulasse. C'est vraiment de famille, hein. Voilà donc Sophie, la fille, je pense adoptive, mais la fille de Mathéo. Voilà, voilà. J'ai le malheur que mon adolescent est mort d'embarras devant son miroir. Ah merde, tout le monde crache du feu et est content. Elle ressemble pas du tout par contre à tout le monde de la famille, elle a pas les traits significatifs, on dirait vraiment un PNJ, mais elle est mimi. Elle est très mimi. Voilà, et ça c'est notre sœur qui va également avoir un look PNJ en grandissant, qui s'appelle Amélie. Voilà, c'est Sophie et Amélie, avec des prénoms bien sûr bien PNJisants, hein, qui tournent toujours autour des mêmes. Attends, il faudrait qu'on charge des débris et morceaux tant qu'on est là. On profite un peu de notre famille, mais quand même on a des choses à faire. On va raconter une histoire incroyable à notre sœur. Ça va? Sophie le dragon, ça lui va bien non? Elle est trop belle, pas la sœur. Bah en fait le problème c'est qu'elle a vraiment la même couleur de peau que de cheveux et du coup ça donne un aspect bizarre je trouve. Mais je pense que ce sera mimi en grandissant, on arrivera à faire quelque chose et au pire on changera sa couleur de cheveux et ça la rendra mignonne quoi. Gourou Kagura Kuroyuki en retard, oups j'ai fini la rediff hier, ça fait trop plaisir de revenir. Et bien écoute, bienvenue pour cette journée avec Mila. J'essaye de faire en sorte qu'elle vous regarde, mais à chaque fois elle vous tourne le dos, je sais pas pourquoi. Oh là là, oh là 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 là. Peut-être que là elle va bien vouloir. Ça se prend la tête ou je rêve? Donc elles deux, elles vivent ensemble, hein. C'est du coup Kiara qui s'occupe de sa petite sœur Amélie. Voilà. coucou du coup, Clarcy Garcia, merci beaucoup pour le follow. Et coucou Mode Tiny. Alors attendez, est-ce que ce serait pas l'heure de dormir? Est-ce que tout le monde va s'enfuir? Non mais attends, mais on n'est pas du tout fatigué en fait. Vas-y, va nettoyer ton bambin. Hop là. Alors, voyons voir. Donner un bain. On va donner un bain à Benjamin. Et toi, t'es en train de dormir. Mais dors dans tes draps, non? Écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va le faire. Il pue du cul, on est d'accord. Hein. Ah oui, non, c'est un enfer. Ses besoins sont un enfer. Vraiment. Le pauvre, je m'occupe très très mal de mes enfants. Mais c'est bientôt leur anniversaire, ça devrait aller, franchement. Ça devrait aller. Coucou Sarah Vénère et coucou Anaïs Sea Angel. J'adore ton contenu habituellement. J'aime pas regarder. Attends. J'ase pas et je regarde, mais je tenais à dire que j'admire ton talent dans les... Ah bah ça fait trop plaisir, merci beaucoup. J'ai changé ma manière de jouer. Ah bah c'est trop bien. C'est trop trop cool. Coucou Isim. Non mais c'est une blague. Oh dégage. Dégage. Non. Non mais tu t'en vas pas, hein. Non mais tu dégages. J'étais enfin en train de réussir à m'occuper de mes enfants. Tu fais quoi? Tu me vires de ma salle de bain où je suis en train de laver mon gosse? Mais on se fout de la gueule de qui? C'est mon frère. C'est une blague, genre. C'est une blague. On se moque de moi, on est d'accord. Tout le monde s'en va, c'est bon. On peut trier notre poubelle pour faire en sorte de la vider un peu parce que là, c'est terrible. On peut gagner des petits débris, s'il vous plaît. SVP, là. Coucou, Lune. Pour exemple, pour accoucher sans... On fait...
comment on fait avec des modes, par exemple, pour accoucher sans... Je sais pas si c'est possible quand t'as des modes du style mode grossesse et tout. Je crois que t'es obligé justement de passer par tout plein de trucs. Ou alors peut-être qu'en cliquant sur un berceau, tu peux quand même. Je ne sais pas. T'achètes un berceau et tu cliques dessus. Les PNJ, on les aime, n'est-ce pas? Non? Ouais, je savais. En fait, il faudrait... Mais pourquoi ça vide pas ma poubelle? Vide ta poubelle pour voir. Vide-la et je vais essayer de mettre ça là-dedans. Et après... Putain, mais la poubelle pue. Non, c'est bon. Ok, tout va bien. On va essayer maintenant de s'occuper de notre enfant. Est-ce qu'il dort ou est-ce qu'il dort pas? Il est où? Il est en train de dormir là. Putain, non, mais il est trop mignon. Vas-y, bah, Lola, non, t'as pas besoin d'aller dormir. Mange un bout, tu sais quoi? Occupe-toi. Pendant que tes enfants, ils sont en train tranquillement, eux, de dormir, toi, tu vas t'occuper de tes trucs à toi. On a encore l'excès d'ordures, mais j'ai l'impression que ça se complète jamais. C'est buggé, on est d'accord? On est d'accord, c'est complète. Non, j'ai pas relooké Philippe du tout. Coucou, du coup, Isim for Bayonetta. Merci beaucoup pour le follow. Coucou, Furonix. J'ai acheté Grandir Ensemble. Est-ce que tu t'amuses bien avec? Coucou, Mathis Grandillon. Merci pour le follow. Et salut, Mariek. Et Mélina, bienvenue dans le chat. Je voulais savoir quel pack tu conseilles. Ça dépend de comment t'aimes jouer et de ceux que t'as déjà. Coucou, Ornella. Merci beaucoup. Bonjour. J'ai mon cerveau qui bug, mais merci d'être là. Coucou Loliena et salut Nanoux, merci pour ton follow. Coucou Clo-Clo, Captain ouais, Sarah, merci à vous pour les follows. Coucou Alizarea, Chachou, bienvenue dans le chat. Et Lali, bonjour. Ça y est, il s'est réveillé. Allez, petit merdeux, viens là, on va te donner un bain. Donner un bain à Benjamin. Non, 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 tu l'endors pas. S'il te plaît, il pue la merde ton enfant. Ah mais oui, tu l'as lavé un tout petit peu et après c'est vrai que t'as dû partir du coup. Un plaisir. Un plaisir vraiment de s'occuper des bambins dans la Sims, surtout quand ils sont deux et quand on a d'autres enfants et quand c'est un enfer. Otaku, Wills, Clarum, 122, 609, Ebonyaun et Anams, Juliette, Elzagne, Aruka Amaru. Merci à vous pour les follow. Coucou Louison, ça va super et toi? Salut Gaïa, aha. Et coucou Marie31, salut Fifiji, j'espère que vous allez bien. Coucou Nono, Blackberry Death et Luna, merci à vous pour les follow. J'ai rattrapé la colonne des bonjours. Bravo à moi. Des bisous Marina, bon lurk à toi. Moi je suis plus... Je suis plus capable de faire en sorte que mes PNJ tombent enceintes. De même, du coup, pendant que je faisais une histoire d'amour avec Cassandra Goth, elle est tombée enceinte d'un autre PNJ. Merde, c'est chiant ça. Non, il n'y a plus la rappeuse, je l'ai enlevée parce que j'ai un peu la flemme en ce moment. Je fais un perfect life de mon côté. Pourquoi il veut pas le laver? Donner un bain, s'il te plaît. Benjamin, sois coopératif. T'es en train de prendre un bain, là? Il est en train d'utiliser une couche, c'est pour ça? Attends, je te supprime dans ta file d'attente, comme ça, ça... Allez, ça va? C'est bon? Donner un bain à Benjamin. Je n'ai pas pu c'est voir bon le précédent live, mais j'en profite pour te souhaiter une bonne année. Bonne année à toi aussi, Caroline. Des bisous, je passe en lurk. Bon lurk à toi et merci beaucoup pour les 2 ans d'abonnement. Merci infiniment. Santé, Aude. Bonne année, NSXLO, VNSXE, bisous. Bonne année à toi aussi, Wushu. Bonne année. Merci beaucoup pour le 18e mois d'abonnement. Pourquoi il se regarde dans le blond des yeux? Je vais péter un boulon. Coucou, Chlouk. Salut, Isaldo67 et Neymax. J'espère que vous allez bien. Coucou, Canarlem. Et merci beaucoup, Lola et El Kinax pour les follow. Merci infiniment. Vas-y, Benjamin, tu commences à me péter les couilles. C'est quoi son problème? Vous pensez que Lola, elle va se barrer, là? Pourquoi t'es contente, Lola? Genre, t'as pas à être contente à ce moment-là? Juste, tu peux aller pleurer! Tu peux aller pleurer de nerfs, de larmes, de tristesse, de douleur, de colère! Va chialer, quoi! Je sais pas! On abandonne tous nos enfants! Merci beaucoup, Annie. Oh, mon Dieu. Non, mais Mila, elle est trop mignonne. Regardez mon chat là-haut, comme elle est trop belle. Regardez-la. Merci beaucoup, Annie C. Angel, pour l'abonnement. Bienvenue parmi nous. Bienvenue, bienvenue. Ça fait quoi quand on a Amazon Prime sur Twitch? Tu peux avoir un... tu peux avoir un abonnement que tu ne payes pas. Il faut que je trouve un moyen de caler la caméra. Je crois que je pourrais pas, mais elle est incroyable. Oh bordel, je l'adore. Je l'adore. Elle est trop chou.
Elle vit sa meilleure vie, mais de fou. Attends, qu'est-ce que tu fais? T'es encore en train de galérer avec Benjamin? Non, mais à un moment, Benjamin, il va aller se coucher comme un grand. Attends, tu sais quoi? Hop, mettre un bonbon au lit, Benjamin. Voilà, on va arrêter de se battre. Je pense qu'il puera du cul jusqu'à ce qu'il grandisse. Et ce sera pas un souci. C'est lui qui l'a décidé. On est lundi, je crois que les enfants grandissent demain, mardi. En vrai, ça devrait aller. On va faire leur anniversaire, on va inviter tout le monde. Peut-être même d'ailleurs qu'on devrait prévoir l'anniversaire. On travaille jusqu'à 16h. On va ajouter un jour férié. Ajouter un événement comme ça, ce sera pas mal. Vas-y, ajoute l'événement. On va faire donc une fête d'anniversaire. Hop là, fête d'anniversaire juste là. Sim célébrer, on va prendre Benjamin et Chris. On va récupérer au niveau des invités toute notre famille. Est-ce qu'on invite aussi leur papa? On n'invite pas le papa, on est d'accord. Hein, on est d'accord qu'on on fait pas le papa. Coucou Sophia, merci pour le follow, salut Clairette, bonne année à toi aussi, et à Eliana et Nancy Brown, merci à vous pour les follow, coucou Charlie, comment vas-tu? Salut Sarchan et coucou Elisoui, merci pour les follow. Osef du papa, le quoi? Bah on est d'accord, ok, il a pas du tout été là, on s'en fout. Donc, les invités. Les invités seront... Je sais pas qui j'ai envie qu'on voit, parce qu'il y a plein de monde, hein. Est-ce qu'on invite Jay? Non, on n'invite pas Jay. On n'invite pas le Père Noël non plus. Quoique, vas-y, on va inviter le Père Noël à leur anniversaire. Imaginez, il offre pas de cadeau, ce rat. Alors attendez, ici on est tout bon. On pourrait inviter qui d'autre? Notre famille, bien sûr, ça c'est sûr qu'on va les inviter. Mais il faut bien que j'ai... Oh, Akira, il est devenu vieux et Sergio, il est... Ça va aller, tout va bien aller. Tout va bien aller. Oh, il y a Thierry aussi. Chiara, tu seras invitée. Romy, on peut t'inviter, ouais. Même si la dernière fois qu'on s'est vu, t'as été une grosse connasse avec nous. On va pouvoir inviter qui d'autre? Après, ça, c'est toutes nos meilleures copines de lycée, quoi. Pauline, tu seras invitée, bien sûr. Orion, je vais t'inviter. Mathéo, je t'invite. Mira, je t'invite aussi. Diey Naba, je t'invite aussi. Maximilien. Bah j'invite Romy, je vais inviter Maximilien aussi. On est à 11 personnes, on peut aussi inviter Naël du coup. Et pourquoi pas inviter Ava. On invite toutes nos copines à l'anniversaire de nos enfants. Il nous reste 2 personnes. Evie, je peux t'inviter aussi. Ah non, je vais inviter plutôt Anaïs et Evangeline, elle est populaire. Voilà. C'est bien ça. C'est bien. Traiteur. On va pouvoir inviter Sergio comme traiteur. Oh, je peux m'inviter moi. Je vais m'inviter moi, voilà, comme ça je serai là. au niveau du mixologue, ce sera Gemma, et pour la... Mais non, j'ai pas besoin de mixologue, qu'est-ce que je raconte? Vas-y, non, on a juste un traiteur. Ok, ça c'est bon. Au niveau de l'endroit, ça va être bien sûr chez nous. À quelle heure on fait ça? À 18h, je pense, ou alors peut-être à 17h, le temps de rentrer du travail. De toute façon, que le travail, on va le faire de chez nous, je pense. Et comme ça, ce sera tout bon. On a prévu leur événement d'anniversaire, et ce sera parfait, je pense, n'est-ce pas? Et on est parti. Arrête de râler. Moi je suis un bambin et je te fais chier depuis le début de l'épisode et en plus je râle. Espèce d'enfant. Vas-y, va manger ton petit gâteau. Et elle va pouvoir enfin prendre du temps pour elle, vous pensez? Non! C'est bon, il dort. J'ai cru qu'il venait de se réveiller. Toi, t'es crevé, t'es en train de dormir, c'est parfait, toi aussi. Non mais par contre, il est en train de dormir comme ça. Est-ce que tu voudrais pas le réveiller et le mettre pour de vrai au lit? Vas-y, on va faire ça. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire. Et après, comme ça, tu peux t'occuper de toi, Lola. On va même pouvoir peut-être aller faire un footing. Ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas fait. Oh, ça va être tellement bien. Merci beaucoup, Nixey. Merci infiniment pour ton prime. Bienvenue parmi nous. Vas-y, réveille-toi, par contre, sac à merde. Allez, allez, debout. Allez, hop. On se dépêche, on sort du lit. Allez, you can do it. Mettre Chris au lit. Oli mon grand! C'est bon. Pose ça, part, on s'en fout. Voilà, par exemple ici. Parfait. Tu vas pouvoir poser ton petit plat. Je vais te le ranger, comme ça, il n'y a aucun souci. Oli mon grand, nous, on va pouvoir aller faire un petit pipi qui fait plaisir. Et ce sera parfait. Ava, c'est pas la tante des petits. Mais si, de ouf, c'est leur tante! Oh, mais c'est trop bien! Finalement, le Hunger Games, c'est pas une si mauvaise idée! C'est des vraies responsabilités les Sims. Mais vous avez vu ça, c'est un enfer. Coucou Sophia, bonne année à toi aussi Clairette. Coucou à Eliana et Nancy Brown, Sarah Chan, Elisouille, Sophia, KTS, merci à vous pour les follow. Coucou Charlie Rly. Et coucou Ama Oro. J'espère que tu vas bien, Rip Philippe. Mais pourquoi Rip Philippe? Ah, j'ai pas invité Philippe. Écoutez, ce sont des choses qui arrivent. On est en train de penser à notre père pendant qu'on est en train de chier.
Y a pas de souci, vraiment. Est-ce que tu voudrais bien aller courir un petit peu? Peut-être pour libérer tes émotions. Mais t'es très heureuse là. Franchement, Lola, elle va bien, hein. Carrière politique, choisir une cause. Oh! On peut choisir une cause! La fondation contre la malice. Y a pas une fondation pour la malice? Pas de laisser pour compte. Les Simflous pour tous. Monde uni. Y a pas un truc genre. Un truc négatif? C'est les Simflous pour tous, peut-être? Je sais pas. Bon, écoutez, on veut être riche. Allons-y. Les Simflous! Mais non, les Simflous pour tous, ça n'a aucun sens. Attendez, choisir une cause. Monde uni. Pas de laisser pour compte. La parole aux arbres. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout, je comprends pas. Coucou Lucas Dasvilla, c'est quoi le but? On est en train de jouer et en fait on a le droit de contrôler que Lola, on la joue depuis qu'elle est nourrisson. Donc ça commence à faire très longtemps. Et là elle est maman, donc ça fait longtemps qu'on la joue. Attends, est-ce que tu veux bien juste du coup venir écouteur, allumer, on va mettre de la musique alternative et tu pourrais ensuite venir regarder les étoiles, non. Jouer sous la pluie non plus, ça sort... Viens là pour voir, viens ici. Hop, j'aimerais bien que tu sois hors de ton appartement. À moins que ce soit là et que j'ai juste pas vu plus de choix. Allez courir. Vas-y, parfait. On va donc pouvoir faire ça tranquillou. Elle grandit quand la petite? Elle grandit vendredi normalement. Donc elle va pas tarder à grandir non plus, même si le temps passe doucement. Donc peut-être qu'elle grandirait la prochaine fois en tant qu'ado. Déjà, si à cet épisode-ci, on peut avoir les enfants qui deviennent des... Enfin, les bambins du coup, qui deviennent des enfants. Vas-y Lola, profite. Franchement, ça doit être trop bien de réussir à se libérer du temps. Quand tu passes ton temps à t'occuper de tes enfants, enfin t'as du temps de t'occuper de toi. Ça doit être quand même très agréable quoi. Coucou Xia41So, bonjour, bonjour, salut Maealissa26, merci pour ton follow, coucou Erika, comment tu vas? Et salut Elrenae, coucou MPF, salut Camille, merci beaucoup Morgane, Petit Poulet et Winnie Azena pour les follow, coucou The Greta Merlin, bonjour, ma femme t'adore, et ben écoute, ça fait plaisir, ben bonjour à ta femme, bonjour, il y a quelqu'un qui est en train de jouer la musique de Kaito? Vas-y Lola, arrête. Tout le monde est en train de dormir, profite, il est 5h du matin. Toi t'as pas besoin de dormir avant longtemps. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste une pierre, j'ai cru que c'était une soucoupe volante. Regardez le caillou, il ressemble trop à une soucoupe. Non? Quoi? Il y avait un bruit en plus parce qu'il y avait un vampire! Ça faisait trop soucoupe volante, je vous jure! C'est ouf! Le trait de caractère que j'utilise jamais, c'est le refus de s'engager parce que je suis tellement accro à la romance, j'imagine! Coucou Zomika, coucou Julo! Ça, j'avais répondu, c'est tout bon. Et coucou Wona, Pounaïd et Flower on the Moon. Merci à vous pour les followers, merci beaucoup! Vas-y, tu peux te présenter avec tout le monde. Par contre, regardez, ça s'est mis dans l'ordre. Un peu dans un ordre différent de celui que j'avais mis. Pourquoi il est mal à l'aise? Bonjour! Salut Diego! J'espère que tu vas bien. J'ai des écouteurs dans les oreilles, j'entends rien à ce que tu dis, donc je vais me casser. Voilà, ce serait pas mal. Allez, au revoir! Tu peux partir Lola, t'es pas obligé de rester. Hein. Voilà, très bien. À moins qu'on... Attends, obtenir un vote. Va lui obtenir un vote. Après tu pourras chercher dans les boules à neige, tu pourras chercher ici, tu pourras décoller une affiche ici. Allez, soutiens ma cause! Ouais! Ouais! On a un vote en plus! Oh, merde! Ils viennent de se réveiller. Mais tout le monde va bien? Tout le monde va bien? Grâce à une excellente maîtrise des problèmes de l'assurance et peut-être quelques promesses en l'air, Lola a obtenu le vote de Diego. Putain, lui, la fin. Je vais aller sortir de la bouffe pour mes enfants. C'est bon. Merci pour ton vote, c'est très gentil. Est-ce que j'ai des trucs à faire pour aujourd'hui? Mais regardez comment on est trop bien! Bientôt, on va avoir une promotion, on va devenir membre du conseil! C'est incroyable! Tout le monde va bien, retenez cette phrase. Arrêtez, pourquoi vous avez envie de me porter la poisse là? Ouh Kevin, merci pour le follow, salut Karamisto, merci pour ton follow aussi, coucou Statchou, bonjour à toi, salut Lily Pandicorn. Hop, voilà, merci pour ton follow. On a choisi quelle cause du coup? Des Simflous pour tous. Est-ce qu'il y a encore le raton? Il n'y a plus le raton laveur, c'est dommage. C'est très dommage, on a encore une boule à neige, ok. On va pouvoir, une fois qu'on aura terminé tout ça, rentrer à la maison et être plus seul du tout. Oh, on a été promu! Le travail commence dans environ une heure. On va travailler depuis la maison. Ok, il faut qu'on fasse quoi? Raconter des blagues sur les hommes politiques, discuter des changements dans le quartier avec deux voisins.
Alors, c'est rigolo, regardez comment il tire son petit truc là. Plus c'est loufoque, mieux c'est. Est-ce que Pauline aime le comportement loufoque? Mais oui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous vous racontez des blagues. Mais Pauline, elle adore ses petits frères, vraiment, je l'adore. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Attends. Et lui, il est au téléphone. Non, mais il y a vachement de vie là d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Présentation Polly avec toi. C'est Darling ça? Ou bébé, je sais plus comment. Darling, c'est ça. Rentre pas à la maison, attends. Il faut que tu racontes une blague sur les hommes politiques. Après, tu pourrais aussi raconter une blague à tes enfants, mais je suis pas sûre qu'ils comprennent les bambins, quoi. Donc bon, voilà quoi. Quelle belle âme, cette Lola. Mais non, mais c'est Pauline, la belle âme, quoi. L'enfant, elle a 9 ans, elle pense déjà à en finir. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Elle avait pas 4 enfants? Non, non, elle avait pas 4 enfants. Elle en avait 3. Et 3, je trouve que c'est déjà pas mal. Depuis le début du live, ça fait 1h43 que je suis debout. Je vous propose de m'asseoir. Je pense que ça me fera du bien un petit peu à mes gambettes. Alors voyons voir. Voyons voir. Est-ce que la blague peut marcher? Débattre de politique de gauche. Demander un gros pot de vin. Est-ce qu'on peut... Ça marche ou pas? Oh! Non mais elle est trop forte Lola. Je vous jure elle est trop forte. Ok, attends. Oh! Gardez votre calme, ne faites pas d'esclandre. Le pot de vin est passé comme une lettre à la poste et a terminé dans votre poche. Découvrez les bienfaits de la corruption. Oh oui! Elle nous a donné combien, vous avez vu? C'est génial! Ma gourde, c'est une gourde que j'ai achetée sur Amazon aussi. N'hésitez pas à passer par ce petit lien si vous voulez regarder. Je vais en ajouter encore. Là, je vais faire la liste à la fin du live de tout ce que j'ai acheté cette année pour voir les trucs que je vous recommande potentiellement pour faire des nouveaux posts. Normalement, je mettrai tout ça à jour ce soir. Pourquoi les gens humains sont pas comme ça? Tu me passes de l'argent, ok, tiens, la mallette remplie d'argent. 2000! Oh, mais tellement de générosité! Elle, par contre, elle est en mode... Oula, elle s'est fait arnaquer, mais de ouf, quoi. Mais de ouf, hein. Trop fort, Lola. Vraiment, attends, maintenant que tu m'as donné de l'argent, est-ce que tu voudrais bien, à tout hasard, hein, est-ce que tu voudrais bien, genre, carrière politique... Excusez-moi. Obtenir un vote. Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu... Je voulais te raconter une blague et tout. Alors, attendez voir. J'ai l'impression d'avoir des poils de chat dans la bouche, c'est pas très agréable. Ah! Mais quoi? Raconter une blague? Comportement loufoque? Histoire? On peut pas raconter une blague sur les hommes politiques? Raconter dans la catégorie de rôle? Les canards. On va faire une blague sur les canards. Ok? On va faire une petite blague sur les canards. On va obtenir un vote. Et on va ensuite plus de choix. Drôle. Blague. Là, sur les hommes politiques. Ok, parfait. Est-ce que ça va marcher? Les factures viennent d'arriver. 1215 Simflouz. Bah, c'est parfait, c'est son pot de vin qui va le payer. T'es tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi. Oh, mais c'est trop bien! Ça fait plaisir. Ok, ça a marché? Oui. On a gagné 787 Simflouz parce qu'on a raconté une blague sur des hommes politiques. Tout va bien. J'adore les Sims. Moi aussi, j'ai envie. Venez, je raconte une blague sur les hommes politiques et vous me donnez 787 Simflouz, ça vous va? On fait ça? Hello, les merci beaucoup, Nbizabi. Je sens tout de suite. Vous strict. Allez bien? Et toi, Noémie, tes vacances se sont bien passées? Oui, c'était trop visage bien. Souriant. Et petite question, Lola avait pas 4 enfants? Mais non, visage mais pourquoi effrayé. Vous pensez que Lola NSX a 4 enfants? NSX note, NSX flex, NSX et bisous. Mais Lola n'a jamais eu 4 enfants? Elle en a... Eh, vous voulez pas lui faire un autre enfant en plus? Mais non, elle en avait 3, hein, c'est suffisant, on galère déjà assez comme ça. Merci beaucoup pour ton 10e mois d'abonnement, Nbizobi, merci infiniment. Et santé, Otra, du coup. Santé, Evolia. Lola est une enfant aussi dans cette histoire. Non, c'est juste qu'il y avait une personne de plus dans le foyer, c'était le papa, quoi. Coucou Meltine, merci pour le follow, salut Fiona, Fiona Titi, merci pour ton follow aussi. Et du coup, salut Jinta, merci beaucoup, Kaelia, je suppose, et Léa Bouya pour les follow. Coucou Lulu la pomme de terre, et Medel Rude, bonjour. Alexandre Sato. Bouh. Il est pas content. Attendez, on va discuter des changements dans le quartier, tout ça. Ça va aller, papotage. Discuter des changements dans le quartier. Ouh, vous trouvez pas que ça a changé? Eh, la tenue est très belle, hein. Vraiment, il y a un style. Hein. Oh, il rigole! Oh là 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 là! Mais oui, mais je suis tellement drôle! Demandez un gros pot de vin.
Pars pas le nord, hein. Obtenir un vote. Voilà. Et comme ça, ça devrait être bon. On est en train de devenir potes, tout ça. Oui. Oui, non mais... Oh 2000. J'adore. Oh punaise. J'avais oublié Paul tellement il servait à rien avec les gosses, c'est un truc de ouf, hein. Non mais regardez ça, on a obtenu un vote, un nouveau pot de vin. Alors voyons voir, est-ce que tu voudrais bien venir inviter, demander à discuter? On va demander à Mathéo de venir discuter avec nous. Le travail commence dans une heure pour Lola? Mais on travaille déjà là, non? C'est un bug, on est d'accord? L'anniversaire d'un ami? Tout le monde ne parle que d'une fête d'anniversaire à laquelle Pauline n'a pas été invitée. Elle croyait pourtant que l'autre était son ami et a du mal à comprendre. Doit-elle en parler à son ami ou laisser tomber? Un ou deux? Demandez à l'ami ou laissez tomber? Dites-moi, un ou deux, votez sur TikTok et sur Twitch, n'hésitez pas à dire un ou deux. Demandez à l'ami pour un et deux, c'est laisser tomber. Pour le moment, ah, c'est chaud! Vous êtes pas d'accord? Sur TikTok, c'est un. Voilà, le un est unanime, on demande à l'ami. Et sur Twitch, j'ai l'impression qu'il y a plus de 1 que de 2 aussi. Allez, on demande à l'ami. On est parti. Malheureusement, cela ne s'est pas bien passé. Pauline n'a eu pour toute réponse qu'un haussement d'épaule. Et maintenant, son ami l'évite soigneusement. Chez moi, c'est neige et vent et Nessex et bisous. Pff, qui a besoin de ce genre d'amis de toute façon? T'as raison, Pauline. Oh, quelle connasse! Oh non, mais c'est trop triste. Mais pauvre Pauline, elle est trop mignonne. Elle est trop chou. Ça me fait penser à ma nièce, elle est hyper sociable. Mais vraiment, elle a 4 ans. Elle est hyper sociable, elle va voir tout le monde, elle commence à taper la discute. Mais tu vois que les enfants, ils ont pas envie d'être avec elle. Du coup, ils lui mettent des gros vents. Et moi, ça me fait trop de la peine. Genre, elle est trop mignonne, elle va voir tout le monde. Et elle est là, et elle se fait copine. Et elle s'en fout que les gens, ils l'ignorent. Hein. Elle vit sa meilleure vie, quoi. Et moi, à chaque fois que je vois ça, je suis en mode... Mais la pauvre. Tout le monde lui met des vents et tout le monde est là, l'ignore un peu alors qu'elle est trop chou, bichette. Bref, donc on va demander à quelqu'un de discuter, on va finir notre travail. Comment ça va les enfants? Eh, vous en sortez bien tout seul, hein, bravo. Elle est à l'école, elle est hébétée, pourquoi? Sporéose, putain merde. Oh, je peux pas la contrôler. Ça veut dire qu'elle va mourir? Ça veut dire qu'elle va mourir? Non, je sais que j'ai juste regardé comment elle allait, mais je me suis rendu compte que si je la contrôle pas, on va demander à gros pot de vin à notre frère aussi, si je la contrôle pas, elle meurt. Si, les enfants peuvent mourir. Si, ça meurt. Ah, bien sûr que ça meurt, hein. Et récemment, j'ai un enfant qui est mort. Dans les Sims. J'arrive un peu en retard, mais je suis ravie de te retrouver, car c'est mon anniversaire aujourd'hui et ton live me fait trop du bien. NSX Love, NSX Cœur, NSX. Merci beaucoup, Elodie, pour le 10e mois d'abonnement. Et bon anniversaire, joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup, en tout cas, Elodie, pour le 10e mois. Et merci, Einalem, pour le 9e mois d'abonnement. Le bébé de stream, c'est beau. Merci beaucoup. Merci infiniment. Pauline, elle est trop mimi. Non, mais je veux pas. Non, j'ai pas loupé, Einalem, pardon. C'est juste que j'étais en train de réfléchir à tout ça, quoi. Ouais, les enfants, ils peuvent mourir, hein. Si. Oh, attendez! Il y a mon livreur Amazon! Attendez! Excusez-moi, c'est bon, parce qu'en fait, désolé, j'ai pas mis de musique, j'ai juste dit à Lucas d'y aller et je lui ai filé le code parce que c'est les micros, on reçoit les micros aujourd'hui, c'est trop bien. Je suis contente, je suis très contente. Noémie, je te cherchais depuis tellement longtemps, comment tu vas, Léna? Comment ça va? Pourquoi tu me cherchais depuis tellement longtemps? Alors attendez, donc,
J'étais en train de dire quoi? On va faire quoi? Là, on est en train de réaliser que peut-être notre enfant va mourir. Essaie de regarder. Oui, avec éducation, mais t'as pas le truc de frotter les spores, tu sais. Et je crois que c'est ça. Putain, par contre, les poubelles, c'est buggé. Vas-y, je le valide. Et que ces ordures bien jouées, les niveaux d'ordures sont revenus à la normale. Wouhou! Wouhou! C'est pas celui qui tue? Ok, ça va. Tout va bien alors. Il y a peut-être maintenant avec le pack, je sais pas, tu sais, ils ont pas fait vraiment beaucoup de choses cross-pack malheureusement. Je voulais faire quoi avec le frère? Oui, je voulais discuter du changement dans le quartier, donc on va pouvoir faire ça. Et comme ça, on aura tout terminé et ce sera parfait. On verra. Coucou Jinta, salut Kaelia et Léa Bouya, merci beaucoup pour les follow. Coucou Lula Pomme de Terre, Mundelrood, j'ai l'impression que j'ai déjà dit ça. Bienvenue, merci beaucoup pour ton follow. Elle est contente parce que son frère l'a fait sourire, c'est parfait. Chris a très faim. T'as discuté des changements dans le quartier? Blurf, no. Attends, il nous file ou pas? Oh putain, mais ça marche. Non mais regardez ça. Regardez ça, non mais c'est incroyable. Attends, avant de nourrir ton enfant, il y a plus important. Comme par exemple, obtenir le vote de ton frère et, papotage, discuter des changements dans le quartier. Pourquoi ça les a réinitialisés? Merveilleux, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Fini la découverte rose et orange. Allez, on est parti pour du rose et orange. C'est tout bon. T'as vu, j'ai un seul bouton pour le faire parce que c'est mon truc de base. C'est parfait. Non, mais ça fonctionne si facilement parce que, en fait, la raison pour laquelle ça fonctionne aussi bien, c'est qu'on est niveau 10 en charisme et que, du coup, les gens, ils nous aiment. Voilà, c'est tout. Et qu'on a un bon niveau politique aussi. Donc forcément, ils sont séduits. Ils sont séduits par nous et ils nous donnent à balle de thunes, quoi. Vous voyez? Coucou les Narrangers, ça va super et toi? Comment ça va? Coucou Amélie et coucou Abibi. Salut Hiss et Rocky. Merci beaucoup pour le follow et coucou TV Oli. TV Oli plutôt. On a obtenu le vote. Ok, c'est bon. Vas-y. Comme on est de la même famille, ce serait vraiment chouette si je pouvais emménager avec toi. Je savais qu'il fallait pas que je parle à mon frère. Je savais que c'était une mauvaise idée de lui parler. Je savais que c'était une mauvaise idée. Qu'il allait forcément. Non. Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Putain, fais chier. Pourquoi ça fait ça? Eh oh, Bastico. Tout va bien. C'est bon, c'est réceptionné, je vais faire la porte. Oui, cool, merci. Putain, mais c'est de malchance alors! Mais quelle malchance! C'est vraiment malchanceux, hein! En plus, ils sont deux. Est-ce qu'elle reste chez elle? On prend Sophie avec ou pas? Est-ce qu'on prend Sophie avec nous ou est-ce qu'on ne prend pas Sophie avec nous? Dites-moi tout. Oui, on la prend. Allez, parfait. J'espère qu'ils vont quand même nous aider. On va vendre tous les équipements du terrain. Bon, bon, bon. Et bien voilà, au moins on a 23 865 Simflows en plus. Voilà, voilà. Écoutez, bonne chance pour trouver où dormir. Je suggère. Alors attendez, parce que hello. Là ça va être compliqué. Je passe juste faire un coucou et me réabonner. Je rattrape les épisodes de ce Let's Play en replay d'abord. Merci inférieur beaucoup, Nyx. Merci beaucoup pour le troisième mois d'abonnement. Merci infiniment. Et bonne rediff à toi. Santé, petit chat. Merci beaucoup, Lovely Loveuse, pour le deuxième mois d'abonnement. Canapé lit dans le salon au risque qu'il meure. Vous voulez qu'on fasse ça? On met un canapé lit dans le salon? Vous êtes horrible. Non. Canapé... Ah ouais? Mais le problème, c'est qu'il va être en plein milieu, là, ça va pas le faire, le canapé lit. Ou alors, faudrait que je le mette là. Ou alors, il faudrait que je change mon mur. J'ai pas envie de changer mon mur de photo. Déménagement? Non, on déménage pas tout de suite. J'aime trop cet appartement. En vrai, il est trop agréable. Et surtout, on n'a pas encore créé l'endroit où elle habitera plus tard, Lola. Il pourrait canner avec le canapé lit. Bah ouais, mais bon, les pauvres. Non, attendez, on va leur mettre... J'imagine plutôt... Attendez, parce que si on part sur un petit lit comme ça, un peu comme si c'était un canapé lit finalement, mais ça n'en est pas vraiment un. Alors,
Déjà, la maison de poupée. C'est compliqué, là. J'avoue, c'est un peu compliqué. La maison, s'ils veulent en plus qu'il y ait d'autres personnes qui viennent dedans. Nous, notre chambre, on la partage pas. C'est mort. C'est vraiment mort. Ici, est-ce qu'il y a moyen d'avoir cette maison de poupée quelque part, que ça emmerde personne? À la limite, si je mets le projet scolaire là, temporairement, je peux mettre ça ici. Donc, si jamais je décidais de prendre hop, un lit comme ça, on pourrait prendre lequel? Est-ce qu'il y en a un qui fonctionnerait bien? Genre ça, ça pourrait peut-être le faire. Ok, pourquoi pas. Que je mets donc ce lit ici. Comme si c'était un peu le canapé dépliant de la maison, ok? Mets le move object. Oui, je le mets après, mais j'aime bien commencer sans move object. Vous avez pas remarqué qu'en ce moment, je mets jamais le move object jusqu'à ce que j'ai vraiment un truc à faire. Genre là, par exemple, je vais le mettre, mais c'est que parce que j'ai vraiment un truc à faire avec. Mais du coup, ouais, est-ce qu'il y a moyen? Peut-être que je vais plutôt prendre le lit de saison, sinon, parce que j'ai l'impression que si j'ai envie de prendre un canapé, genre mettons, imagine on a un canapé comme ça. Est-ce qu'il peut être peut-être rose le canapé, il peut être bleu aussi, ou alors il peut être blanc un peu assorti à lui. Et si je fais ça à la limite, ce que je peux prendre comme canapé, ce serait, alors lui il est peut-être un poil grand, mais le canapé idéal, merde je sais pas du tout, peut-être celui-là qui vient avec saison justement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être sympa, ça par exemple, c'est pas non plus dingue mais c'est pas non plus si dégueu. Donc si je fais ça comme ça, il y a deux salles de bain. Ouais, il y a deux salles de bain. Une chambre dans une salle de bain, c'est possible. Ah bah non, hein. Ils dorment dans le salon. Attends, mais ils vont pas rester là longtemps non plus, hein. J'espère pas, en tout cas. Et au niveau du lit, du coup, celui avec saison, est-ce que ça peut rentrer ou est-ce que ça va être bizarre? Alors attendez. Bébé.moveObjects. Vous pensez qu'il y a moyen de moyenner, là? Ah non, on le voit pas du tout. On le voit pas du tout. Que faire? Que faire? Est-ce qu'il y a un autre canapé qui pourrait être mieux, peut-être? Bah lui, il pourrait peut-être le faire. Comme ça. Mais est-ce que les Sims, ils peuvent dormir dedans? Telle est la question. Donc imaginez ce genre de choses avec du coup le canapé qui est de cette couleur-là. Ça nous fait une petite table... Mets le canapé gonflable. Non mais c'est sympa comme ça, non? On teste, ça donne... Ouais, j'aime bien. Attendez, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi mettre surface. Je vais récupérer peut-être une petite table de chevet, comme si c'était la table pour notre télé. Qu'est-ce qu'elle pourrait mettre, Lola, pour une table... Enfin, dans son salon, plutôt. On va en profiter pour meubler un petit peu notre appartement. Pourquoi pas mettre ça, s'il y a un coloris qui est sympathique? Genre, lui, il pourrait être Mimi. Mais en même temps, peut-être un petit peu trop... Ça pourrait être mieux. Ah, ça, j'aime bien. Attendez. Est-ce qu'il y a moyen? Alors, pas comme ça. Le premier coloris, il est sympa. Le deuxième est bien aussi. Je crois que j'aime bien le deuxième. Donc, attendez. Si on part là-dessus, avec, en éclairage, une lampe, comme par exemple, la lampe qui vient justement avec Thomas Rango. Si, elle est où? Ah, je sais pas où elle est! Non, c'est chiant, elle est trop belle en plus, cette lampe. La lampe qui vient avec Alloué. Je croyais qu'elle était dans les dernières lampes. Vous l'avez vu ou pas? Je sais pas du tout. Merci beaucoup Tsukia, ça fait trop plaisir! Ah, c'est trop cool! Bah écoute, trop bien, merci de sortir de ton lurk, merci d'avoir pris mon code. Et j'espère que tu pourras bien t'amuser avec. Voilà, elle est là. Elle est belle celle-là. Et je la mets en rose. Non, elle était bien en bleu. J'aimais bien. Ok, on part là-dessus, du coup, au niveau de la lampe. Et je pense que ça va être tout pour le moment. Je vais pouvoir mettre à l'arrière le petit carton. Il va être là cette fois-ci. Et la petite maison en carton, hop là. On va juste décaler tout un petit peu. Ça va pouvoir venir par là, par exemple. Et notre maison en carton, elle va venir ici. Normalement, on est pas mal. C'est bien, non? Il n'y a pas de télé ou de divertissement. Si, il y a des livres, regarde. S'ils ont besoin de se divertir. Je pense que pour le moment, Lola, elle a pas envie d'avoir de télé. C'est pas son kiff, quoi. Donc, on est bien. La télé. Mais non, j'ai pas envie qu'il y ait de télé. Mets un lit sur les toilettes. Mais pourquoi vous voulez que je mette un lit sur les toilettes? Merci beaucoup Ena pour les 7 streams consécutifs, ça fait plaisir. Santé Marion, santé à toi. Et coucou du coup Tété Voli, j'espère que tout le monde va bien. Dernièrement dans mon Perfect Life, il s'est passé quelque chose. Mon frère qui était un enfant s'est couché, mais pour je ne sais quelle raison a préféré aller au bout du jardin pour dormir sur le matelas gonflable de la piscine. Il est mort. Oui, les enfants peuvent mourir de noyade et c'est terrible, je trouve. Coucou Erza, salut Loan Chap, merci beaucoup pour les follow, merci aussi à Pentip et à Lulixn. Et salut la Ravagée, j'ai raté quoi durant 1h40 de live? Bah écoute, on est plus nombreux.
On est plus nombreux maintenant à vivre dans cette maison. Et on n'est pas très ravis de cette nouveauté, mais on fait genre qu'on l'est. Regardez comment tout le monde a l'air tellement heureux de cet emménagement. Wouhou ! Mais c'est pas vraiment le cas, quoi. Coucou Pris, salut Mathilde Wonderland, Clarita, Ville Rose, Alexandra Lali Lalou, Owen Joy, Rosenbraise, Erin Miu, Jojo Lune, Loulou, Xéane, c'est ça, hein, Xéane G, oui tout à fait, Chip Chap, prof de cartes, j'espère que vous allez bien, coucou Laureline également, et merci beaucoup Einalem encore une fois pour le bébé de stream, coucou Lilith Shiny, Iso 1890, Sol Ski, non Sol Siken, Nizumi, Océane, merci beaucoup pour le follow. Coucou Coco BRDT, Loraya. Et salut Coco. Bienvenue à vous dans le chat. Coucou Coco 669, Aim, la vie à pleines dents. J'espère que tu vas bien. Coucou Pace. Peace, pardon, Pissim. Merci beaucoup pour le follow. Et coucou Aramina, bienvenue dans le chat. Coucou Juste Inès et Stécie, merci à vous pour les follow. Coucou Mavi, salut Tania, merci pour le follow. Coucou Katou, salut Mouchilette, coucou Anna, merci pour le follow et merci aussi à Lola PNT. Coucou Babouin 000, Fanny Nilo, King Iblis, Miaim et Wendy, merci pour les follow. Et je gère, hein, franchement, vous êtes très nombreux pendant ce stream à dire bonjour et j'arrive à tous vous lire pour le moment. Hein. Il y a de la moisissure dans le hall. Oh bordel, ça commence. Ça commence. Non mais là ça ne va plus hein. Mais notre fils va mourir surtout. Attendez. Allez, aidez-moi pour le ménage SVP. Posez. C'est Benjamin ou Chris? C'est Chris hein. Chris il va mourir de faim. Vous savez quoi? 37 minutes avant péremption. 2 jours avant péremption. Allez les enfants, à table. À table, à table, à table. Vous allez, je vais faire confiance à votre autonomie. Je sais pas si c'est une bonne idée en vrai. Je pense pas. S'il vous plaît. At last. J'ai peur que ce soit copyright. Attendez, prochain morceau. Voilà. Est-ce que, s'il vous plaît, les enfants. Oui. Oui. Il a faim? Vas-y, vas-y, il y a un truc par terre, ça sert à quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Allez voir le bambin, tu vas voir personne. Là, tu vas... Eh, tes enfants, ils sont intelligents, tu vois. Ils sont vraiment très intelligents. Vous m'aidez pour le ménage, là? Prendre des restes, plus de choix. Attends, enlever la nourriture gâtée, ça pourrait être pas mal. Vous m'aidez pour le ménage? Parce que là, j'ai pas l'impression que vous m'aidiez beaucoup. Nettoyer à ma moisissure. Tu vas le mettre dans le dans la chaise haute? D'accord, très bien, on va retirer ça. Au moins, ce sera parfait. Bah écoutez, on a une maison bien remplie, hein. Il est pas bloqué sur le fauteuil? Non, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que ça va. Alors attendez, ça il faut aussi qu'on nettoie. Écoutez, on va détruire avec le feu ici, on s'en fout. Est-ce qu'il y a autre chose chez nous? J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre à mademoisissure, donc ça devrait aller. On espère, on prie. Elle ne l'a pas nourri. Benjamin a très faim. Merci de m'avoir prévenu parce que là c'était un coup à se faire retirer notre enfant quoi. On est ravis, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien d'aller. Là, on a un petit sleepover temporaire. Qu'est-ce qu'elle fait? Sécher le linge. Lola, est-ce que je t'ai demandé de sécher le linge? Non, mais surtout que le filtre est pas nettoyé. Mais elle veut nous tuer. T'as raison, je vais appeler à table. Vas-y, Lola, dépêche-toi, s'il te plaît. Pourquoi ça a pas marché? On va pas les notifs avec le gros Milo. Il y a pas de notif là. Il y a aucune notif donc vous en faites pas. C'est pas très grave. Non mais attendez, là c'est déjà porté humide. Qui s'est endormi? Vous êtes en train de me dire qu'il y a tout le monde qui a pris. Franchement, si mes Sims... Oui, oui, c'est les Sims 4. Mais avec toutes les extensions. Je crois que... Ils vont mourir, là. Lola. Donner à manger. C'est lequel? À Benjamin. Du sandwich jambon fromage.
Il va mourir, lui, on est d'accord. Enfin, il va se faire retirer. On veut pas qu'il se fasse retirer. Ok, bon. Lola, arrête de manger, s'il te plaît. Arrête de manger. Voilà, comme ce que je t'ai demandé. On va aussi retirer... Ah, mais c'est tes écouteurs à toi qui font cette musique. On va retirer tes écouteurs parce que là, je n'en peux plus. Éteindre. Voilà, comme ça, on a juste la musique de l'intérieur. Ça va, les enfants? Non, ça va pas. Je sais, j'ai bien compris. Demain, c'est votre anniversaire. Ne vous en faites pas. Tout va bien aller. Maman, contrôle la situation. Pas du tout. Maman, contrôle! Est-ce qu'elle aime le fitness? Oui, en plus, t'es vachement en train de bouger, là, c'est très cohérent. Coucou, Caitlin, salut, Alizé! Le retour dans le foyer. Et oui, c'est trop bien! Merci beaucoup, Lovely Loveuse, encore une fois, pour le deuxième mois d'avant. Non, c'est pas lui, hein. Ok. Il est en train de s'occuper de lui-même. Oh, Lola, j'ai cru que j'allais te tuer, en fait. J'ai cru que j'allais te mettre dans une piscine et t'encadrer de mur. Coucou Emedine, bienvenue dans le chat et bienvenue sur le live. Salut Célia, coucou Locke, salut Elisabeth. Et coucou PJM Kitten, coucou Apolliné Alips. Et salut Milou, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, ça sert à quoi maintenant de faire ça? Tu m'expliques? Demander de l'aide pour nettoyer. Allez Sophie, aide ta vieille tante au lieu de danser là. Oh bordel, il s'est réveillé, c'est bon, mais est-ce qu'il a mangé? Il a un petit peu mangé, mais pas beaucoup. Oh, mais les besoins. Non mais on va s'en sortir, hein. En plus on a de l'aide. En plus on a de l'aide, donc ça devrait aller. Mais la maison de poupée est cassée, y'a rien qui va là, ça m'énerve. On va laisser là au cas où quelqu'un aurait faim à un moment, comme ça y'a pas de souci. J'ai entendu parler de ta récente amitié avec Alexandre Sato, il est vraiment sympa. Ouais, si tu le dis. Ok. Alors, est-ce que tu veux bien m'aider à faire le ménage, s'il te plaît? Oui, c'est bientôt l'anniversaire de Chris. Bah, heureusement, hein. Heureusement, parce que là, c'est compliqué. Elle va jeter les poubelles. Amen. Ok. Tout va bien. Tu sais quoi, Lola? Non. Non, bah non. Je t'ai jamais dit de faire ça. Le linge était sale. Elle est trop mimi, la nièce de Lola, ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Coucou Nianim, bienvenue dans le chat. Coucou Astesia, c'est ça? Astesia, merci pour le follow et merci aussi à Stita07 pour le follow. Coucou Inès, salut Marion. J'ai bu hein, normalement, mais santé à nouveau si jamais je l'ai pas fait. Merci beaucoup Mélissa. Kelly pour le follow, merci à vous. Et merci Ena des 7 streams consécutifs. Mets des sacs à couchage à la limite. Non mais on est bien là. Waouh. Danse trop bien. Je pue? C'est ça que t'essayes de me dire? Ah non, c'est le gamin qui pue. Bon, ça, c'est pas grave, c'est vraiment rituel. Vous aviez qu'à pas venir ici. Alors attendez, on va aller courir un petit coup avec Lola pendant qu'il y a quelqu'un chez nous. J'ai entendu que vous étiez une personne fantastique. Aimeriez-vous faire un don? Allez, on est gentil. On est gentil. On a besoin d'augmenter notre réputation pour être une très bonne politicienne, en fait. C'est ça. C'est ça qui est le plus important. Le petit qui dort a faim, non? Non, personne n'a faim. Tout le monde va bien, regarde. Regarde ça. Faudrait juste que l'autre aille dormir. Mais ça, c'est pas notre problème. Nous, on va faire un footing. On a besoin, là, de se défouler un petit peu et de se faire un truc pour moi. T'as loupé mes deux sauvegardes, j'ai remis parce que des fois ça bug, mais je crois que les deux sont passés à la trappe. Oui, Citril, je suis désolée, mais je crois que. Si, je sauvegardais tout à l'heure, j'ai dit je sauvegarde tout de suite, Citril, il me semble. Coucou Lisa, salut Pochka. Et salut Assez, coucou Jovia, bienvenue sur le chat et merci beaucoup d'avoir lu les règles. Coucou Chloé Stroll, merci beaucoup pour le follow. Aujourd'hui Pauline a terminé l'école, son travail est satisfaisant, mais les professeurs de l'établissement école Plénosas pensent qu'elle pourrait facilement s'améliorer avec quelques efforts supplémentaires. Elle est rentrée avec un projet scolaire. Est-ce que vous pensez qu'on peut réussir à faire le projet scolaire avec elle ou on va pas vraiment pouvoir? Ça, c'est une question que je me pose. Du coup merci beaucoup Chloé Stroll pour le follow. Coucou Mélie Sucré. Dès que de pas avoir été là pour le début, mais je suis trop hype pour le retour de Lola. Et oui, c'est trop cool. Coucou Ellie Martella, merci pour le follow. Salut Gigi Combe. Et merci beaucoup Antex pour ton follow aussi. Coucou Pyroman, salut l'OMTY. Ça va super et toi? Coucou Adèle Blin, merci pour ton follow. Attends, si tu t'arrêtes là, décolle l'affiche. Viens chercher une boule à neige, ça te fera pas de mal. Coucou Boubilope. Comment vas-tu? Ça va super et toi? Coucou Boucle d'Or, salut Katarina, Sangela, Dylan 16, Van Moumat, merci beaucoup pour le follow. Coucou Lily Chou et salut Miss Paul. Et c'est un chat en haut à droite? Oui, c'est mon chat! C'est mon chat en haut à droite! Bienvenue dans le chat! Attends, regarde. Voilà, c'est Mila! Alors attendez, il va falloir qu'on rentre à la maison maintenant. On va pouvoir venir prendre une bonne petite douche dans notre salle de bain que personne n'a le droit d'utiliser sauf nous. On va chanter sous la douche même. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu files du mauvais coton, Sophie! Qu'est-ce que tu fais avec ce voisin qui me donne 2000 simflouz juste parce que je lui demande? Hein?
Pourquoi il m'a donné des Simflouz aussi facilement? C'est quoi? C'est ton copain? Il essaye de se faire accepter dans ma famille? Live de Noémie plus pancake en cours de cuisson un dimanche après-midi comme on les aime. Waouh, incroyable! Bah profite bien. Tu dois pouvoir faire aider, mais faut qu'elle décide de le faire à moins que tu puisses lui suggérer avec éducation. Ouais, dans tous les cas, oui, il faut qu'on le sorte de l'inventaire, ça oui, mais ça je peux. Oh, faut qu'elle aille dormir aussi, la pauvre. Attendez, elle a un petit dessin et tout. C'est trop mignon. On va le mettre là. Ok. Est-ce que du coup maintenant on pourrait mettre dans l'inventaire? Merde, elle peut pas. Alors. Plus de choix. Éducation. Mélancolie d'adolescence, personne ne m'aime. Personne ne m'aimera jamais. Pourquoi? Pas tout laisser tomber. Oh, ça va pas trop, hein. Je crois que le voisin l'a quitté. Partager un secret. Non. Donc, éducation. Obliger à. Inciter à. Oh, travailler sur le projet scolaire. Ok. Parfait. Parfait. Et comme ça, après, on pourra l'aider. Regardez, on commence à avoir une belle petite collection de boules à neige, franchement. Est-ce que je peux les mettre là-haut? Oh oui, c'est trop bien. C'est trop cool. Et on a même un gnome ici. Ah non, c'est pas un gnome du tout, en fait. N'importe quoi. On dirait qu'il se passe quelque chose chez vous. Ça vous dérange si je viens voir ce que c'est? Non, non, ça oui, ça me dérange. Bouge, viens pas chez moi. Attendez, parce que j'ai des jolies affiches aussi que je pourrais utiliser. Je sais pas où je pourrais les mettre, par contre. Peut-être les mettre... Je vais en mettre une ici, une là, et on verra plus tard où est-ce que je les mets vraiment. Après, je pourrais aussi les mettre dans la chambre, peut-être... Peut-être pas de notre fille, mais la mienne. Ah bah oui, regardez, il y en a déjà... J'en ai déjà deux. Bah écoutez, je vais mettre quelques affiches là et je pense qu'on verra dans le mode construction ou quand on déménagera peut-être. J'ai pas envie que cette maison ce soit une maison vraiment construite de ouf où on va souvent dans le mode construction pour l'améliorer. Pour moi, c'est vraiment l'endroit de transition où ce sera jamais vraiment fini. C'est moi ou... Pourquoi c'est fermé? Pourquoi c'est éteint? Tu dors? Je crois qu'elle dort. Est-ce que tu veux bien sortir de ton bain? Parce qu'en fait, j'ai besoin de faire des choses, moi, et j'avais envie de t'aider, quoi. T'as pas vu mon message tout à l'heure? J'avais envoyé un message en demandant où est-ce que on trouve cet appartement. C'est dans le quartier des Arts, voilà, il est là. Il est dans le quartier des Arts, et puis c'est le grand bâtiment ici, et puis il est là. C'est le même appartement que j'avais avec Adriana. Mon voisin jure que la nourriture du festival Frasque et Humour est divine, en vrai. En vrai, ouais, on va y aller. On va y aller, on va y aller avec toute la famille. Encore. Ou alors, non, on va profiter qu'il y a des gens à la maison pour abandonner nos enfants. Oh non, non! Ah mais il est là! Vas-y, descends. Viens. Tu sais quoi, au milieu du festival Frasque et Humour, tu vas venir manifester... Je pense que ça peut être pas mal. Putain, c'est trop dommage. J'aurais pu. Mais non, mais regardez, encore, ils sont en train de discuter, les deux. Putain, il y a encore de la moisissure, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais la laisser là. On va voir comment ça évolue. Il y en a là aussi. Bon, ça, normalement, personne devrait y aller sauf moi. Donc, il devrait pas y avoir trop de soucis. Je sais pas. On verra. Nous, on va au festival. On profite un peu de notre vie, ok? Lola ne pourra pas abandonner ses gosses aussi facilement. J'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué que ça, effectivement. Coucou Émilie, salut Léna, coucou Rose Poudrée, salut Alexandra MND, j'espère que tu vas bien. Coucou Colmicoro et It's Dali, merci beaucoup pour les follow. Salut Eilwana, j'espère que vous allez bien. Coucou Marine. Ah oui, c'est bon, ok. Vous pensez qu'il y a des gens qui vont rejoindre ou pas? Ouais? Ça marche bien? Non mais attendez, c'est génial! On vole le festival! Ça devient... Oh! Ouais! Mais trop cool! Venez rejoignez! Rejoignez la manifestation! Ah j'adore! Sophie est bêtée? Oh! On manifeste! Oui! Une personne en plus! Oh là là! Incroyable! Merci beaucoup Marine Nicosia et Nutsekat pour les follow! Oui! Une autre personne! Non mais on est trop forte! Il y a un mot interdit? Mot interdit, quoi? C'est quoi du coup? Oh. Ah, le mot c'est eux! Non mais c'est incroyable! Oh non, on les entend plus!
Non mais elle est trop forte Lola. Slash timer start. Hop. N'attendez plus, rejoignez-nous. C'est absolument ça. C'est vraiment ça. Ok, on est parti. Amical, carrière politique. Obtenir un vote. On va faire ça, carrière politique, obtenir un vote. Ah, mais vous êtes trop fort, ça fait mal aux oreilles. Convaincre les manifestants de partir. Mais non, je veux pas faire ça. Grâce à une excellente maîtrise des problèmes, de l'assurance et peut-être quelques promesses en l'air, Lola a obtenu le vote d'Adriana. Oui. Quoi de neuf, Lola? Un de mes amis a entendu dire « Je croyais que tu voudrais venir chez nous. » Bah oui. Ah voilà. Enfin bon. Est-ce que vous pensez qu'ils manifestent avec ou contre nous? Plus place à l'hésitation en gros. En vrai ça va, non? Je le dis pas si souvent que ça, si. Je me rends pas compte, j'avoue. Alors, est-ce qu'on n'essaierait pas de rejoindre le groupe des farceurs? Rejoindre les farceurs. Et puis on espère que les enfants, ils vont réussir tout seuls à s'occuper d'eux. De toute manière, toi... En fait, je le dis, mais en mode... Tu dis plutôt... Ouais, mais là, je l'ai dit. Oui, il compte, Mel. Bien sûr qu'il compte, je l'ai dit. Bon. Bah, j'ai raté mon mot interdit. Bonjour à Iliana, bienvenue dans le chat. Coucou, Halaza. Il y a deux H. J'espère que, voilà. J'espère que ça t'a convaincu. Coucou, Manon Fita. Et merci beaucoup, Julia Brut, pour les 3 streams consécutifs. Coucou, Audrey Jade Felix. J'étais pas là, j'ai manqué quoi? Ouh, bah, là, il y a peut-être le point d'exclamation récap qui sera disponible. Ok, on devient farceur. Donner un coup de pied. Oh, merde, je suis pas avec la bonne personne. Whoopsie. Est-ce qu'on peut... Attends. Présentation polie, plus de choix. Drôle. Méchant. Mais attends, mais moi, j'ai juste un dilemme de chef. Oh putain. Non. Oh non. Oh non. Oh non. Le gage, c'est de changer la coupe des jumeaux. Bye le bol. Mel, t'avais tellement envie que je les change de coupe, c'est ça? Mais ils grandissent demain, je les change quand même parce que c'est mon gage, mais bon. Ils sont morts quand et comment? Il y a une manifestation, elle a emménagé avec les membres de sa famille. Oui, c'est ça. Coucou Adrejane Felix, salut Lune et Merveille, merci beaucoup pour le follow. Coucou Isabelle, salut Camille Dream et coucou Océane. Eh ben écoute, bienvenue. Coucou Barijo et salut Dani Hurle et Idouane. Merci beaucoup pour les follow. Merci aussi Manon, Marianne et Louise Vincera. Merci à vous pour les follow. Coucou Kayupi, j'espère que vous allez bien. Coucou Mimi Cox. Salut. Et coucou Héloïse Loison, merci pour le follow TikTok. Coucou Big Potato, c'est quoi mon ordi? J'ai fait une vidéo sur mon ordinateur. Si jamais tu vas sur la chaîne NS sur YouTube, tu mets NS ordinateur et tu vas trouver. En vrai, si tu cherches ça sur YouTube, normalement, tu devrais trouver. Ça va être une des premières vidéos. Réponds-moi s'il te plaît, ils sont morts comment? Mais qui? Qui sont morts comment? De qui tu parles? Je peux... Ils sont morts comment? Mais ça peut être beaucoup de monde dont tu parles là, tu vois? Je ne sais pas, s'ennuyant au travail, Mathéo tue le temps en surfant sur internet. Bah la famille de Pauline. La famille de Pauline? Mais la famille de Pauline n'est pas morte, regarde, elle a encore sa maman, son papa il est vivant mais juste il s'occupe pas d'elle. Ils sont vivants? Ils sont pas morts? S'ennuyant au travail, Mathéo tue le temps en surfant sur internet lorsque son téléphone professionnel sonne. Un interlocuteur paniqué lui explique qu'un gala de célébrité a lieu ce soir, mais que le chef qui devait s'occuper de l'événement est malade. Il a donc besoin de quelqu'un pour le remplacer immédiatement. L'employeur de Mathéo pourrait tout à fait s'occuper de cette maison, mais Mathéo se surprend soudain à rêver de rencontrer les stars. Mathéo va-t-il partir plus tôt du travail et s'occuper seul de l'événement ou organiser l'événement en passant par son employeur? Il s'occupe de l'événement seul ou l'organise l'événement en passant par son employeur? Hein? Ou deux? Dites-moi tout. Ah bah bienvenue Louise Vincera, c'est trop cool. J'espère que ça te plaira. Un ou deux TikTok n'hésitez point à voter également, voilà. Les parents de Lola, ils sont morts de vieillesse. Ils sont morts de vieillesse, les parents de Lola. Un. Pourquoi vous voulez qu'il ait plus de travail? Deux, ok, sur TikTok, il y en a un deux par ici. Ok. Là, il y a pas mal de deux. Au fait, il est où? Il y a de plus en plus de 2 qui arrivent dans le chat. Ok, il y a des 1 quand même qui se perdent là-dedans. J'ai l'impression que le 2 est quand même plus nombreux que les 1.
Mais peut-être que je me trompe. Non, j'ai l'impression que le 2 l'emporte. Hein. Le 2 l'emporte sur TikTok en tout cas aussi. Donc on va partir sur organiser l'événement en passant par son employeur. Voilà, il va être sage. Il va être très sage. Oh, il y a tout le monde qui a arrêté de manifester, on est d'accord? Oui, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la coupe des enfants tant que j'y pense. Parce que j'allais oublier sinon. Ils sont en train de dormir. Ah, ça, ça fait plaisir. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui est vivant? Enfin, non. Oui, j'espère qu'ils sont tous vivants quand même. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui est disponible là pour que je change la coupe de cheveux? Ce serait parfait parce que t'aimes quand c'est compliqué. Ah ouais, mais là quand même. Alors Mel, quelle coupe tu veux que je mette à ces jolis bambins? Coucou Fofotine. Et salut Mel Brut. Merci beaucoup pour le follow. Coucou Roxane Drouin. Salut Sadou Apple et Lola CNH. C'est quand mon prochain live? Ce sera mardi à 20h30 et ce sera sur les Sims et sur de la construction et du blabla aussi le mardi soir. C'est très sympathique. MDR, vas-y dis-moi Mel. T'as une chaîne YouTube? Ouais, ma chaîne YouTube c'est NS, deux lettres juste. Et normalement vous devriez trouver. Je joue aux Sims sur cette chaîne YouTube seulement. Et du coup je fais des let's play, des trucs comme ça. C'est assez sympathique. Donc n'hésitez point à aller voir si vous voulez. Voilà, normalement il y a une vidéo qui devrait sortir aussi après mon live là que j'ai terminé tout à l'heure. Faut juste que je fasse la miniature, la mise en ligne et tout le tralala. C'est une petite vidéo de 5-6 minutes et elle est très sympa. Voilà. L'équipe, alors attends, celle juste en dessous ira déjà mieux. Mais non, non. Ah non, ils ont les cheveux lisses, je garde les cheveux lisses. Alors ça, tu vas pas me faire changer la texture des cheveux, hein? Alors non. Coucou pain brioché. Merci beaucoup pour les 3 streams consécutifs. Coucou Roxane Drouin, Sadou Apple et Lola CNH du coup, Maëlys Menrn. Coucou, salut Blue Teddy Beer, Milor TR, Pizochou, Little Spoon, Inei et Seyohan. Bienvenue à vous dans le chat. Coucou Sunshine Avocado, Klesli et Nadian R. Et Astico du Village, Steph Harley McQueen, Emma c'est pas joué. Bienvenue dans le chat. Coucou Kirma, salut Pain Brioché et coucou Lucas45ORL et Cola78. Merci à vous pour les follow. Coucou Lucifer800 et Eli Neyao. J'ai encore fini la colonne des bonjours. Bravo à moi. Quand le perfect challenge sera fini, tu feras quoi dimanche? On verra ensemble à ce moment-là. Le bol, ça leur va bien, il ressemble à du chili. Vas-y, dis-moi, Mel, celle en dessous. Alors, Mel, une autre? Ok, sorry. En vrai, je sais pas ce qui va avec quel pack. Une autre lisse ira bien. Alors, peut-être que je peux classer par texture. Pack, non. Texture, raid. Voilà. Ça, c'est raid. Là, c'est raid. Pardon. Alors, je peux mettre ça? Je peux mettre ça? Le petit dégradé. Non, mais c'est trop pour un enfant. Oh, mais ça, c'est trop mignon. Il y a ça aussi, tu vois, comme ça, il garde un peu la même taille. Et ça a poussé, tu vois? Qu'est-ce que vous en pensez, celle avec le pack cuisine? Non, mais les gars, ça, c'est une coupe d'adulte, c'est pas une coupe d'enfant. Ça fait bizarre, non? Pourquoi on leur donne une nouvelle coupe de cheveux alors qu'ils vont grandir? C'est le gage, ok? Oula, non, pas ça. T'aimes pas celle-là? Mais elle est trop chou cette coiffure! Ou alors c'est elle que tu disais ça, je sais pas. On dirait qu'il a 20 ans. Il a entre 2 et 20 ans! Si on prend ça. Ok, celle-là elle est bien? Ok, vas-y. Celle-là j'adore. Je dis non à cuisine. Ok. Alors voyons voir. Voilà mes jumeaux qui ne se ressemblent pas du tout. Je réalise encore plus maintenant. C'est pas la coupe de papa. Si, c'est la coupe de papa de ouf! Elle y ressemble. Oui, bah c'est elle, je crois. Il me semble, hein. Il y a moyen que ce soit celle-là, parce qu'on avait, on avait déjà la machine à pizza et tout, donc c'était déjà sorti. Donc, coucou Adriana, et salut Sarita. Ah bah c'est trop cool. C'est trop cool, j'espère que tu t'amuseras bien Sarita avec le jeu. Alors voyons voir, on va pouvoir revenir avec Lola. Et Lola, le festival est déjà en train de partir. Je crois que ça a fait un petit bug le fait d'aller dans le créer un sim, c'est pas grave. On va se refaire un petit footing, allez, on va courir madame, et pendant ce temps comme ça les enfants ils partent dormir tout seuls. Sophie elle va pas très bien mais c'est pas très grave, on n'aura pas pu s'occuper du projet scolaire de notre enfant mais c'est pas non plus trop un problème. Bonjour monsieur, je suis passée dans vous, c'est pas très grave. Le défi des farceurs contre blagueurs a commencé. Ouais vachement hein. C'est vous la grosse blague qui me faites une farce hein. C'est ça hein, que vous essayez de me dire. On est d'accord. Coucou Liline, salut Colline et coucou Lo du 39, merci beaucoup pour le follow. Coucou Noubette et salut Shane Yoshei. Bonjour. Coucou Nani, merci pour le follow et coucou Aylita. Salut à vous. Eh ben on y va, hein. À défaut de courir, moi, j'adore voir mes Sims courir par tous les temps. J'aime trop aussi, et j'avais envie d'aller courir ce matin, mais au final, j'y suis pas allée parce que je me suis levée un peu trop tard. Mais je vais bientôt reprendre la course à pied. Déjà, je vais marcher tous les jours, et je fais beaucoup de pas tous les jours, et je suis très fière de ça. Et du coup, bientôt, je vais pouvoir reprendre la course à pied, et franchement, je suis trop contente. J'ai très hâte de me remettre à courir. J'ai entendu tellement de bien de vous, j'adorerais que vous deveniez ma meilleure amie. C'est même pas juste que vous deveniez mon amie, c'est que vous deveniez ma meilleure amie. Mais attends, mais est-ce que là, t'as juste couru? Mais on est d'accord que sa course, elle dure 2 secondes, alors que non,
normalement, quand les Sims vont courir, ça dure vachement plus longtemps. C'est quoi ce quartier qui fait durer 3 secondes les marches? J'aimerais avoir cette motivation pour la course. De ouf! En vrai, c'est trop bien. Au début, c'est chiant. Puis après, petit à petit, bah, c'est vraiment du temps que tu prends pour toi et pour te vider la tête. Et du coup, c'est très agréable. Et je pense que Lola, ça lui irait bien. En plus, quand on regarde ses traits, c'est pour ça que j'essaye de la faire courir assez régulièrement. Parce que quand on regarde ses traits, que j'essaye, hein, elle avait arrêté pendant qu'elle avait des enfants en bas âge. Mais au niveau de ses traits, elle a les trucs là de... Les trucs de sport, là, physique avantageux. Elle avait eu aussi un autre truc, je crois, en rapport avec le sport. Je crois que c'est déterminé. Ils arrivent à discipliner leur corps et leur esprit. Bref, du coup, je trouvais ça cool. Mais de toute manière, Lola a tellement de traits que c'est compliqué, quoi. Hein. Elle court du bâtiment A au bâtiment B, c'est déjà pas mal. Elle se fait un chrono, je pense. Regardez, elle a déjà fini. Mais elle est contente. Bon entraînement. C'était un bon entraînement pour toi? Est-ce qu'elle peut encore repousser ses limites? Ok, bah c'est bon. Vas-y, on va faire une dernière course où elle repousse ses limites pour voir ce que ça fait. J'espère que ça la crèvera pas trop non plus. Qu'est-ce que t'as, toi? T'es juste fatiguée? Me dites pas qu'il va venir me voir en bas de la rue. Non, 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 allez voir le bambin. On va voir personne du tout. Là, on s'occupe de toi et c'est tout. Coucou Yuna, merci beaucoup pour le follow. Merci infiniment. Je m'y mettrai un jour, j'y crois. Bah écoute, le jour où tu te sentiras prêt ou prête, eh bah, let's go, tu vois. Et puis prête, je suppose, pour Manon. Mais le jour où tu te sentirais prête... En fait, faut pas se forcer à faire les choses. Je pars du principe que pour les trucs un peu qui demandent du mental. Pour moi, le sport, ça demande beaucoup de mental. Faut pas se forcer à le faire, mais faut plus se mettre dans des conditions où à un moment, tu vas te sentir prêt ou prête à le faire. Parce que bah, si tu te forces trop, bah, ça va juste te dégoûter du truc et tu voudras plus jamais y retourner. Pour moi, le moment où tu dois te forcer de faire du sport, c'est quand tu arrives à avoir un rythme et qu'il y a des moments où tu es en mode, vas-y, quand tu t'es déjà lancé dedans, que tu es en mode, vas-y, j'ai la flemme. C'est à ce moment-là où il faut te mettre un peu le coup de pied au cul pour pouvoir prendre vraiment l'habitude de le faire souvent. Mais sinon, pour commencer... bah c'est compliqué. C'est comme pour arrêter quelque chose, hein. Pour arrêter de fumer, pour arrêter de boire, pour arrêter de faire un truc. Si dans le mental t'as pas vraiment envie de le faire, tu le feras jamais. Arrêter de manger de la viande, arrêter de faire des trucs par exemple. Voilà. Mon ami fait 18 km par jour. Waouh, ça fait beaucoup quand même. Vas-y, tu peux rentrer à la maison. Tu peux rentrer à la maison, petite Lola. Je pense que ça va plutôt bien. Non, n'attends pas que ton enfant descende dans la rue, c'est une très mauvaise idée. Elle a encore ses chaussettes au mollet. Eh ouais, King Bliss, tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Je suis en même temps sur Twitch et là-bas, j'ai de l'avance. Ah ouais, Victot ? Bah du coup, il y a pas la même... Il y a une latence apparemment, effectivement, entre Twitch et TikTok. J'aimerais en fait, mais avec le boulot 40 heures semaine, je suis trop cuite pour m'y mettre vraiment. Je comprends de ouf, Manon. C'est compliqué de combiner sport, relations sociales, travail, temps pour soi, ménage de l'appartement ou de la maison. Enfin, la maison, pour moi, c'est l'endroit où on vit. Genre là, moi, pour moi, je suis dans une maison, mais non, je suis dans un appartement, réellement. Et ça s'entend quand les voisins du haut mettent une machine ou que les enfants commencent à jouer au ballon. Pour moi, c'est la maison. Bref, je dis ça pourquoi? Ça va ici? Moi, je vais aller faire un petit dodo. Ah non, merde. Oh, détruire avec feu. Attends. Voyons voir. Détruire avec feu. Je veux tester ça. Arrête d'aller voir ton enfant. Je veux qu'on enlève toute la moisissure qu'il pourrait y avoir par ici. Mais ouais, du coup, perso, je vois le sport comme du temps pour moi. Ouais, mais quand je parle de temps pour soi, je parle plutôt de temps pour décompresser, mais dans ta... Enfin, pas forcément en faisant de l'activité physique, juste... Mais on est d'accord, ça marche pas? Bon, bon, bon. Je vois ça un peu différemment. Pour moi, le sport, oui, c'est du temps pour toi et c'est important de prendre ce temps, mais c'est plus du temps pour ton corps. Là, je parle plus du temps pour la tête. L'esprit sain dans le corps sain, genre prendre du temps pour lire quelque chose, pour faire autre chose que son corps. Genre c'est plus pour l'esprit, voilà, que la tête, parce que le sport ça fait du bien à la tête, mais plus pour l'esprit. Prendre du temps pour un peu tout. Bref, c'est très compliqué de tout combiner, c'est chiant. On n'a pas le temps, il faudrait qu'on ait... En fait, soit il faudrait qu'on ait 48 heures dans une journée, soit il faudrait qu'on arrête de voir les choses pour devoir toujours en faire trop dans une journée. Et c'est comme ça que j'essaye de réfléchir cette année, en me disant, vas-y, prends le temps de faire les choses. Mais après, c'est vrai que moi, je suis mon propre patron, donc tu peux descendre la 4cam. Non, mais il n'y a rien comme notification, vous en faites pas, c'est des trucs à la con. S'il y a une notification importante, je vous la mettrai. Mais en vrai, les notifications, c'est pas souvent qu'il y en a des intéressantes. Donc vous en faites pas. Et si je descends la 4cam, vous me dites qu'elle est en plein milieu, vous voulez pas que je la mette, c'est pour ça qu'elle est pas... Elle est pas plus basse. Après, si vous voulez, je peux la mettre là, hein, mais vous allez me dire « Eh, mais ça cache ça! Eh, mais ça cache ci !» Alors que tout en haut, elle est bien. Non? C'est qui le patron? C'est moi! Bah oui, tout à fait. Et du coup... Non, mais il est toujours pas en train de dormir, ce connard. Mais tu fais quoi? À part faire chier les autres! Putain. Arrête d'utiliser cette machine de mort! Déjà porté sec et chaud. J'en peux plus.
merci beaucoup pour le follow. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est compliqué, tu vois. Moi je peux me le permettre aussi parce que c'est moi qui m'occupe de moi-même et moi toute seule. Me dites pas qu'il est parti dormir. Bon. Mais c'est vrai que certaines personnes qui travaillent pas à leur compte et qui ont un patron et des heures à faire et qui travaillent énormément, mais pas forcément de chez eux, ont pas forcément le temps de prendre le temps, quoi. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Mais oui. Elles sont quand même chères, les récompenses de Boudiou. Ça dépend de quand tu restes là ou pas sur la chaîne. De combien de temps tu restes. Mais si je les mets moins chères, en fait, le truc, c'est que j'aurai des récompenses en permanence. Ça les rend un peu moins... Qu'est-ce qu'elle fait ? Ça les rend un peu moins spéciales. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle est en train de danser. Ok, il n'y a pas de souci. Aucun souci, tout va bien. J'ai sauvegardé du coup au Enjoy. Coucou Nawakus... Non. Nawakudask. Les Diamsou. Coucou Nawakudask, le Diamsou. Bonjour. Comment ça va ? C'est quoi ça ? C'est quoi cette émote ? C'est Mimi. C'est Mimi, c'est un petit cœur fait comme ça. Coucou, Gookitech. Comment ça va? Comment vas-tu? C'est quand la prochaine épisode du Let's Play Génération? Réponds-moi. Je ne sais pas. Arrêtez de me poser cette question, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Voilà, je suis en train de reprendre petit à petit. J'ai pas encore eu le temps de tourner de vidéo cette semaine. Je ne sais pas. Sinon, je vous le dirai. Je serai la première à vous dire oh, j'ai prévu cet épisode pourtant. Je ne sais pas. Je l'ai pas tourné. J'ai rien fait. J'ai encore rien fait. Donc, je ne sais pas. Ça va très bien, Nawakudask. Pourquoi tu t'appelles pas Nawakudask Stinguet, en fait? Parce que là, je vois Sheldask, je vois Leka, je vois les Nawa. C'est quoi le U? Je sais pas. Mais je vois pas les Stinguet, donc en fait, je le prends mal. Non, j'espère que tu vas bien. Bien joué, t'as réussi à le dire. Gookitech, c'est ça? Ça va, merci. Bon, tant mieux alors. Alors, la patience est une vertu, il faut la pratiquer, les gens. Tu parles pour moi parce que j'ai perdu patience, je suis désolée. Non, en vrai, je suis désolée, mais je sais que ça fait partie des trucs qui mettent la pression de ouf. Genre, en vrai, moi, j'essaye de vivre tranquille en prenant le temps. Et je vous dis à chaque fois quand je fais les choses, etc. Mais c'est vrai que quand à chaque fois, il y a des messages qui sont en mode « Et c'est quand ça ? Et c'est quand ça ? Et c'est quand ça ?» Genre juste, en vrai, patientez et voyez quand les choses sortent et laissez le temps aux choses d'être faites. Mais pas forcément que pour moi, hein, pour tout le monde, quand vous suivez des créateurs. Laissez au temps les choses parce que les créateurs, c'est les premiers à savoir. Regardez comme c'est beau ce que j'ai fait. C'est vraiment, j'ai aligné les murs en haut des deux côtés de l'écran. Voilà, je suis trop fière. Mais oui, laissez le temps au temps et laissez au créateur le temps de faire les choses parce que, en fait, on sait très bien les séries qu'on a en cours et les choses qu'on doit faire. Et elles sont en cours dans nos têtes aussi. Et juste, faut laisser le temps à tout le monde de faire les choses. Voilà. Santé Sunshine Avocado! Et santé Jeanne! Et merci beaucoup, Waze! Merci beaucoup, Waze, pour l'abonnement offert à Hello Plp. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Coucou, du coup, Waze, merci pour le follow. Et merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Waze, du coup, pour l'abonnement offert après, juste après ton follow. Et ça, c'est beau, je trouve. Voilà, 50 secondes après, t'étais là en mode salut. Salut. Donc, vous patientez. Ouais, apprenez à patienter. C'est hyper important. Voilà. Coucou, Marie. Salut, Diana Wakmund. Et salut, Calypsy. Coucou, Miss. Mitsake, merci pour le follow, coucou Asgo, bienvenue dans le chat, coucou Raptor Xen, bonjour Raptor, et salut jolie plume, comment ça va? Je rêve ou elle se fait encore réveiller par le gamin? Oh je l'ai... Oh c'est vrai? Oh, Mathéo, je retire tout ce que j'ai pu dire de méchant sur toi. Oh, tu vas juste le poser dehors? Je te déteste, t'es vraiment la pire merde. Il fait quoi là? Non mais il va bien en plus hein. Bon il est juste crade. Mais ça va. Je veux dire il meurt pas de faim. Aujourd'hui c'est leur anniversaire au petit. Ça va super et toi Esco? Comment tu vas? Coucou Sissi, salut Dadou. Merci beaucoup Sissi pour le follow et coucou Crazy Bacon Uu, bonjour, bienvenue dans le chat. Sauf si elle le repose au même endroit. Bah voilà, non mais oui, voilà, forcément. Puis en vrai, laissez le temps, comme elle le dit, puis vous préférez une vidéo bâclée qui arrive rapidement, une vidéo banger qui prend du temps à venir. En vrai, là pour le moment, le Let's Play Génération, j'ai tout préparé avant de partir en vacances. Du coup, il va falloir que je reprenne, mais je vous jure, c'est le premier truc que j'ai envie de faire. Mais j'ai pas réussi à faire de vidéo du tout cette semaine. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est la vidéo qui va sortir aujourd'hui. Et c'est une vidéo que j'avais tournée l'an dernier. J'ai juste eu à faire... j'ai fait le montage hier, ça m'a pris pas mal de temps et je l'ai fait aussi avant-hier. Et là, j'ai enregistré l'audio, du coup, tout à l'heure avant de lancer le live. C'est pour ça que j'étais un petit peu en retard parce que je terminais cette vidéo.
Et du coup, elle va sortir aujourd'hui. Et une fois que cette vidéo est terminée, je vais pouvoir me concentrer sur les autres projets. Mais voilà. Coucou, Halliday, ça va super et toi? Ça va très bien et toi? Mon message en citant la passion, c'était pour les gens qui te demandent et te pressent pour les prochaines vidéos, pas pour toi. Non oui, c'est très... J'avais compris, mais c'était une petite blague parce que moi, j'ai perdu patience aussi. Ça va super et toi, Crazy Bacon? Coucou, Lugnax. Je fais partie des personnes qui regardent sans parler, mais je tiens à te dire que c'est vraiment apaisant et super inspirant, donc continue, t'es vraiment... Bah merci beaucoup, Lugnax, ça fait trop plaisir. Merci, merci. Oh, et la méchante que je suis, j'ai oublié un truc. Bonne année, Noémie, et le chat. Bonne année à toi aussi, Diana. Bonne année, bonne année. Vas-y, attends, je vais mettre en x3 pendant qu'elle fait dodo, Lola. Comme ça, le temps peut passer tranquillou. On est à 2h37 de live. J'avais envie de repartir sur des durées de 3h30 max de live pour... Ça fait peur. J'avais envie de repartir sur des durées de 3h30 par live, comme ce que c'était le cas au début et qu'on a vite dérivé. Du coup, je pense qu'on va pas tarder à arrêter ce live. Enfin, on va pas tarder. On a encore une petite demi-heure. Alors attendez, on va venir réparer. Non, on va les remplacer. En vrai, j'ai vraiment la flemme. On va les remplacer, ce sera le mieux qu'on puisse faire. Donc on va repartir là-dessus et comme ça, ce sera tout bon. Donc voilà, au moins vous êtes au courant de la durée un petit peu de live. Voilà. Tu prends le temps dont tu as besoin si t'as rien de genre. Ah oui, non, mais c'est surtout pour vous prévenir. C'est même pas pour prendre du temps. Ça y est, elle a perdu sa dent. Elle peut attendre qu'une nouvelle dent apparaisse ou la remplacer. Ben, elle a perdu sa dent, notre petite. Voilà, bravo à elle. Mais oui, non. Pourquoi elle fait automatiquement le linge? Déjà porté. Prendre et poser le linge. Va falloir qu'on le remette à laver. Ok, pose-le, vas-y. À la limite, on peut le vendre. On va vendre, ça c'est les anciens habits. On les a juste mis au sèche-linge pour qu'ils soient pas trop froissés. Et on les a même pas lavés, ils sont tout dégueux. Allez, hop, poubelle. On fait vieillir les jumeaux. Ouais, c'est aujourd'hui leur anniversaire! Donc là, on va avoir leur anniversaire et après leur anniversaire, on va pouvoir se laisser là pour ce live, je pense. D'ailleurs, pour son anniversaire, vu qu'il est bien gentil ce petit garçon, on va venir utiliser la couche, enfin la couche, les toilettes, et on va donner un bain. C'est lequel qui est debout là? Je crois que c'est Chris. Vas-y Chris, je vais te donner un bain après. Comme ça tu pueras plus du cul pour ton anniversaire. Et ce sera parfait. Attends 16h qu'on puisse raid Lucas. Je sais pas si je ferai jusqu'à 16h. Peut-être que oui, c'est dans 40 minutes. Donc éventuellement on fera ça. Mais il faut qu'il commence vraiment à 16h. Je vais lui demander s'il commence vraiment à 16h. Je vais lui dire prépare-toi là. Hein. Dépêche-toi parce que je ne tolérerai pas une minute de retard. Oui, bonjour Lucas, je t'appelle pour te demander si tu lanceras bien ton live à 16h, pas une minute de plus. Bonjour, oui. Est-ce que tu voudrais bien le lancer 5 minutes en avance? Pourquoi? T'en as marre de ton live, c'est ça? Et tu les gens? C'est pour savoir si je pourrais te raid. Ok! Pas une minute de plus! Pour une fois, tu seras en avance! Non mais est-ce qu'on peut parler du fait que Lucas était toujours pile poil à l'heure avant d'être avec moi? Et que depuis qu'il est avec moi, il est tout le temps en retard! Pour ses lives, je veux dire. Putain, non mais... C'est une blague, Sophie. C'est dangereux, là, ce que tu fais. Le travail. On va le faire depuis la maison, tranquillement. Là, on est tout bon. Voyons voir. Aujourd'hui, discuter des centres d'intérêt. Discuter des changements dans le quartier avec deux voisins. Merde, mes deux voisins préférés, c'est plus mes voisins, ils vivent avec moi! Fuck! Ça, c'est un problème, ça. Oh non... Pauline... Pourquoi Pauline, elle dort jamais? Elle est insomniaque ou bien? Elle doit aller au lycée en plus, enfin à l'école, la pauvre! C'est terrible! Ça va très bien et toi, Asko? C'est le quart d'heure toulousain? Ouais, c'est ça, en fait, c'est depuis qu'on habite à Toulouse. Clairement. La botte de retard. On est une bande de retardataires, vraiment. Son lit est accessible. Oui, oui, son lit est accessible. Parfois, elle vient. Regarde, elle va monter dans son lit là, par exemple. Et puis après, elle va devoir aller à l'école. Hop là. Donc le lit est accessible, il n'y a aucun souci avec ça. Est-ce que tu veux bien... Mais tu l'as pas lavé? Alors, on va faire un peu à manger parce que j'ai l'impression qu'on a plus de soucis. Tu es encore mute au cas où. Quoi?
Comment ça, je suis encore mute au cas où? De quoi tu parles? De quoi tu parles? T'es encore mute au cas où? Bon, qu'il grandisse la JPP. Oups. Oups, quoi? C'était moi. Bah oui! Je me disais, je pense que si j'étais mute, y a pas qu'une personne qui me le dirait. Ça m'arrive parfois aussi. Attendez, mais je crois que du coup le lit fonctionne. Oui, parce qu'il est là. Donc c'est bon. Qu'est-ce que tu fais J'allais dire, qu'est-ce que tu fais, Loki? Elle hante mes pensées. Je pense tout le temps à elle. Elle a lavé Benjamin. Rejoindre, envoyer celle. On va pas aller au lycée avec notre fille. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Même si un jour ce serait rigolo d'aller, de faire rejoindre quand on aura. Enfin, c'est pas notre fille, c'est notre nièce. Quand notre fille sera ado, on rejoindra au lycée et on amènera Lola. Et Lola, elle ira au lycée et elle fera des trucs dans le lycée pendant que sa fille est en train d'étudier. Ça pourrait être sympa. T'as eu deux à boire et un sauvegardé. Oui, j'ai des sauvegardés, j'ai bu d'ailleurs. Je les ai déjà fait, Audrey. Coucou Emily Aliwell, merci beaucoup pour le follow. Coucou Mel Nani. Et salut Brisa Hélène. Bonne année à toi aussi. Coucou Goko Demifa. Oh non, il y a les factures, elles ont été coupées. Et coucou Tania. Merci beaucoup à vous pour les follow. Coucou Kaounel, j'espère que tu vas bien. Attends, Mila, juste, je te décale un tout petit peu pour que les gens ils voient ta beauté merveilleuse. Voilà, parfait. Alors, les factures qui ont été coupées. Je les ai pas payées. Mais non, elle a dû réinitialiser la dernière fois. Va falloir qu'on aille les payer tout de suite. Donc, on a un enfant qui est propre. On va aller cuisiner. Tu ne peux pas cuisiner, tu n'as plus d'électricité. Sois intelligente, s'il te plaît, à un moment. Voilà, va payer tes factures et ensuite, tu pourras faire à manger. Donc, on va pouvoir... Putain. Allez, on se dépêche. Facture payée, tout va bien. Cuisiner. Arrête de pleurer. Arrête. On va faire une soupe, parce que c'est bon, les soupes. Voilà, je trouve que c'est bien. Voilà. Elle se fait encore plus belle pour la caméra, du coup. Qui ? Mila ? Mais oui, de ouf. Elle est magnifique, elle est incroyable. T'as vu, j'ai réussi à connecter vite les neurones, hein. Coucou Analana Zero, merci pour le follow. Et coucou Ambre Volt, ça va super et toi? Salut Lovic, merci pour ton follow aussi. Merde ! Vas-y, reprends ta soupe. Reprends ta soupe qui est dans un emballage comme ça actuellement. Allez. Qu'est-ce que... Allez voir le bambin. On va la laisser faire, parce que sinon ça va être vraiment terrible. Coucou Lovic, merci pour le follow. Coucou Sienna, salut Bastianu et Lana, merci à vous pour les follow. Merci aussi Estelle Rousseau et coucou Ocean. Alors, mais non, mais c'est une blague. Mathéo, je sens que tu vas bientôt déménager. Là, les travaux de ton appartement, il y avait une invasion de cafards. Ils sont bientôt terminés, je pense. Et tu vas pouvoir rentrer. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez quoi avec l'anniversaire des enfants? Ils vont pouvoir quitter le foyer, non? Y a que moi qui pense ça? Oui, hein. Ils sont chiants avec les gosses, c'est un enfer, ouais. J'ai l'impression que leur appartement est bientôt prêt. Hein? Ça devrait le faire. Vas-y, tu peux le faire, Lola. T'es pas obligé d'aller voir le bambin tout le temps. Vraiment, y a aucune obligation. Là, t'es en train de leur faire à manger. C'est suffisant. Et ce sera très bien. Allez, on y va. On est parti. La bonne petite soupe, miam miam, oh là là, incroyable. D'ailleurs, peut-être que je pourrais prendre un autocuiseur. Ça pourrait leur permettre de faire plus de choses plutôt que d'avoir une cafetière. La poêle qui tient en équilibre sur la chaise, c'est pas du tout dangereux. Vraiment, je ne vois pas le danger à cette situation, la poêle chaude qui a été sur le feu. C'est parfait. Est-ce que Vie Parfaite fonctionnera comme un Legacy? Non, pas du tout, c'est pas un Legacy, c'est vraiment... on joue qu'elle jusqu'à ce qu'elle meure et c'est tout. Donc j'espère que ses enfants auront des enfants et qu'on pourra la connaître en étant grand-mère, ce serait trop bien. Visite du directeur. Aujourd'hui, le directeur visite la classe de Pauline. Tout le monde doit se comporter le mieux possible et ne pas interrompre le cours. Malheureusement, l'élève derrière Pauline a décidé de lui jeter des trucs dans le dos. Doit-elle l'ignorer ou lui demander d'arrêter? On l'ignore ou on lui demande d'arrêter? Aucun danger avec des bambins, aucun. Un ou deux. N'hésitez pas à me dire coucou Nour. N'hésitez pas à me dire que ce soit sur TikTok ou que ce soit sur Twitch. Un, vous avez plus tendance à dire un ici. Pour le moment sur TikTok, on a du deux. Mais vous êtes tous à fond avec le un, hein. L'ignorer. Et sur TikTok, c'est deux. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Pauline, c'est une victime. C'est quoi ça, la pauvre de ouf? Mais elle est trop gentille. Mais non, mais sur TikTok, vous voulez que du 2. Mais sur Twitch, il y a beaucoup plus de 1. Et il y a beaucoup plus de monde qui dit 1 sur Twitch que de gens qui disent 2 sur TikTok. Donc, on part sur l'ignorer.
Pauline garde consciencieusement les yeux sur le tableau en espérant que l'élève arrive. Dans une seule, l'élève envoie une boule de papier tellement fort qu'elle atterrit sur les pieds de l'instituteur. Pour une fois, c'est quelqu'un d'autre qui est dans le pétrin et Pauline qui a le rôle de l'élève innocente et studieuse. Eh bien, c'est parfait, vas-y, sers-toi de ma soupe, t'as raison. Voilà. Merci beaucoup, Etherweir, pour le 7e mois d'abonnement. Merci infiniment. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et coucou Nessu et Jessie, merci à vous pour les follow. Je vais pouvoir faire autre chose. Je pense que je vais préparer un adobo de porc. Voilà, comme ça on en aura plein. Elle va donner à manger. Mais non, ton enfant, t'inquiète, il va se donner à manger tout seul. Vas-y, cuisine un autre truc, ça te fera du bien. Ça te fera du bien et ce sera parfait. Coucou Embla, Jetfield, Patricia et Juju. Coucou Jeanne, merci. Merci, bienvenue dans le chat et merci de discuter dedans. Et coucou Tramp Queen. Salut Mamma Mia, bienvenue dans le chat aussi Tramp Queen et bienvenue Chloé 34 52 10. Bienvenue, je suis nouvelle. Eh bien écoute, j'espère que tu te plairas ici. On fait du petit adobo de porc. Pauline garde consciencieusement les yeux. Ok, ça j'avais lu. On dirait que Mathéo a du mal à manier les baguettes. Apparemment Mathéo n'a pas l'habitude de manger épicé. Mathéo là il vit un enfer. Mais écoute, t'es logé, nourri, blanchi. Alors tu vas pas non plus te plaindre hein. Il a fait les premiers pas de son voyage culinaire, parfait. Ce que je vous propose, le linge est propre et trempé. On va pouvoir le mettre au sèche-linge. Elle aime tellement faire les lessives qu'on va pouvoir en faire. Voilà. Oh, ça a l'air bon. Je peux rien manger en ce moment et c'est très compliqué. Ta maison a l'air trop belle. C'est un appartement du coup et en vrai c'est sympa. Ça fait très... Vraiment il y a un mood, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous ressentez la même chose? Oh non, il y a de la moisissure. Est-ce que vous ressentez la même chose dans cet endroit? Mais j'ai vraiment cette sensation que c'est convivial et chaleureux. Alors que... rien n'est vraiment placé à un endroit qui donne cette impression, mais je sais pas, je trouve ça trop agréable cet appart. Je l'adore, voilà. Il y a un mood très réaliste. Oui, de ouf. C'est bon, t'as réussi à l'écrire, bravo, Ju. Mais quand il va partir, il va prendre presque tout l'argent. Il va prendre son argent à lui. Il va prendre de quoi acheter sa maison. Et je crois qu'il avait 1000 simflouz et quelques. On va lui en donner 2000 parce qu'on est gentil et qu'en plus, voilà. Qui veut enlever la moisissure? Non mais voilà, Julie a trébuché sur... Elle a buté sur ses mots, oui, effectivement. Effectivement. Vas-y, mais... On a du travail aujourd'hui. Discuter des centres d'intérêt. Mon frère, t'es où? Oh non, ça s'est cassé. Remplacé. Allez, maintenant on est riche. Même si techniquement, elle le remplacerait pas, elle le... Ah! Ça va, mon frère? Tout va bien? T'as glissé, t'es tombé, c'est ça? C'est ça le problème? Attends, il faut que je discute de centre d'intérêt. Papotage, c'est peut-être pas dans le papotage. Non, je crois que ce sera plutôt dans loisir. Discuter, peut-être pas en fait. Centre d'intérêt, voilà. Discuter des centres d'intérêt. Voilà! Comme ça, on devrait avoir tout bon! Regardez ses ongles à travers... Bon, on les voit plus. Mais il y avait ses ongles à travers les gants, c'était quand même très sympathique. Hein. J'ai binge-watch le Let's Play Génération en une semaine, je commence la saison 3. Ah bah j'espère que ça te plaira. Sachant que, j'espère que la semaine prochaine, il y aura la suite, quoi. Voilà, voilà! Ok, on a 787 simflouz en ayant discuté des centres d'intérêt. Il faut qu'on aille discuter des centres d'intérêt. On a un voisin juste ici, c'est parfait. Des changements dans le quartier, plutôt. Plus de choix. Attends. Refuser de donner à manger, inviter à manger. Amical, papotage, discuter des changements dans le quartier. Vas-y, arrête Lola, s'il te plaît. Oh, pourquoi il est blessé? Bon. Tout va bien. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tout le monde est blessé parce que Lola, c'est une grosse connasse. J'aimerais bien qu'on vienne du coup discuter des changements dans le quartier. Je suppose que vous n'avez pas envie qu'on vous dérange. C'est bien, nettoie la merde de mes enfants, c'est parfait. Toi, mais pourquoi mes enfants? Ils m'interpellent tout le temps, c'est un enfer! C'est un enfer! Merci beaucoup, Fabi, pour le 5e mois d'abonnement. Pourquoi il vient chez moi, lui? Bisous. Merci beaucoup, Fabi. Oublie pas de faire les gâteaux pour les petits. Ah oui, c'est vrai! Putain. Dors. Voilà, c'est mon conseil pour toi. Si tu veux pas que maman s'énerve très fort. Pour demander un pot de vin, il faut être au niveau max de charisme. Je crois qu'il faut être dans la politique avec la poêle qui est toujours là, ça me fume. Arrête avec tes gosses! Lola, je vais devenir un monstre monstrueux! Voilà. Fais ce que tu dois faire dans ta carrière. Très bien. Faut qu'on fasse les gâteaux. Ah! Toi, t'es un voisin? Présentation polie. Bonjour! Ama toxique. Oh! Mais il y en a trop, là! Ah! Alors,
Waouh, ils sont matures mes voisins en tout cas. Hein. C'était où? Dans Papotage, discuter des changements dans le quartier. Tiens, parle pas à ta sœur en fait, on s'en fout. On s'en fout, on va la voir tout à l'heure de toute manière puisqu'on fait une fête de famille qui va être superbe cette fête de famille, n'est-ce pas? On n'en doute pas du tout! Hein? Le Sims en burn-out sur le teco. Il est en burn-out? Non, non, c'est juste à cause de la pourriture et de la moisissure dans mon appartement. Alors, où elle est, cette moisissure? Oh, encore ici? Mais il faut qu'on jette ce tapis là. Faut qu'on le jette. Voilà. Ici, on va pouvoir vider la lessive, mettre au sèche-linge. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à faire des actions sans qu'elles les annulent automatiquement pour faire autre chose et qu'on va pouvoir faire le gâteau après? Allez, dépêche-toi Lola. Dépêche-toi. Je te mets un petit peu en accéléré, comme ça on est sûr que tu fais ce que je te demande de faire là. Allez, on se dépêche. On se dépêche, on se dépêche. On nettoie tout. Non! Mais putain d'enfant de merde! Vide la lessive, mets au sèche-linge. Mais il commence à me casser les pieds! Je joue sans cesser, non? Je joue sans cesser Victoria Amalia. Pourquoi? Ça va vous? Vous allez bien? Moi je me sens bien en ce moment. Je me sens très bien même. Les vacances ça m'a vraiment détendue. Hein. On est zen. Vraiment c'est important d'être zen dans la vie. Hop là, voilà. Change ta tenue, youpi. On va se mettre en tenue de fête pour l'anniversaire de nos enfants. On va fouiller un petit peu les poches et mettre ça dans le lave-linge. On reste zen. La zénitude, c'est important dans la vie. Ça se voit que t'as la forme, ça fait plaisir. Lola, elle me troll de ouf, c'est un enfer. C'est un enfer. Coucou Patate 2413 et Black Whirl, merci beaucoup pour les follow. Coucou Roman Sebi, bienvenue dans le chat. Salut Melia, Allison et Deb, merci pour les follow. Coucou Quentiraton, Maxime Vibes, j'espère que vous allez bien. Ok, ça c'est fait. Donc, on peut célébrer l'anniversaire de nos enfants. Très bien, on va pouvoir. Putain, mais il y a tous nos voisins qui s'invitent chez nous, c'est pas possible. Rentrez chez vous, s'il vous plaît, parce que là, je vous ai pas invité à venir chez moi. Ça ne va pas du tout. On va pouvoir cuisiner un petit gâteau, bien sûr, pour la fête d'anniversaire de tout le monde. On va faire un gâteau hamburger, le premier qui nous tombe sous la main, parce que j'ai vraiment pas envie de rêver. Ah, gosse de mort! C'est bon? Je vais y aller, c'était vraiment très... Est-ce que l'autre va partir aussi? Barre-toi. Non! Surtout pas. Pas la clé de l'appartement. Alors, voyons voir. Tu commences à perdre patience, ça me rassure. Mais oui, mais en même temps, avec tous ces enfants en bas âge, c'est un enfer. Un enfer, vous dis-je, un enfer. Il était temps. Tout le monde s'est barré, tout va bien. Là, on va pouvoir, on va pouvoir leur faire leur petit gâteau. Enfin aussi, j'espère qu'on aura le temps d'en faire deux. Sinon, ce serait un petit peu embêtant. Mais elle commence à aller vraiment mal en plus, Lola. Et ça, il faudrait qu'on le mette au frais. Il faudrait qu'elle prenne une portion aussi. On a trop de choses à faire. On va le mettre au frais d'abord. Voilà. On va enlever cette petite tasse qui va commencer à puer sinon. Je pense que... Je vais laisser la... Je vais laisser le truc là. Est-ce que Pauline doit... Oh, doit inviter Amélie? Une autre Amélie? Ou alors elle invite vraiment sa cousine chez elle alors que... Ah non mais Amélie... Amélie, mais non, c'est pas sa cousine, c'est ta tante. T'as invité ta tante à la maison? Elle est où? Amélie? Tata? Regardez! C'est sa tata! C'est littéralement sa tante, hein, je plaisante pas. C'est-à-dire que dans l'arbre généalogique, elles ont le même nom de famille et il y a une raison. Parce que quand on regarde ici, regardez-moi ça. Confiance neutre. Elle a pas une confiance en soi très élevée, hein, la pauvre. Quand on regarde ici, quand on clique sur maman, Amélie, juste ici, c'est sa tante. Et elle s'entend très bien avec sa tante, apparemment. En même temps, elles ont le même âge, donc c'est parfait. Écoutez, je suis très contente pour elle. J'ai un oncle qui a 14 ans, tu veux quoi? Non mais voilà, ça arrive. Lola. Lola. Excusez-moi. C'est que là, je commence un peu à perdre patience. Comprenez? J'ai... Oh, non, tu discutes pas avec Amélie, tu fais ce putain de gâteau de mort. Ok. Et Amélie, si tu manges ce gâteau, je t'enferme entre quatre murs dans une piscine. On est clair? Ajoute des bougies. Toi, c'est pareil. Hein. Vraiment, la première personne qui va toucher à ce gâteau, je le déglingue. On est d'accord? Voilà. Plus personne pourra y toucher. On va nettoyer ça pour faire l'autre gâteau. Et on va pouvoir venir cuisiner. Oh bordel. Oh bordel, les mioches! Là, ça commence. Ah, mais il est en train de mourir de faim. Ah. Hop là, vas-y, dans ta pisse. Ah, mais il a déjà une petite assiette de soupe. Mais qu'est-ce qui me fait chier? Bah, bouffe. Allez, hop, on mange. Pourquoi il mange pas?
Il est stupide ou quoi? Mange ta soupe! Bon, après, en soi, si j'ai qu'un seul gâteau, est-ce que c'est vraiment très grave? Je ne sais pas. Tu peux pas le contrôler. Non, je peux pas. C'est, le but du challenge, c'est justement de contrôler personne d'autre que ton Sims à toi. Du coup, parfois, ça s'avère un petit peu compliqué, n'est-ce pas? Et on joue avec ce personnage depuis qu'elle est nourrisson. Donc, putain. C'est un désastre! C'est un désastre! Il y a un bol qui flotte, il va aller au frigo ce bol. Voilà, on va le mettre là, au moins ce sera tout bon. Chiara Flusini se demandait si je voulais lui rendre visite. Tu vas venir littéralement dans 30 minutes chez moi. Qu'est-ce que tu veux venir me faire chier à ce que je me déplace jusque chez toi? Hein? Tu m'expliques? Attends, non, tu vas pas. Alors, on se calme, on se calme. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Fais un putain de gâteau hamburger avant que je te zigouille. Il y a même une poêle qui flotte. Elle ne flotte pas, regarde. On peut pas appeler ça flotter. Elle est juste vraiment exactement sur le point du centre qui permet qu'elle soit en équilibre. Voilà. Non, c'est... moi je trouve ça très beau. Voilà. Tu me fais chier, Chris! Tu me fais chier! J'ai hâte que tu grandisses. J'espère qu'ils ne me feront pas trop chier quand ils grandiront non plus. Mais ouais, c'est compliqué, ok? C'est très compliqué, là, j'avoue. L'équilibre précaire, be-like. Elle est posée. Non, mais elle est très bien, là. Hein. Et elle tient bien, hein, franchement, parce que même si on s'active vachement autour, l'anniversaire va commencer. Wouhou, c'est parti! Est-ce qu'il est proche de sa... Oui, il est très proche de sa famille. Tout le monde est en train de se changer de tenue. Qu'est-ce que... Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce que tu me fais chier? Oh, mais c'est encore toi! Il joue avec mes nerfs, là. Il joue avec mes nerfs. Merci beaucoup, Tarot et Merveille, pour ton prime. Merci beaucoup d'avoir lâché ton prime ici. Bienvenue parmi nous. Santé, Eline. Oh là là! Funny Off, merci beaucoup pour le follow. Coucou Simix, salut Nisha. Ça me rassure, mais Sims pense ce qu'ils veulent en ce moment, je pète un plomb. C'est un enfer, c'est vraiment un enfer. Elle est en train de penser à son papa, c'est mignon. Coucou Skasumi Real et salut Debra, merci beaucoup à vous pour les follow. Et coucou Lunabeille, je crois que celle en burn-out sur le teco, c'était toi. Ah! Coucou Mimi Twi, Lola a déjà plusieurs enfants, j'ai loupé plein de trucs. Et oui, elle a déjà 3 enfants. Coucou Melbaya, merci beaucoup pour le follow. Coucou Lola, CPKS et Koudine, bonjour. Salut Baby Doll et coucou Taro et Merveille, merci beaucoup pour le follow. Coucou AR Corvel et salut Ami 20. Merci beaucoup Eima pour ton prime, bienvenue parmi nous et merci d'avoir lâché ton prime ici. Et merci beaucoup Louena pour le follow. Coucou. Non, 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 pas encore vous! Arrête! Reprends ton pied. Salut les filles! Oh non, mais pourquoi tu t'assois là? C'est dangereux quand même ça! Bon, va falloir qu'on nettoie ça. On va le mettre dans l'évier en attendant que ça se nettoie. Voilà, la poêle pue un peu. Ouais, mais on l'a empilé, on l'a entassé dans l'évier. Oh, merde, y'a moi! Bonjour Noémie Stinguette! Ouais, ça pue, je suis désolée. Non, mais c'est le café aussi. Hein. On va vider le café. Non, 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 tu vas rien faire. Non ! Vas-y. Vas-y, s'il te plaît. Lola. Lola, je t'en supplie. Lola, je t'en supplie, mets ces putains de bougies avant que quelqu'un bouffe ce gâteau. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. La fête va être géniale. On va pouvoir venir allumer la musique. On va allumer sur morceaux étranges, folk japonais, électronique, fête de fin d'année. Folk japonais, je sais pas ce que c'est, on va mettre ça. Voilà, ça va être très sympa. Donc, on est parti. Tu meurs pas, hein, Noémie Stinguette. Tu meurs pas entre nos doigts. Hein. Alors, il faut qu'on fasse souffler. Ah, le Père Noël est arrivé. Je pense que tout le monde est là petit à petit. Attends, non mais tu vas pas dormir en plein milieu de la fête. Attends, on va changer de musique, j'aimerais bien mettre une musique qui bouge. Non mais le Père... On va mettre de la musique latine, ce sera très bien. Voilà, il y a du monde chez nous. Il faut aussi que je mette en fort, attendez le son. Donc. Régler le volume. Élever. Arrête de pleurer, c'est ton anniversaire. Faut être content, ok? Vas-y, on va souffler les bougies. Pas du tout. On va faire vieillir un sim.
pas comme ça qu'on fait. On va donc, plus de choix, aider à souffler les bougies. Benjamin, t'es le premier. Non, c'est Chris le premier. C'est à Chris qu'on doit discuter. Allez voir le barreau. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il est très fatigué. C'est pas grave, il va grandir en étant crevé. Hop, ce sera sa personnalité d'être tout le temps crevé. Et ce sera très bien comme ça. Voilà. On dirait que Pauline a du mal avec les baguettes. C'est pas un souci, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va faire souffler la première bougie de mon enfant. Bonjour tout le monde! Mais quelle fête! Quelle superbe fête où tout le monde a l'air de très bonne humeur, surtout moi, hein. Au niveau de mon à-l'aisitude, je suis très à l'aise, hein. Voilà. S'il y avait un degré d'à-l'aisitude, je serais au niveau 10. C'est dire. Y a-t-il un moyen pour que ma Simset drague des Sims sans que je choisisse pour elle? Je n'ai pas au lycée. Je sais pas du tout. Avec l'autonomie, peut-être? Mais il faut qu'elle soit enjôleuse, et tu la laisses en étant enjôleuse dans une foule de Sims, et tu vois comment ça se passe. Et joyeux anniversaire! Regardez, tout le monde est content, il y a des cotillons et des confettis partout! Oui! Joyeux anniversaire, Chris! Elle est trop mal à l'aise, par contre, Lola. Vas-y, souffle les bougies, fais un vœu célébré, faire souffler les bougies à Chris! Non, Chris, tu viens de lui faire souffler les bougies, on est d'accord, hein. Aider à souffler les bougies, Benjamin. Voilà, parfait. À ton tour! À ton tour, parce qu'on a des jumeaux. Voilà, il est où l'autre? Chris, qu'est-ce que tu fais là? Il est en train de se barrer, il fugue, ça y est. Ça en était trop pour lui. Chris a vieilli. C'est un glouton. Il adore manger, je voulais choisir une de ces... Est-ce qu'on le mettrait pas dans la polyvalence? Est-ce que vous préférez qu'il ait une aspiration ici ou plutôt la cinquième ici? Je vous laisse choisir ça, joyeux anniversaire à Louis II, à lui, de ouf, de fou. Est-ce que c'est pareil sur mobile? Non, c'est pas du tout la même chose sur mobile, pas du tout du tout. Mais si jamais j'aimerais trop vous proposer, j'ai acheté de quoi faire brancher mon iPad et j'aimerais trop vous faire des lives où on se fait une partie Sims Mobile, ce serait trop drôle, non? Bon, on va devoir attendre, mais au moins on sera ensemble. Merci beaucoup Woupoulpi pour ton Prime, bienvenue parmi nous, bienvenue, polyvalence, génie créatif. Ah ouais, vous pensez pour Chris, il est pot de colle, enfin il était pot de colle, c'est un glouton. La première en haut à gauche. Polyvalence. Vous avez tendance à plutôt vouloir... De toute façon, il va jamais finir son aspiration. Non, ça c'est sûr. Mais capitaine de la récré, génie créatif, pro des soirées pyjama, corps et esprit. Faculté motrice, poly, ce serait bien un live procré... Oui, oui, c'est prévu aussi de vous faire des live dessins, vous en faites pas, c'est pour ça à la base que je l'ai pris aussi. Même si j'ai aucun skill, ce sera juste sympa d'être ensemble et de dessiner. Faculté sociale, pourquoi pas? Ah ouais, vous pensez? Bah écoutez, vas-y, je vais le mettre, de toute manière on s'en fout, on le jouera pas. Waouh, les cheveux longs et tout. Mais quel beau gosse. Mais attends, mais tu ressembles de ouf à la famille Flousini Laes, toi. Tu ressembles pas du tout à ton père. Amen. Par contre l'autre ce sera pas son cas. Voilà. Allez voir le bambin, ce n'est plus un bambin. Alors tu arrêtes de me faire chier à essayer d'aller voir ce putain de bambin. Merci encore Woupoulpi pour ton prime. Merci, merci. Coucou Maeva Eti et coucou Lily, salut Nata Ali du 66, merci à vous pour les follow. Alors, est-ce qu'on est tout bon? Oui, Max est là, bien sûr qu'il est là, regardez, il est en train de manger avec des baguettes et il est très content. Il s'en sort plutôt bien d'ailleurs avec ses nouilles et ses baguettes. Bon, il crache du feu par la bouche, mais voilà. Et on souffle, joyeux anniversaire. Par contre, l'ambiance de cet anniversaire avec tous ces gens, c'est incroyable. Franchement, j'adore. J'aime trop. On va les relooker ensemble? Oui. On va leur faire un relooking rapide, mais on va les relooker ensemble. De toute façon, c'est des enfants, ça se relook facilement et rapidement. Alors, Lola! Attends, il est en train de grandir. Ah merde. Benjamin a vieilli. Il va être quoi? Intolérant au lactose. Le glouton et l'intolérant au lactose. Oh bordel. Et lui, du coup, qu'est-ce qu'on lui met? Qu'est-ce qu'on lui met? Y'a Max, il nous faut un bébé de lui. Non, ah non, non, là on arrête les bébés. Hein. On arrête les bébés pour le moment. Voilà, c'est mort. Avec des cheveux longs, on dirait une fille, Chris. Ah oui, parce que forcément, si on a les cheveux longs, on est une fille, et si on a les cheveux courts, on est un garçon. Forcément. Forcément. C'est obligatoire. Le fameux trait de caractère foireux de ouf. Faculté motrice, mentale, motricité. Mental. Ah, vous avez quand même pas mal envie qu'il y en ait un avec les facultés mentales. Attends, mais il y en a un qui a une faculté sociale. Ce serait bien. Il y en a un qui est hyper... Je sais pas, en fait. Corps et esprit. Génie créatif. Capitaine de la récré. Mental. Allez, on y va. On part pour mental.
On est parti. Elle lit pas ça. Je lis pas quoi? Oui, fais ça. Elle lit pas ça. Mais si, je lis. Mais il a quoi? Mais il a quoi? Mais il est trop bizarre. Vas-y, va manger Lola, s'il te plaît. Et pendant que toi, tu vas aller manger... Tuer, mais ça va pas la tête. Modifié dans le créer un sim. Alors, je vous propose que nous leur fassions un petit relookage. Un petit relookage. Oh, mais il est trop beau. Et toi, tu ressembles à quoi? Oh là là, lui, c'est le portrait craché de son père. Aucun trait de Lola, quoi. Super! Merci beaucoup, déjà Mathieu, sans nom, pour le... En tout cas, bonne année. Oh, merci beaucoup, Nilou Djilou. Merci infiniment pour les deuxièmes mois d'abonnement. Et merci, Mathieu, sans nom, pour le 25e mois. Merci, merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Non, mais attendez. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... Lui, je pense que je vais lui... En vrai, cette coupe de cheveux lui va hyper bien. On dirait un peu Brice de Nice. Non? Je trouve que cette coiffure, cette coupe lui va très très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis très chaude de lui laisser. Et limite, au niveau de ses tenues, alors là, il est en tenue de fête, donc on va pas bouger ici. La texture est vilaine. En vrai, je trouve que ça va, hein. Non, j'aime bien. On dirait Brice de Nice, on est d'accord. On est d'accord qu'on dirait Brice de Nice. Bon, alors, au niveau de sa tenue, dans tous les jours de sa vie, qu'est-ce qu'il porte comme tenue? Eh bien, c'est une très bonne question. C'est un enfant sociable qui va porter... le poids de sa sociabilité sur ses épaules, déjà, ça c'est sûr. Il pourrait porter ça. Attendez, on avait dit que c'était quoi leur couleur? Oh, j'ai oublié les couleurs. Chris, il était vert. Et Benjamin, il était rose. On est d'accord, hein? On est d'accord? Là, il y a un peu de vert. Ça lui va bien, non? Et il peut avoir... Oh, mais ses baskets, ses chaussures, là, elles sont parfaites. Attendez, mais c'est nickel, je crois, en plus, que cette couleur, elle est très bien. Vert, on est d'accord? Lui, c'était vert. Ok, donc il est comme ça. Au niveau de sa tenue maintenant de habillé, on va prendre aussi là où il y a du vert potentiellement, s'il y en a. J'ai pas trop l'impression. Ou alors du rose, ça va bien avec le vert. Et limite, s'il y a des chaussures vertes, hop, on part là-dessus. Ok, très bien. La tenue de sport maintenant. Quand il va faire du sport, il va avoir son petit haut en vert et son petit bas en vert aussi. Ma foi, pourquoi pas? C'est pas le bon, ça fonctionnera pas. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais mettre avec un vert qui correspond au haut? Genre ça? Non, ça marche pas. Y a rien? Vraiment? On a un truc à sortir ou on n'a pas de truc à sortir avec ça? Ou alors je peux partir là-dessus et genre je pars sur un t-shirt... bah lui à la limite, hein. Vas-y, on part là-dessus avec au niveau des chaussures, celles-là. Au moins elles sont vertes et c'est tout parfait. Au niveau de sa tenue de dodo, on va pouvoir lui mettre la même que sa sœur. Est-ce qu'elle existe en verte ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Elle existe en blanc, mais j'ai pas envie de lui mettre ça. Est-ce que ici... Oh, on a un dinosaure. Ok, c'est parfait. Avec les chaussons. Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on valide? Non, mais c'est sympa, moi, je trouve. Hein. Après, je me dis que je pourrais aussi lui foutre, parce que c'est un enfant et qu'il a des délires un peu où... Je veux mettre ses chaussures! On pourrait lui mettre carrément des petites sandales dans toutes ses tenues masculines. Pourquoi c'est... Mais c'est pas là? C'est dans chaussons, peut-être? Mocassins? Quoi? Chaussons, voilà, ici. On pourrait lui mettre des petites chaussures comme ça qui sont un peu assorties à tout, dans toutes ses tenues. Genre là, hop, des orques. Magnifique. Ou alors on les met en rose pour que ce soit assorti à son petit nœud papillon, c'est trop mignon. Ok, celles-ci, elles sont bien, celles-là, elles sont bien. Quand il va faire du sport, on va aussi lui mettre... Sport, on retire ça. On va pouvoir lui mettre celle-là. Et au niveau de la couleur, ma foi, pourquoi pas? C'est immonde, mais moi, je trouve ça parfait. Par contre, du coup, si je fais ça, je vais plutôt lui mettre un autre pantalon. Genre, lui pourrait être bien, je trouve qu'il est quand même pas mal assorti. Et au niveau du t-shirt, je vais le changer aussi. Et on va partir. Celui-là, il pourrait être pas mal, attendez. Mais en même temps, non, j'aime bien que ce soit un vrai t-shirt qu'il porte. Est-ce que celui-ci pourrait le faire? Alors, j'ai pas trop l'impression que ça puisse se faire. Par contre, lui, il est assorti. Ok, ça c'est parfait. En tenue de dodo, on est tout bon. En tenue de fête maintenant, c'est bien. Crise un peu cassos là. Mais non, mais elles sont trop bien ces chaussettes. Il va tomber tout le temps en sport, mais non, il ira pieds nus, vous en faites pas. Au niveau de sa tenue de fête, on va partir sur... c'est sympa ça, je viens de faire un bruit de Sims. Promis, c'est pas mes Sims qui l'ont fait. Là, il y a du vert, ok, parfait. Avec, du coup, les petites chaussures en vert. Comme ça. Comme ça.
Enfin grandi, Chris est un glouton et son frère Benjamin un intolérant au lactose. On croise les doigts pour qu'il soit moins chiant. C'est vrai. T'as totalement raison. Au niveau de sa tenue de temps chaud maintenant, c'était quoi sa tenue quotidienne? Ah oui, c'était une tenue toute faite. Merde. Au niveau de sa tenue de temps chaud, du coup, bah, je vais pouvoir partir peut-être là-dessus. Et au niveau du bas, est-ce que celui-ci en vert... Oh, mais ça fonctionne de ouf! Parfait. Et la tenue de temps froid? Ok, je vais t'enlever tes lunettes de soleil par contre. Faut que je lance à 55 du coup, donc tu coupes dans 2 minutes. Tu peux lancer à 16h pile si tu veux, ok? Ça va, je pense que normalement ça devrait être bon. Je peux en avoir pour encore 7 minutes si jamais. Ou bien dans 2 minutes je fais en sorte que ce soit plié, tu vois. Genre là les relooking, on les fait mais en 2 spi. Regarde, j'ai presque terminé là, en vrai. Ok, et pour les chaussures peut-être en temps froid, on va pas déconner à moins que... Oh, imaginez. Ok, imaginez juste... Vous allez me détester, hein. Je sais que vous êtes pas fan de ces chaussures, mais c'est une obsession, je vous dis, pour lui. On met des chaussures comme ça, et avec ça, des chaussettes. Est-ce qu'il y a des chaussettes orange? Genre... Là. Oh là là. Oh! Il reste pas du tout l'autre jumeau. Non, pas du tout, du tout. Absolument pas. Non, mais regardez comme c'est parfait. Je vais lui mettre des chaussettes ici aussi. Et je vais lui mettre des chaussettes avec du vert. Genre, celles-là, elles sont parfaites. En tenue habillée, je vais pouvoir lui mettre aussi des petites chaussettes. Des petites chaussettes roses, parfait. En tenue de sport, je vais lui mettre aussi des chaussettes. Je vais lui mettre celles-là, elles pourraient être sympas. Voilà, on va lui mettre des chaussettes. Mais j'aurais bien vu des chaussettes roses quand même, c'est sympa. Ok, celle-là. Nickel. En tenue maintenant de dodo, des petites chaussettes vertes, bien sûr. En tenue de fête, je vais lui mettre des chaussettes aussi, cette fois-ci, les vertes, celle-là, celle-ci, elles étaient très bien. En tenue de maillot de bain, bah je lui mets pas. En tenue de temps chaud, je lui mets pas non plus. En tenue de temps froid, on est parfait. Non mais en vrai, qu'est-ce que vous en pensez? La mode est morte. Mais arrêtez, il est trop stylé. Premier degré, je l'adore. Je suis complètement fan. Non mais il est incroyable. Non mais faites ça à vos Sims, en vrai c'est trop stylé. The French sound like that's being reversed, they so fast. En vrai, essayez de faire ça et essayez de faire en sorte que vos enfants dans les Sims... Waouh! Ils déconnent zéro. Ils déconnent zéro. Bonjour NS et bonjour les Boudiou. Un plaisir de te retrouver. Merci beaucoup pour le 17e mois d'abonnement. Merci infiniment. Non mais attendez, lui il veut grandir. Non mais on lui laisse cette coupe. Il va voler des... On lui laisse cette coupe. On l'habille tout le temps en mode... Avec un petit... C'était quoi sa couleur? C'était du rose. Il va être parfait. Il va être parfait. Fait, moi je vous le dis. Regardez, on l'habille tout le temps comme ça. Oh, il a un écart entre les dents. Souris. Souris. Il a un écart entre les dents. Et toi? Et toi? Souris. Il a pas d'écart entre les dents. Pff, t'es nul. Vas-y, trop bien. Trop bien. T'es pas en quotidien. Mais c'est pas grave, pour la fête, il est habillé comme ça. Ok, en quotidien maintenant. Quand il est en quotidien, est-ce qu'on lui met du coup aussi ce petit style avec, un côté très habillé à chaque fois? Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Il ne lâche jamais son costume. Et il a des chaussures, comme ça. Non. Non. Ça, c'était une blague, par contre. Je sais pas si vous avez compris que, en fait, je rigolais. Mais c'était pour rigoler. Voilà. Je mets des chaussures comme ça. Et Mimi, comme ça! Oh, et je lui mets une montre. Attendez, je lui mets une petite montre. Hop. Bah, pourquoi ça marche pas? Oh non, ça marche pas avec ce costume, dommage. Ok, en tenue maintenant, en tenue habillée, on va pouvoir partir là-dessus avec... Oh, il est mimi ce costume. Mais je crois que je préfère quand même l'autre. Genre celui-là, il est vraiment stylé, je trouve. Avec les bottes de cobaye, à chaque fois, ça me fume. Vas-y, comme ça. Il va être habillé tout le temps pareil. Non, pour le... Ok. Pas de problème. Pas de problème. Voilà donc sa tenue de sport. Ok, la tenue de dodo maintenant. Non mais on va lui faire un truc. Mais on lui va lui faire un truc. Mais vous êtes pas prêts. Regardez-moi ça. Hop là. Oh là là. Attendez, j'ai encore mieux. Hop là. Avec bien sûr au niveau des petits chaussons comme ça. Et au niveau des cheveux. Il faut pas se décoiffer. Alors attendez, on va récupérer tranquillement un petit bonnet de sommeil. Bah il est où?
Je veux le même que sa mère. Je veux le même. Ah, il faut enlever masculin peut-être parce que ça n'a aucun sens. Là, parfait. Nickel. Vous en pensez quoi? Nickel comme ça, non? Lui, il a pris de ma reine Juju, hein. Il a pris de maman Flouzini aussi. Lui, c'est vraiment si maman Flouzini était encore là, elle serait tellement fière de son petit. De son brave petit. Attendez, on repart avec ça. Ok, parfait. Au niveau, du coup, maintenant, de son petit maillot de bain. Hop, on part là-dessus en tout blanc, en tout noir. Ouh, en blanc et noir. Magnifique. Parfait. Ou alors, attendez, j'ai encore mieux parce que je crois qu'on a des brassards. Oh, non, mais là, c'est une merveille que je suis en train de faire. Nickel. C'est parfait. On est d'accord. Ok, ensuite, ici, en tenue de temps chaud maintenant. Alors là, il va nous falloir quelque chose qui soit quand même... un petit peu sympathique. Et je crois avec les bretelles. Voilà, celle-là. Manche courte. Parfait. Au niveau de la couleur, on est pas mal. Hein. On a du rose. Vas-y, c'est bien. C'est très bien. Et au niveau des chaussures, on va pouvoir lui prendre des tongs. Mais en même temps, ça fait pas classe, quoi. Les tongs. C'est pas... Celle-là, peut-être de sandales. Non. Ça fonctionne pas. Non. Ça fonctionne pas. Je vais lui remettre ses chaussures. Elles étaient très bien. Ces chaussures. Attends, mais elles sont où? Pourquoi j'arrive jamais à trouver des chaussures d'enfants alors que pourtant, il n'y a pas beaucoup de chaussures d'enfants, donc ça devrait être facile à trouver. Voilà, elles sont là. Celle-là. Voilà, parfait. Nickel. Burke. Pourquoi Burke? En bleu. Mais c'est parfait. Ok, on va ensuite en tenue de temps froid. Et pour la tenue de temps froid, il lui faut quelque chose. Mais je crois pas qu'il y ait ça. Je crois pas qu'il y en ait, malheureusement. À moins que... On peut peut-être partir là-dessus, ou bien sur celui-là. À moins que dans les hauts et bas... C'est parfait. Parfait. Je fais un pantalon rose. Un pantalon rose clair. Voilà. Nickel. Nickel. Non mais, et franchement, c'est du grand art. C'est du grand art. Ok, et si jamais pour les chaussures... Attendez, s'il vous plaît, j'aimerais bien prendre des mocassins peut-être. Voilà, ici. Non, mais c'est pas beau. Là, c'est pas... Là, je vous l'accorde, c'est pas beau. Je vais lui mettre des bottes. Déjà, il va avoir des jolies bottes, genre celle-là. Voilà, des petites bottes comme ça. Et puis, au niveau du pantalon, ça va pas. Là, ça va pas. Là, ça va pas du tout. On pourrait peut-être plutôt prendre celui-là, déjà. Lui, il est sympa. Il est sympa. Et à la limite, il aura pas de rose dans cette tenue. À moins que je crois que ses chaussures viennent en rose, mais il est tellement stylé comme ça. Et peut-être que le haut, il peut venir avec un peu de rose. Est-ce que j'ai un petit haut qui peut avoir du rose dedans et qui peut être un peu classe comme ça? Je ne sais point. Tchoukouchouk, là, il y a une petite chemise. Ma foi. Avec un petit bonnet, peut-être. Un petit bonnet pour bien finir le tout. Hop là, un petit bonnet ou une petite casquette. Un petit béret, peut-être. Oh, c'est bien les bérets, mais il n'y en a pas une couleur qui pourrait être sympa. Malheureusement, ça risque d'être compliqué de ce côté-là. Peut-être... Non, vraiment pas de bonnet. Voilà. Deux salles, deux ambiances pour les jumeaux. Ouais, mais écoute, c'est ça qui est cool, non? Regardez-moi ça. Regardez. Après, peut-être qu'en tenue quotidienne, ça fait un peu beaucoup. Je veux bien que pour la tenue de fête et tout, je vais juste changer. En vrai, j'hésite un peu. J'hésite un peu à lui mettre ça parce que je veux bien et tout. Mais en même temps, regardez comment il peut être sympa comme ça. Attendez, si je pars là-dessus avec le pantalon rose et les mêmes chaussures que celles qu'il avait en habillé. Donc celle-là, du coup, c'est pas mal. Et en tenue quotidienne, du coup, si je peux mettre un truc un petit peu classe aussi, mais vous voyez, un peu plus... Oh, genre ça. 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 Oh! Non mais c'est nickel. Non mais on est d'accord, c'est nickel. Attendez juste, le problème c'est que ces chaussures ne vont pas du tout. Faudrait plutôt que je prenne celle-là. Non, ça va pas non plus. Après, en bleu peut-être. C'est mieux. Parfait. Validation et gère avec cette tenue. On est d'accord. Bon, alors, est-ce que même... Ok, autre question. Est-ce que même, on lui mettrait pas du coup... Bah là, je vais pouvoir lui mettre peut-être la montre. À ce moment-là, peut-être que ça va marcher. Ouais, la montre fonctionne ici, elle fonctionnera pas ici, là non, c'est pas la peine, là c'est pas la peine, là elle fonctionnera pas ici, non, parce que c'est en pleine tenue de ça. Au niveau des bracelets, je vais pouvoir mettre cette montre ici, je vais pouvoir mettre ça aussi de ce côté-là. Je pense qu'on est bon de ce côté-ci, je voulais voir si je pouvais lui mettre des boucles d'oreilles. Voilà, rose, bien sûr, magnifique. Ma-ni-fique.
magnifique. Vraiment, lui, incroyable. Ok, ici, là, là, et il nous en reste juste quelques-unes de ce côté-ci. C'est parfait. C'est parfait. Moi, je trouve ça génial. Et lui, pas de boucle d'oreille. On est bien, là. Dommage qu'on puisse pas mettre qu'une seule boucle. Non, c'est bien les deux, je trouve. Il y a vraiment ce truc. Il s'est collé les gommettes aux oreilles. Il veut pas sortir sans ses gommettes aux oreilles. J'adore. J'adore. Écoutez, on a fini le relooking de nos braves petits-enfants. C'est nickel. C'est nickel. J'adore. Je sais pas du tout cette momie qu'on va voir. On verra ce qu'on trouve. Futur gamer, Benji, futur Casanova. Bah, peut-être que ce sera inversé. On ne sait pas. On ne sait pas. Franchement, moi, je les aime tous les deux. Je les adore. Ils ont... Là, j'adore le fait qu'il est toujours des chaussures. Vous savez, moi, je suis fan de claquettes chaussettes. Et du coup, je me sens très proche de Chris avec ses claquettes chaussettes. Je suis complètement fan de ça. Et écoutez, je pense qu'on va se laisser sur ce petit relooking pour cet épisode. Regardez avec les confettis et tout. Oula. Je crois que elle galère un peu. Je crois qu'elle a du mal. Et si on se laissait sur cette petite image pour finir cet épisode, hein? Fais gaffe, il y en a qui sont hébétés. Ce sera notre problème de la prochaine fois. Là, on en est à 3h22 de live. Je pense que c'est pas mal pour un épisode. Lucas, t'as lancé? Oh, mais il est à l'heure! Il reste 4 minutes dans le timer. Il reste 4 minutes dans le timer. Écoutez, je vous propose qu'on lance un raid chez Lucas. Bah, attends 4 minutes, non? Bah non. Ça va forcer à lancer maintenant, moi. Ça t'a un truc que ça va être fou cette histoire. Bah de toute façon, le temps que je dise au revoir, je peux lancer le raid. Ok, mais tu dis au revoir tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous souhaite un très très bon live en compagnie de Lucas. Bye. Au revoir d'abord TikTok, contente que le live vous ait plu. Merci d'avoir été aussi nombreux sur TikTok, ça fait super plaisir, merci infiniment. Et bienvenue à tous ceux qui sont arrivés, je vais vous dire bonjour parce que j'ai 35 bonjours à rattraper avant de lancer le raid. Voilà. Donc voilà, des bisous TikTok, bye bye. Merci à tous, merci des bisous. Fin. Voilà, c'est fini sur TikTok. Merci à tous, merci beaucoup pour tous les follow. Merci Lizzie, Marvia, Mariva, bonjour et salut Nax, coucou Aeli, coucou Schtroumpfeuse. Bah du coup on finit le live maintenant, coucou Benny, salut Lisa, MDRK, Marina et coucou Lorisen. C'est laquelle le chat qui dort? C'est Mila celle-là. Le chat qui est là, c'est Mila actuellement. Coucou Tokyo, salut LBD, merci beaucoup pour les follow. Coucou Setsuna et salut Luxlo et Mine Cravage et Xandram, Papuche Ziver. Salut à vous, j'espère que vous allez bien, merci beaucoup pour les follow. Coucou Clarousse, c'est peut-être juste changer les cheveux, mais en vrai, c'est mignon. Mais oui, c'est trop mignon, c'est trop chou. Mais regarde, j'ai changé aucun des cheveux des enfants qu'ils ont grandi, je leur ai laissé. Non. Je lève les yeux et je te vois en train de te brosser les dents, enfant. Oh bordel. Coucou Lolita Sta. Salut Élise Lanouille. Et coucou Pixel. Salut Vico Sanso Sopalin Cotone. Merci beaucoup Lucart. Piou Piou Piou. Gela Balni. Jadou Otakus. Fanny Saberub. Merci beaucoup pour les follow. Merci N. Cyril aussi. Coucou Mousse. Ali Léa. Larissa. Marie Gabri 2010. Et bye. Coucou Lan TV. Myriam Ako. Johan S'ennuie. Mango. Et Arsuela. Merci à tous pour les follow. Il y a vraiment eu beaucoup de follow, j'ai l'impression, à ce live. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été nombreux à vouloir retrouver Lola. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de vous retrouver le week-end prochain pour faire tout ça. Je vous ferai le petit récap. Ça va, cet épisode, il était plutôt chill par rapport à la semaine dernière, il y a 3 semaines, du coup, où on a vraiment joué pendant 6 heures. Bonjour Lisa et coucou Roman. Je vais vous proposer le petit raid vers chez Lucas. N'hésitez pas à rejoindre. Pour rejoindre, il faut pas cliquer. Si vous cliquez dessus, ça vous enlève du raid. Et si vous avez cliqué dessus et que vous avez été enlevé du raid, n'hésitez pas à re-appuyer dessus. Lucas, LU-DubaK, si jamais il y a des gens qui ne sont pas redirigés directement chez lui. C'était 8h, voilà, c'était 8h, mais je crois qu'on avait parlé pendant 6h, pendant 2h avant. Donc c'était plus 6 heures de jeu. Mais du coup, voilà, j'espère, encore heureux que j'ai dit la douche et les dents maintenant, pas dans 1 heure, il y a plus d'1 heure. De quoi ?
J'ai pas compris, Mel. J'ai pas compris ce que t'as dit. Mais je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous pour ce live. C'était trop cool. Ça m'a fait trop plaisir de retrouver Lola. Et ça m'a fait trop plaisir de vous retrouver, vous, avec Lola. Coucou, Ample. Et des bisous. J'espère que vous passerez, du coup, un bon dimanche. Moi, j'ai plein de choses à faire. Il va falloir que je vous prenne les photos pour le Amazon. Je vous mets Amazon à jour. Si jamais, n'hésitez pas à aller voir sur ce lien. C'est la boutique. C'est affilié. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des trucs à acheter et qu'il y a des trucs que j'ai, que vous voulez prendre et qui sont dessus, n'hésitez pas à passer par ces liens. Ça fait plaisir. Et du coup, je vais lancer le raid. Voilà, des bisous, je me mets en écran de fin, et Lucas vient de lancer son live, donc on le rejoint tout de suite, je lance le raid, et des bisous, et merci beaucoup, merci, attendez, il faut que je clique dessus, et normalement ça va être tout bon, et, le raid, c'est bon, des bisous!